Eh bien bonjour, Ouais. bonjour à tous, c'est la Shoutcraft sur OGaming, comment ça va TKL? Ah bah ça va super bien, et toi, ça Même va? si une danse comme ça c'est pas autorisé hein, Ah en ouais non mais France. c'est interdit effectivement par 4 pays membres de l'ONU, dont la France, donc effectivement 4? Ouais moi je dirais 40 hein. Ouais c'est bah, possible, écoute, Refais. je suis tout à fait Refais illettré, histoire qu'on soit sûr de... impossible, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait donc impossible. C'est un peu fiotesque. On peut le dire. Ouais non clairement. Mais du coup ce qui n'est pas du tout fiotesque ici, c'est la Shoutcraft effectivement comme tu nous l'as annoncé. Donc voilà, sponsorisé par Blizzard comme c'est indiqué voilà sur notre fond vert, avec une magnifique image faite par Petit Pied. Merci encore Petit Pied. Donc qu'est-ce que c'est la Shoutcraft à la base, mon cher Coca? Est-ce que tu le sais? Non. Très bien. À la base, la Shoutcraft, c'est les compétitions organisées par Total Biscuit. Donc il y a eu différentes éditions, notamment des éditions en clan war avec des équipes de la Kespa, parce que Total Biscuit, c'est ce Britannique qui a une énorme chaîne de gaming et qui adore StarCraft et qui a d'excellents contacts avec la Kespa. Donc le mec est capable de vous débloquer des mecs comme Maru, c'est d'ailleurs le cas dans cette compétition, et des équipes de la Kespa pour faire ses tournois. Donc c'est ce qu'il a fait à plusieurs occasions. Il a également fait des Shoutcraft NA pour mettre en avant la scène NA. Et après avoir eu quelques soucis de santé, le bon Total Biscuit eh bien, est de retour avec une nouvelle Shoutcraft, l'Ultimate Shoutcraft, qui va du coup opposer pour la première fois en 2016, j'ai envie de dire, un vrai groupe de Coréens et un vrai groupe d'Européens et un vrai groupe d'Américains. Donc on va vraiment avoir un mix finalement des régions comme c'était le cas dans les WCS les années précédentes, celles de 2015-2016. C'est ça. Tandis qu'on a le petit tournament Will Begin Shortly. Hein. Donc c'est voilà, ça. D'où la prise de live complètement hasardeuse et improvisée. Parce qu'en fait, pour l'instant, le truc, c'est que les joueurs vont être annoncés en live. C'est ça. Donc on n'a même pas tous les joueurs à vous dire. Alors on va, si tu veux, tu peux mettre mon écran de spy à l'exclish. Mais en gros, hein, on a un Protoss d'annoncer déjà, c'est super, le coréen de chez Afrikafrix, vous connaissez. Oui. Byun, Innovation, Maru, les trois Terran coréens. Et en Zerg, nous avons Nercio, Stefano, les Européens. C'est tout ce qu'on a pour le moment et apparemment les joueurs seront annoncés en live, on m'a dit dans l'oreillette. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Donc c'est voilà. Du meublage sans contenu. Tu vois, c'est le IKEA sans les clous. Comment tu fais? Tu peux pas. Tu vois, tu peux pas. Et bah tu attends. Deviens inventif, tu trouves c'est du ça. scotch et de la glu tout simplement pour faire la différence. Et ici, c'est un petit peu ce qu'on va faire. Notamment, moi j'ai envie de parler un petit peu de Super, puisque c'est vraiment bah, ce joueur Protoss qui n'a pas eu un début d'année, enfin plutôt n'a pas eu un début de carrière très successful et qui a débarré son année 2016, son année sur LOTV un peu sur les chapeaux de roue et qui vraiment commence maintenant à être un des bons atouts de l'équipe Afrikafrix, qui là du coup pourrait très clairement se mettre bien d'un point de vue personnel en termes de money, ce qui serait quand même assez bien pour ce joueur. Et vraiment j'ai hâte de voir ce qu'il va donner du coup dans une compétition individuelle comme ça, en plus en BO1 comme en Pro League donc, et où il s'est montré quand même très efficace pour Afrikafrix. J'ai été invité. On commence par qui? Il y avait Paul versus Super au début. Parfait, parfait. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, Imeric a voulu faire le mec. Ouais, on commence avec Paul contre Super sur Zo Gaming T. Allez lui dire de fermer sa gueule, il est en retard. Il n'est pas là. Hein. Donc moi, je c'est lui ai ça. Mis en attendant. Ouais, en attendant, t'es à la bourre, alors je te baise en caps lock. Voilà. Je vous propose d'aller faire de même ou d'aller simplement retweeter tout ça. Voilà, ou mettre un fav voilà, sur le tweet, ça fera forcément plaisir à Coca et Imeric. Sachant que. Putain, il y a Coca le beau gosse. Putain, il a pris quoi, TKL? Je veux la même chose. Un pénis dans le cul au vu de la danse qu'il a fait. Hein, bien sûr. Non, mais je viens de la revoir à l'instant. Du coup. Ah, bon. Très bien. Mais j'étais pas sûr d'avoir envie. En tout cas, c'est fait. Non, ça, non, non, c'est tout simplement une quantité massive de LSD. Tout simplement. Mais voilà, ne consommez pas de drogue, les enfants. C'est mauvais pour la santé. Voilà, moi, ça m'a fait perdre mes cheveux et tout. Mais, moi aussi, t'es mal. Je dépasse la cam. Voilà. Tu es beaucoup trop grand. Non, mais surtout, et moi je suis beaucoup trop petit. Tu vois. Moi-même, si je me redresse, je peux pas. Non, je peux pas. Pas possible, tu vois. C'est. Non. Trop petit. Un peu fiotesque, hein, une expression qui a plu. C'est ça. C'est normal, c'est une bonne expression. Et pourtant, oh, il fait beau aujourd'hui. Est-ce que déjà, hein, mes raccourcis sont passés d'un serveur à l'autre, tu vois. Parce que là, on a failli se faire baiser. C'est ça. On a failli ne pas avoir. Voilà, le WCS Game Art. Hein, j'ai failli faire de la merde. Et le défilement de la souris? Bah justement, laisse-moi check tranquillement tout ça. Parce que je voyais que tu sortais du... Non, laisse-moi faire les choses dans l'ordre, tranquille. Habile. Alors, tu vois, ça déjà, c'est pas bon. On va mettre un petit voilà. C'est assez extraordinaire de voir comme ça l'observateur des IUM se setup et tout. Ouais, bien sûr. C'est un peu un tutoriel privé, tu vois. Le truc, c'est que voilà, tu vois, les réglages sont...
il n'y a pas de standard. Parce que d'une régie à l'autre, c'est pas bon. Donc du coup, tu recommences à chaque fois, tu fais des trucs différents, tu improvises un peu. Et du coup, tu as 15 000 chiffres différents en tête. Et donc, tu fais comme tu le sens. Quoi. Voilà. C'est de la merde. Bah, c'est Star Sense en fait. C'est ton instinct te dit comment faire les choses. Exactement. Le Star Sense de l'observateur ici. Et du coup, Bolt contre Super. Qu'est-ce que ça t'évoque cette rencontre? Je sais pas, je vois qu'il y a Imre qui parle dans le chat. Ça me scandalise un peu. Ouais. Où es-tu, mais... Surtout la co du Thalys, donc je suis en train de me dire qu'il est en train de revenir d'Allemagne en fait. Et en fait, il va clairement pas arriver à 15h. Je crois qu'en fait, hier, Yogo m'a dit qu'il arrivait à 17h ou un truc comme ça. Et que c'est pour ça en fait. Ou Imre. Puisque hier, Imre faisait une. Ok, je suis pas sur le bon compte. Non, du tout. Mais hier, Imre faisait une compétition de drop zone, voilà, pour le nouveau jeu de Gameforge, un MOBA en 1v1, tout simplement. Chaque personne contrôle 3 personnages. Et Imre était dans la compétition, il a perdu bien sûr en demi-finale contre le Roi Bisou. Donc, bien sûr, vous pouvez insulter Imre d'avoir perdu contre un joueur de LoL. Ça lui fera forcément plaisir, tandis que je check. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de se faire insulter. C'est ça. Et puis, ça fait toujours plaisir d'insulter Imre. Donc, n'hésitez pas à insulter TKL sur le chat, il a l'air d'apprécier ça. C'est ça, j'adore. C'est fantastique, ouais. Toujours un bon moment. Genre t'es là, tu fais oui, insultez-moi toujours plus. Toujours plus. Il aime prendre la fessée et une petite insulte avec, j'ai l'impression, hein. Bon voilà, c'est ce genre de meuf quoi. Hop, mon code. Tac. Ah, on va pouvoir insulter Imre sur le chat. Parfait. Ça a de la valeur ajoutée quand même dans l'émission, tu vois. Ouais, tandis qu'on attend du coup Super dans le lobby, hein, le lobby de la game qui a été créé. Et du coup qui se lancera dès qu'on aura le joueur Africa Freaks avec nous. Et puis n'hésitez pas à nous faire partager un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, au hashtag OGSC2. Comment est-ce que vous regardez le setup, plutôt avec quel setup vous regardez l'émission, et comment est-ce que vous mettez. Oui, Alexis, tu veux me dire quelque chose là? C'est des choses qui arrivent. Du coup voilà, n'hésitez pas à nous dire comment est-ce que vous regardez l'émission, qu'est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous mangez, avec qui, comment, pourquoi, à la plage ou au bord de la piscine. N'hésitez pas, ça nous fera forcément plaisir. Et voilà, ouais, il est effectivement dans le train, dans le Thalys qui dispose du wifi. Mais du coup je pense que ça va quand même être compliqué de suivre le stream. Tandis que Coca et Imre bien sûr se tweetent mutuellement. Voilà, à la recherche de toujours plus de swag, de toujours plus de contenu à diffuser sur les internets. C'est ça. J'ai pas le stream, je suis tristesse. Hello darkness my old friend, bien sûr. Coca qui parle mal, où est l'amour entre vous? Justement, qui aime bien, châtie bien, poulet. C'est ça, et avec Coca, on... Un gros pénis dans le cul, voilà. C'est... Oui, voilà, oui. Et là, il recite ce que je dis et lui, il se fait Théo. Ça, c'est beau, ça. Bah, c'est parce que les modérateurs, ils peuvent pas Théo les casters, ouais. Mais il me semble qu'il y a plusieurs occasions où ils aimeraient bien le faire. En dessous, j'ai répondu, d'ailleurs. Si tu regarderas, j'ai mis un truc en dessous. Je voulais une photo de ta voisine Archibonne, pas un vieux sèche rose, voilà. Parce que je suis sûr qu'Imri, il a réussi à se mettre à côté d'une jolie fille. Bah parce que c'est Imre. C'est vrai, au bout d'un moment, séducteur dans l'âme. C'est le siège qui s'affaisse à cause de ton poids, TKL, j'ai le même problème. Je pense pas que ça soit le souci ici, mon petit jar, mais. Et c'est cool, c'est le gel, même problème, tu vois. Genre, c'est... t'inquiète, moi aussi. Je mange beaucoup de McDo, tiens. Et sauf que je ne mange pas beaucoup de McDo. ça joue quand? Bah, on attend la game. Coca, il a joué à War 3, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Attendez, est-ce que la game se lance? Non, on n'a toujours pas Super. Non. Parce qu'il est, il est pourtant un horaire tout à fait décent pour Super, là. Bon, voilà. Du coup, Total Biscuit, il y a les règles qui sont apparues sur le stream, c'est très intéressant. Le format est un best of one King of the Hill mensuel, ce qui veut dire que quiconque gagne les cartes joue le match suivant contre un nouvel adversaire. Le perdant est sorti du tournoi. Quiconque gagne la dernière map du King of the Hill choisit la prochaine map depuis le prochain map pool. Une fois que la map est choisie, c'est... Bah à mon avis, il n'y a pas d'autres joueurs en fait. Ce n'est plus disponible. Bah si, forcément. Jusqu'à ce que le map pool entier ait été utilisé. Tiens, celui-là, c'est écrit en plus gros, tu vois. À quel point le pool sera recommencé, il n'y a pas de veto. Les joueurs gagnent 250$ d'argent pour chaque victoire. Mais une fois qu'ils perdent une map, ils perdent le tournoi. 20 maps seront jouées chaque fois. 5000$ au total sur on the line. Quiconque est le roi à la fin du tournoi
commencera les prochains tournois mensuels en tant que roi. Contre un nouveau challenger, le serveur sera choisi pour les meilleures conditions cross-region, donc c'est-à-dire entre les régions, pour avoir le minimum de ping, par exemple entre un coréen et un européen. Ça sera sur ENA. Quand ça sera nécessaire, ça sera déterminé par un admin, par un coin flip de l'admin, donc un pile ou face de l'admin. Les joueurs ne savent pas. Ils ne savent pas qui sera leur prochain adversaire. L'adversaire sera choisi par l'organisateur du tournoi. Petite traduction en live. Voilà. Et bien sûr, la voisine archi bonne de Imre. C'est une grosse barbue. Eh oui, parce que c'est quand même les préférés de Imre. Au gaming, barbues. Je te vois ici que quand Coca-Cola, c'est mystérieux ça. C'est vrai en plus. Bye. Ah, ton front est comme le crâne de Krillin. Toujours, Zetom. C'est-à-dire ? Bah, j'ai toujours, regarde, mon front il brille à mort à la cam, moi. Bon, toi aussi. Oui, là, oui. Toujours le front qui brille à balle, les effets cam. Le front un petit peu graisseux, hein, voyez, c'est ça, hein, de la bonne huile humaine. Ah, ça. C'est ça qu'on aime. C'est ça. Bon, alors, du coup, Imre, un super skill, très bonne vanne. Il kiffe ta coupe et ta barbe. Eh bien, merci. Merci beaucoup, je les aime bien aussi. Bah en fait c'est pratique, parce que la barbe tu la laisses, ouais. Et les cheveux tu rases tout. Ouais. Donc en fait tu te prends pas la tête. Ah non, littéralement. Mais non, effectivement c'est bah, c'est simple, c'est facile. Surtout que j'en avais marre des cheveux un peu longs avec la chaleur. Oh, que attends. Est-ce que le code barre c'est super? Oui, ouais. Ouais. Est-ce qu'on l'a sur le chat? Normalement oui. Merci pour ce cast de qualité, continue comme ça, magnifique coupe de cheveux, TKL. Eh bien merci Hug117 pour Tori Sub et pour ce petit compliment, voilà, qui fait forcément beaucoup plaisir. Trop d'hommes apprécient ta coupe de cheveux, tu feras attention. Écoute, ta petite danse plus la coupe de cheveux, hop. Moi j'ai aucun problème à être flatté par un homme, écoute, hein, ça... Vas-y, si le mec il veut me flatter, tant mieux, hein. Frère, écoute, c'est sympa mais je mange pas de ce pas là, hein. Voilà. Après c'est pas forcément sexuel, hein. Je parlais pas que de ça. Ouais, mais je te connais, Coca, calme-toi. Bon alors attends. On est sur Neo Gettysburg, édition classement. C'est ça, édition classement. Oh putain, ça se lance direct, ok, no time to waste. C'est des BO1, hein. Ouais. Envious contre Polt contre Afrique Afrique Super, c'est parti. Coréen contre Coréen, deux conscients différents, on va enfin pouvoir savoir. Ah, oh, déjà là, on se pose des questions, tu vois. On se dit, est-ce que Polt, il a vraiment le niveau d'un Coréen, hein. C'est la question et qu'on se pose. Et s'il a encore ce niveau alors qu'il s'est fiancé récemment, voilà, avec... avec une jeune coréano-américaine. Il y a Hydra qui va se marier aussi. Ah ouais, mm. Nice. Oui, j'ai appris ça à Valence. Et donc, il le disait à Lillebeau, je t'inviterai tout. Alors attends. Tac tac, BO1. C'est choupinopiné. Et du coup, effectivement, BO1, la game est commencée. C'est parti. Shardcraft, King of the Hill. Tandis que en bas à gauche, le représentant de la Corée, mais aussi un peu des États-Unis, c'est le Captain America, Envious Polt. Et en bas à droite, le bâtonnet, hein, bien sûr, pour la team Afrika Freaks, il s'agit de support. Du coup, tu dirais que dans les mobiles, il joue support? Non. Il joue pas au mobile? Non. Okay. Il joue à StarCraft 2. Que StarCraft 2? Bah oui. Hashtag passion. Parce que pour aller péter MC en Pro League, Maru, etc., faut traîner un peu, tu vois. Ouais, ça tombe pas de nulle part. Ou avoir énormément de talent. Je pense que même le talent suffit plus à ce niveau-là en Pro League. Hein. Je pense que tous les mecs, ils sont à raison de leur... Je sais pas combien de games ils peuvent faire en une journée. Non, d'après ce que j'en ai compris en suivant quelques trucs, c'est que le standard d'une team house KESPA coréenne, c'est vraiment 10 heures de training par jour. Donc c'est pas forcément que des games qui sont joués, ça peut être des analyses avec le coach, etc. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de games joués, sachant que je sais que c'était en tout cas le standard il y a quelques années, c'est il y a une ou deux heures de practice en ladder random. C'est-à-dire que tu lances ton ladder, t'es en random. Okay. Tu joues toutes les races. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui se fait toujours, mais en tous les cas, ça te fait au moins deux heures de ladder comme ça. Donc, ça peut aller assez vite en termes de nombre de games, surtout sur LOTV. Mm. Maintenant, avec 10 heures de practice, je pense que tu fais pas 4 heures d'analyse de replay non plus. Ouais, ils doivent faire facile 60 games par jour, quoi, en fait. Ouais. Moi, au bout de 3, j'en ai ras le cul. Ma vie est un calvaire au bout de 3. Tiens, ça wall là. J'ai pas l'impression, hein. Je crois que la rack c'est un petit peu trop décalé. Si, pour moi ça wall. Ah, regarde, ouais. L'autre supply en fait, c'est pareil. Si, ah, c'est oui. Des maps comme ça. Qui paraissent bizarres graphiquement, mais en fait si. Ouais, ça wall. Ici, le petit Reaper qui a été envoyé de la part de Polt. On va scouter aussi au SCV.
un timing un peu étrange, c'est-à-dire qu'en fait le Reaper est déjà parti au moment où le SCV arrive, du coup ça... Tu fais pas vraiment de choix quoi avec ce SCV qui te donne des infos. C'est-à-dire que si c'est la merde finalement, bah, c'est la merde quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Tu peux pas vraiment switch, ton réacteur a déjà été envoyé, t'as juste l'info que c'est la merde. Donc enfin, pas question, enfin maintenant je vais pas remettre ça en question, mais moi je suis pas trop fan en cas. Attention ici, petite mine. Paf la probe. Ouais, paf la probe effectivement là qui va toujours décider la deuxième gaz, hein. Pourrait prendre taquet, non ça va, du coup l'adepte et le mocor qui sont sortis simultanément. Et on va pouvoir garder le Reaper à distance. Vraiment New Gettysburg, c'est vraiment pas une map difficile pour défendre ce premier Reaper. Une fois que vous avez des unités qui sont sorties et prêtes à défendre. Derrière on part sur la robot, qui est un choix intéressant notamment sur cette map, et qui avait également été le choix de pas mal de Protoss en fait hier pendant les WCS d'ouvrir sur de la robot directement contre Terran, derrière le conseil crépusculaire qui est envoyé. Donc on devrait voir quelque chose d'assez assez coréano standard, hein, du côté de Super, les builds à la Zest un petit peu. Ah, Paul, tu nous fais le même BO qu'il faisait à la DreamHack en fait. C'est un coca build, mais pas du tout. Tu vois, ça y ressemble, mais ça ne l'est pas. Cette Rax là pour l'instant ne produit pas tout de suite le Tech Lab. On fait une mine, on rajoute le Starport et ensuite on fait le Tech Lab. Le Steam arrive plus late, mais par contre on a une mine dans le délire, donc c'est pas mal du tout de la part de Paul. Ce BO, j'apprécie bien. Ici, on va venir couvrir en plus l'arrivée d'une prop pour une possible B3 côté Super. Et franchement, ça, Blizzard, ils ont déconné les petits gâteaux là. C'est bien, hein, c'est sympa, hein, mais putain. Non mais surtout que ça dure 2 jours en fait, parce que ça commence à être long, tu vois. Surtout. Ça dure que 2 jours. Bah non mais. Genre ça finit de ce soir. Ah non, j'en sais rien, mais ah, oui. Pour moi ça aurait dû durer une journée et le jour de l'anniversaire de Starcraft, tu vois. Et après c'est fini. Ouais. Tu sais, ton anniversaire c'est une journée quoi. C'est ça. Si on commence à t'offrir un gâteau par jour. Sauf qu'avant pendant ça dure toujours une ou deux semaines ces trucs là en général. Ouais, ce qui est assez relou. Mais il m'avait semblé que c'était déjà. J'ai peur. The Reaper, mais c'est un tueur en série. C'est ça. Arrêtez-le. Oula. Oh déjà 5 kills pour ce Reaper. Oh la machine. Mais super, va falloir envoyer ton overcharge, hein, mec. Non mais enfin, il est pas à portée. Non mais surtout t'as 2 adeptes qui sont sortis. Normalement le Reaper il est jamais de la vie, il remonte dans la base. Ou alors s'il remonte dans la base, au moment où il remonte, il se fait cueillir directement par un des adeptes et il meurt très très vite. Donc là clairement petit mise contrôle, hein, de la part de Super qui permet à Polt, qui micro gère lui du coup très très bien, de prendre un petit avantage là, hein, d'un point de vue économie. Ah. L'écart de prop devrait être beaucoup plus important en la faveur du joueur Protoss, et on voit c'est à peine de prop de plus, donc c'est un petit peu la crise du côté Protoss là. Ouais, d'ailleurs t'as Paul qui part sur une énorme agression. Ça, c'est vachement intéressant, hein. Cette troisième Rax, moi j'aime beaucoup, je fais que ça en TVZ en ce moment. Ouais. Et j'ai 80% de win, donc tu vois c'est fort. Et du coup tu vas peut-être le faire en TVP maintenant que tu vois. Ben j'ai essayé, ça marche moins bien quand même. Mmh. Parce que, mais moi c'est une autre adaptation, hein, bien sûr. Mais en tout cas cette troisième Rax, elle délaye pas tant que ça la B3 de toute façon, parce que de toute façon elle est très light sur ce genre de BO. Par contre ça vous ajoute une prod énorme, c'est vachement intéressant vraiment à faire. Je vous le conseille à Mitterrand, et là voilà c'est parti, on drop tout, like a port. Et on envoie l'Ops, lui il est pas bien positionné. Hein. L'Ops il est pas dessus, pour l'instant c'est quoi? Il y a 3 Ops sur la carte. Ici c'est un Marines qui est en train de patrouler. 4 Ops sur la carte quand même, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, bah ça fait énormément et ça délaie du coup énormément aussi un compte d'immortel ou de quoi que ce soit d'autre, de War Prism pour mettre l'agression. Et le fait est que Super a été extrêmement greedy. Il a fait 4 Ops. Il a fait 2 forges, il a fait une B3, et là, qu'est-ce qu'il a? Il a 6 stalkers, 7 stalkers pour gérer eh bien, une vingtaine de marines et une mine. Autant vous dire que ça va très mal se passer pour le joueur Afrique ici, le blink qui est terminé, donc qui aide un petit peu à tenir, mais la B3, elle, qui est très difficile ouais, à défendre. Il y a un pylône, mais... Jamais il la défend, cette B3. Bah, il va tenter, j'ai l'impression, mais c'est une erreur. Oh là là. Déjà, il prend un énorme shot sur ses stalkers, faut qu'on leur charge, mais le pylône qui n'est pas à portée. Déjà, il sauve ses props, c'est déjà un bon début, hein, mais là, je le vois pas tenir cette B3. Il peut pas, il donne trop, là, il donne trop, super. Pas besoin de donner cette B3, attention agression de la part du joueur Protoss ici, on a perdu son prisme sur la missile tourette. Par contre on a que 2 adeptes, oui ça va pas faire grand chose, on le voit Polt qui est déjà dessus et la B3 qui tombe. Aïe 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 aïe. Ouais, et là on a un super qui galère un petit peu contre son adversaire. Oh là là, c'est la crise. Il annule pas les pilotes. Catastrophe, super, il est en train de se faire déchirer. C'est vrai que c'est pas trop la méta en Corée ce genre de truc. Hein. Non, clairement pas. Et on le voit moins. Il y a peut-être aussi un facteur de préparation parce que mine de rien, en Pro League, t'as le temps de préparer. Corée, il est sur le serveur Arena aussi. Il y a le ping. Ouais. Il y a le ping. Ouais. Non mais il est censé quand même être assez largement supérieur, enfin suffisamment meilleur que Polt pour. Pas forcément, mais. Pas forcément. J'irai pas dire ça trop rapidement non plus. Ouais. C'est-à-dire que Super, il est fort, tu vois, mais c'est pas le meilleur, c'est pas Zest, quoi. Non, c'est pas Zest, mais bon, c'est genre le sixième Protoss de Corée, tu vois. Mm-hmm. Ou 7ème à la rigueur. Bah ouais, mais est-ce que Polt a le droit de jouer avec lui? En tout cas, sur un B1, pour l'instant, ça se passe très bien. Ouais.
et il pose sa B3, il va la terminer, il a la B3 avant le joueur Protoss, largement avant le joueur Protoss. Regardez, elle vient d'être ajoutée, ce troisième Nexus. Et là, bon bah t'as des Stalker Blink, c'est cool hein, bah, ils vont être 1-1, mais même tes forces, tu les as envoyées plus tôt que ça. Elles ont mis du temps à envoyer parce que t'étais sous pression. Ouais. Et là, il y a quand même 62 de pop armé à 50, à 25. C'est ça, et puis il y a le plus 1 d'attaque qui est déjà là pour le joueur Terran, donc mine de rien, là, il y a quand même toute une phase où il est pas si bien que ça, super, parce que son 1-1 à lui n'est pas terminé. Le plus 1 de défense qui a été envoyé immédiatement du côté de Bolt. En plus, là, on a des mines, des libérateurs qui se sont rajoutés à la compo. Là, on est en train de taper sur des marines, et du coup, les mines qui sont parfaitement capables de continuer à avancer vers la B3 et du coup, de créer une position extrêmement sécurisée. Ok, une mine qui va se faire éliminer, c'est déjà ça pour super, voilà, qui va blinker toutes ses unités pour s'échapper, mais du coup il a plus de blink sur ses stalkers qui vont avoir du mal à prendre la fight. Le pion qui se fait tomber et là c'est waouh, il s'est fait chier dessus quoi. Il s'est fait bien défoncer, il s'est fait largement démonter. Oh là là, les 3, les 4 libés, la polt qui fait la polt. Il ajoute déjà, regardez son deuxième starport, je l'ai vu. Il est là, plus le noyau de fusion, polt qui joue polt, tiens. Polt qui fait son typical style en TVP. Et ça va largement suffire hein, je pense, il en aura peut-être même pas besoin. Il a tellement d'armées par rapport à son adversaire. Faut juste, à mon avis, prendre le temps là, il a pas besoin de forcer. Continuer à deny cette base. Miner comme un gros sac ici, envoyer son armurerie peut-être, je pense pas qu'elle soit passée. Je l'ai pas vu, ouais, pas d'armurerie, mais voilà, envoyer armurerie, plus 2 d'attaque, deuxième IB. Ouais effectivement. Enchaîner quoi. Et derrière il va se trouver face à un super qui a une compo très HOT-esque avec ses colosses qui sont produits comme ça, le 1-1, les Blink Stalker, des Zealots, enfin il n'y a vraiment pas grand chose de très brutal dans cette armée. Et le fait est que face à des Libérateurs, face à une duo qui va être aussi améliorée que celle de Polt, ça va pas être évident du tout à gérer pour le joueur Terran. Pugneux Gaspard, salut, vous êtes au top sur toutes tes quelles avec sa belle barbe. Merci Gaspard pour ton don et ton compliment qui fait plaisir. Pugneux. Alors attends, du coup pour l'instant Polt, faut faire attention, il a pas l'info sur cette prise de base quand même. Ah voilà, il va aller check, il a eu envie d'aller check, voilà, il y a un Marines qui va y aller. Il y a complètement un Marines qui va y aller, attention ici, on va poser les Libérateurs. Est-ce que c'est maintenant qu'on y va pour... Super, parce que là il vient de se faire couper sa base, il est éloigné de sa base, il peut pas aller la défendre là, dans l'immédiat, il est obligé de passer par les zones de libération. Oh, attention, voilà, Dev qui prend tarif. La portée des Libérateurs qui est en cours de recherche ici pour Polt qui va continuer à accroître la pression sur les épaules du joueur Protoss qui doit absolument réussir à casser cet enfermement. Et là c'était nul, le blink d'aussi peu de Stalker. Donc 4 Libérateurs, il s'est empalé et du coup les Colosses sont un petit peu à poil. Il arrive à tenir plus ou moins sa position. Mais bon, Polt qui va quand même tomber la B3, il va reperdre des Stalkers, il va perdre tous ses Colosses. Bah c'est pour moi. Il a démonté Polt. Ouais. Là. Super, il lui met tarif en plus. Hein. Ouais, et c'était vraiment là, sur la fin, un move du désespoir de la part de Super, mais c'était... Je pense qu'en fait, il aurait mieux fait de blinker de l'autre côté, parce qu'il a blinké du côté où t'avais 4 Libérateurs, donc tu fais quand même DPS très très vite. Un Stalker, ça prend 2 coups de Libérateur. Ouais. Donc autant vous dire que... Tu mets, enfin, on va admettre que les Libérateurs tapent pas tous simultanément sur le même, donc leur fire est relativement cost effectif, et du coup, en l'espace de 4 secondes, t'as perdu 4 stalkers, et derrière, t'as plus qu'un tiers de ta. Enfin, plutôt les 2 tiers de ta force de stalker. Et c'est poussif. Et derrière, tu te retrouves avec seulement 4 zealots, 4 adeptes et 2 colosses face à toute la bioball qui a les mêmes upgrades que toi. Et en plus, t'as 2 libérateurs qui sont en train de soutenir la bioball. Alors que si tu blinkais sur les 2 libérateurs avec l'ensemble de l'armée qui attaquait sur la bioball, tu pouvais te débarrasser des libérateurs, défendre ta B3 éventuellement. Il y avait peut-être. Moyen de négocier. Attends. Winner pick ma poule. Alors j'essaye de comprendre le système, hein, mais j'ai l'impression que c'est l'histoire de serveur aussi. Là, Super est éliminé. Super est éliminé. Paul, t'as gagné 250 balles, tout simplement. Je sais pas qui est-ce qu'il va jouer ensuite, mais je suppose que ça doit être soit un autre Coréen, soit un Européen pour qu'il se retrouve à jouer tout simplement sur un autre serveur potentiellement. Il va y avoir un coin flip. Il y a des chances que ce soit un Européen si le coin flip se passe vraiment, puisque si c'est un Coréen, il y a quasiment toutes les chances que ça soit sur ANA. Ah, au fait, non. En fait, non. S'il joue en Coréen, il y a des chances que ça soit sur Corée. Si, bon. On verra. J'essaie de comprendre le fonctionnement de ce tournoi. Wallé, Ashro, Wallé, 19 de kiff, 19 mois effectivement de kiff avec toi et avec vous tous. Voilà, bien plus encore d'ailleurs, comme Denver. Donc du coup, il va avancer là, match 1, 2, 3, 4, 5, il y a des matchs 11, 12. C'est vraiment pas très clair le truc pour l'instant. Hein. Une ligne, même pas, Shotcraft is a monthly StarCraft tournament hosted by Total Biscuit. C'est tout.
C'est tout comment on sait que ça fonctionne. Je suis en train de me demander si en fait on va pas y avoir juste 5 matchs. Non, quand même pas. Non, je pense pas. You ask me before to choose server for match play. Ok. On va voir hein, ce qui se passe. Oula. T-shirt un peu court. Mais, oula, elle a créé un salon déjà. D'accord, très bien. On va join. Hein. Nous, on join au limé. Voilà, on pose pas trop de questions. Salut les poulets, continuez comme ça. Wale. Et j'ai l'impression qu'il manque un mot. Mais Wale à toi, Arne Valdan, pour tes 5 mois de resub. Et du coup, le roi actuel, c'est Polt, avec sa map de gagné. Il va jouer Ragnarok, là. Alright. Donc, le coréen Zerg. J'ai envie de voir jouer Bion, moi. Ouais. Moi, le seul que j'attends sur cette compète, c'est un Bion versus Maru, tu vois. Ou un Bion contre Stefano. Ce fanboy Terran. Ou un Maru contre Stefano. Non, fanboy Stefano slash Terran. Terran slash ouais. Stefano. Mais du coup, j'ai envie de voir. Stefano, c'est aussi parce qu'il était, voilà, il est français, il est swag, il a envoyé du bon pâté à DreamHack Valence. Maru Bion. Ah bah là je pense que c'est le wet dream de tous les terrains en fait. Holy shit, Maru Bion, mec. Un TVT entre les. Peut-être alors, les deux meilleurs terrains du monde à l'heure actuelle. Alors pourquoi Olimé a quitté? Bon, très bien. On va voir, hein. Pour l'instant il y a les joueurs dans le salon. On va pas paniquer, on est là où il faut pour le moment. Wale, t'as au like 17 mois de resub, merci. Il a écrit ça comment, Wale là? W-H-A-2-L-E-3-R. Ah, j'aime ça, j'aime ouais. Taolek. Niquer les conventions. C'est ça. Toujours des bons plans. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Non. Ok. Du coup, ouais, on attend le début de la game tout simplement. Entre ces deux joueurs qui va du coup être un TVZ à partir de là. Et ça va se passer sur Temple Gelé. Assez curieux de voir comment ça va se dérouler. Est-ce que Polt va réussir à montrer le même niveau en TVP qu'en TVZ, ou plutôt l'inverse, en TVZ qu'en TVP. Puisque le TVP, ça a été quand même historiquement un bon match-up pour Polt. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il va réussir à faire le même genre de choses contre Ragnarok? Surtout que Ragnarok c'est également un mec qui s'entraîne en Corée en Kespa. Et mais si je devais faire un ordre du classement, je pense que j'aurais mis Ragnarok derrière Africa en termes de puissance actuelle. Derrière Africa. Derrière Super, pardon. Africa Super. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Ouais, je pense. Maintenant, Ragnarok, c'est un sale. C'est vrai. Il joue comme un sale, du coup, on va voir ce qu'il fait. Comme un gros bourrin. Toujours c'est JNTUS, hein, c'est ça? Ragnarok, il me semble, ouais. Comment ça, il me semble? Bah le mercato, je suis pas trop courant et... T'es pas un fan de CJ toi? Bah non mais attends, est-ce que Ragnarok c'est le mec le aligné le plus souvent pour CJ? Il arrive souvent ouais, quand même. Non, pas dernièrement. Pas trop. Pas depuis qu'il y a MC mais sinon il joue avant. Voilà, donc je sais pas où est-ce qu'il est en ce moment. Tu vois. Il est peut-être encore chez CJ mais j'ai pas vu de nouvelles... Choqué déçu Coca. Oh là 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 là. C'est comme s'il y avait un mec qui disait Fando Gaming, TKL c'est qui tu vois? Parce qu'il a pas regardé sur les 6 derniers mois, c'est exactement pareil. Oui et non. Bah si. Ouais, non. Bah si, parce qu'il dit qu'il est fan de quelque chose mais il connaît pas la team. Non mais je suis fan de CJ à la base parce que je suis fan de Hero tu vois, à la base. Ah donc t'es pas un vrai fan? Bah en fait Ragnarok m'en bat un peu les couilles quoi. Ah donc t'es pas un fan de CJ? Bah je suis un fan de CJ. Ah non pas pour, non mais là tu vois. Hein, non, please, t'es KL. C'est débile. Attends, par contre il y a des trucs à regarder. On est dans la game, bon ça c'est Polt, hein. En bas hein, c'est Ragnarok. Mais lui c'est pas très intéressant parce que c'est ici que ça se passe. Théma, gas first, double rax. On va prendre un coréen, en Corée, à la micro. Alright. Parce qu'on sait qu'on est sur le serveur où l'autre il lag et pas toi. Du coup, boum! Triple Rax Reaper, TKL. Ah bah, il y a un moment où tu joues la win, hein. T'es là pour 250$ par map, tu cherches pas forcément à faire dans la finesse. Et c'est vrai que non seulement Triple Rax Reaper c'est une map assez populaire, c'est une strat assez populaire sur cette map, mais en plus de ça, eh bien si tu peux bénéficier de l'avantage du ping, c'est vrai que c'est assez 250 cool. $250 par map, c'est énorme. C'est ça, pour un total de 5000, voilà. Beaucoup plus que moi. Sur une après-midi de casse de 15h à minuit, tu vois. Que vous ayez un ordre d'idée. Et tu vois. Mais 250€, dollars en 20 minutes maximum de jeu. Ça, quand tu mets ça sur un mois de travail, je veux dire, si t'as quand t'as un salaire où t'es payé comme ça fait 1000€ par heure,
t'es pas mal. Hein. Ah, t'es même très très bien. T'es extrêmement bien. Je suis parti sur un quart d'heure, bien sûr, hein, pour les 250 euros. Une game, c'est 15 minutes, à peu près, tu vois. Bon, là, Triple Axe Reaper, j'aime. J'apprécie. C'est gras. C'est solide. C'est. Paul, d'ailleurs, regardez, il envoie tout de suite son petit supply ici parce que Paul, il a tendance à faire beaucoup de supply block. Du coup, là, il prévoit, il a la thune pour, il l'envoie. Ouf. Et merci à Tenin81 qui a continué à resub. Merci beaucoup. Le Reaper ici qui va pas réussir à gratter. Ok, c'est bien micro-géré pour l'instant de la part de Ragnarok. Mais attention à l'arrivée des Reapers suivants qui eux vont commencer à faire peser une grosse menace ici sur le joueur Sigentus. Et attention du coup, les Arglings qui prennent la fight. La Queen qui est là pour jouer les arbitres. Pour l'instant, les Queens qui ne meurent pas. C'est très très bien fait de la part de Ragnarok. Et la deuxième Queen qui descend. Alright. Le Roach Warren qui va arriver. Et ça pourrait mettre fin aux velléités de Polt. Alors pour l'instant, ici il va prendre la fight. Petite mine qui est envoyée dans les queens qui fait mal. Attention, il y a un Reaper dans l'eau, il le micro bien je fais de la part de Polt ici. Pour l'instant Ragnarok il défend like a prince. Hein. C'est vraiment, de toute façon vous l'avez vu, hein. Voilà, il y a 0 unité qui est morte sur 4 Reapers qui sont venus taper. Pourtant 5 Reapers là maintenant c'est du one shot de Gling. Mais il va réussir à ne pas les perdre, vous allez voir, ça va être incroyable. Attention, le speedling qui va se finir dans 7 minutes, dans 5 secondes ces Reapers sont condamnés. Hein. Ou du moins va falloir envoyer les meilleures mines de la terre. C'est ça, on va voir si c'est le cas ici pour Paul. Est-ce qu'on a les meilleures mines de la terre? Pour l'instant, one shot des Gling, les premières unités qui sont en train de tomber. Le Roach Wine qui est sorti, du coup les premiers Roach aussi. Attention les Reapers qui sont présents ici. Mais vraiment je pense que peut-être que prendre Ragnarok sur la saleté c'était pas la meilleure idée. Parce que comme tu l'as dit au début, Ragnarok il a pas peur de jouer comme un sale. Et en fait là il s'est parfaitement... parfaitement comment gérer son truc quoi. Il a vu les Reapers et directement t'as eu le Roach Warren. Et là en vrai bah comment tu break ça pour Paul? Bon t'as la transition qui est en train d'arriver donc il va pas chercher à le break à l'infini. Mais là il commence à perdre des unités hein. Ouais là il lui a pris, ouais mais là il lui a pris deux ouais il lui a pris deux Reapers Ragnarok. Là il est vachement bien dans la game. Il va pouvoir redroner Paul. Le problème c'est que voilà il a... Non c'est bon pardon excusez-moi. Je pensais qu'il avait envoyé un seul CC mais en fait il en a envoyé deux. Donc non Paul il est bien dans sa game là pour l'instant. Faut juste pas qu'il perde ses Reapers. Faut qu'il fasse très gaffe au Roach. Voilà. Ses Roach théoriquement ils traversent pas la map vivant. Donc pour l'instant tranquille de la part de Polt. Mais si c'est des ravageurs. Pareil, ravageurs ça prend all ultra right. Cher sur les Reapers. Ouais bah ils ont moins de points de vie. Mais genre avec les auto-attaques hein Théma. Ah ouais bien ouais. Boom. Attention par contre le surround qui est tenté ici de la part de Ragnarok. Ok on a pris un Reaper, deux Reapers de plus mais on n'aura pas réussi à faire le surround. Attention build corrosive. Ok non. Tac, allez. Jamais ils avancent ces roaches. Par contre les Gling ici qui sont déjà en position. On a un bunker qui est prêt, un Marines qui sera dedans, qui va pouvoir fermer la porte tranquillement. Y a pas de bata bending, hein, on en a pas vu passer. Il va pas bending bust. Là, il est en train de redroner un Ragnarok. Son but n'est pas de gagner la game maintenant. De toute façon, il en a pas les moyens. Attention. Attention. Ok, on va aller, voir s'il y a une petite base ici. Il faut faire gaffe quand même là. Hein. Bolt, il y a deux ravageurs à ta porte. T'as un seul Marines dans un bunker. Autant dire que ça peut très mal se passer très vite. Mais est-ce que Ragnarok va pas faire demi-tour en voyant les Reapers qui commencent à mettre pression chez lui? La B3 qui pourrait complètement être cancel pour tenir la position. Enfin. Elle a laissé tanker un maximum de dégâts et du coup gagner du temps au niveau de la B2, faire des queens et des roaches. Maintenant l'agression qui est en train d'arriver surtout au niveau du wall de Polt. Le wall qui est ouvert, les Zerglings qui vont prendre notamment le surround sur les unités. Et là le wall qui est complètement ouvert, les unités qui rentrent dedans. Polt qui se fait complètement agresser ici par le joueur de chez Sigentus. Et on est en train de faire beaucoup de Zerglings et un ravageur dans la base de Polt. Les Reapers qui certes sont en train de faire du dégât mais est-ce qu'ils vont être capables d'en faire assez pour compenser les dégâts qui sont pris à la maison? J'en ai l'impression. Tandis que Lesniak, oh allez Subscribe pour la première fois. Bien sûr, attention ici, on arrive à se faufiler encore. Mais là il n'y a plus beaucoup de Reapers par rapport au nombre de Gling présents. On va essayer de sniper des derniers drones, une petite mine peut-être. Non, elle n'a pas été envoyée. Et encore des ravageurs devant la base de Polt. Là ça devient compliqué pour le joueur Terran. Mais il a 3 CC, hein. Il s'en fout de perdre 11 SCV. C'est vraiment pas un problème pour lui. Attention, là ça va être un supply de plus qui va mourir. Tac, est-ce qu'on appelle concussive? Non. Steampack qui va se terminer. Il a pas mal d'unités là. En théorie, Polt il devrait pas mourir là-dessus. Ouais. Surtout avec le Steampack, normalement ça devrait shutdown assez rapidement cette agression. Allez, les Alignes qui sont en train de pas mal mongoliser là. Holy shit. Ok. Il a pas envoyé ses billes, il a rien fait là. Et maintenant ça va steamer là. Polt il peut steamer dans 2 secondes. Ça c'est pour lui. Non, okay. Il ira pas les prendre. Ok, il ira pas les prendre. Mais c'est vraiment Polt il est archi bien. Il est archi bien. C'est dingue. C'est dingue à quel point il est bien. C'est voilà, ouais. C'est la famille. Bah surtout après le peu de dégâts initial qu'il avait fait avec ses Reapers, c'est vrai, enfin c'est pas évident de transitionner de ce genre de choses. Et le double CC qui a clairement payé pour le joueur de chez Envious, donc vraiment big up. Mais maintenant il faut voir comment est-ce que Ragnarok se dépatouille de cette histoire. Et le petit plus 1 de défense avec un T2 rapide. Alors certes il y a le plus 1 d'attaque à distance mais
On a déjà vu des joueurs Zerg tenter des transitions ultra-risques après avoir d'abord recherché les ups à distance pour avoir un compte de Roche Ravageur qui fait un peu peur, etc. Et derrière, tu débarques avec des ultras qui ont certes pas d'amélioration d'attaque, mais qui ont des améliorations de défense qui sont déjà bien présentes. Et c'est un peu ce à quoi je m'attends ici de la part de Ragnarok, qui pour moi est vraiment typiquement un joueur coréen qui n'aurait pas peur d'aller chercher les ultras, contrairement à la plupart des joueurs coréens Zerg. Attention ici. Faut fermer le wall, Polt, c'est bon, il y a des Marines, ils devraient pas rentrer. Là, il y a beaucoup d'unités, hein, Polt, mine de rien. En face, c'est quoi? Il y a que 8 Roach. 8 Roach et 12 Gling contre 26 Marines, 4 Marauders, il peut largement passer avec ça, Polt. Maintenant, il faut attendre quand même les deux Medivac. Ils sont envoyés à l'instant de la part du joueur Terran ici. Petit bouclier maintenant, où sont les deux IB? Voilà, elles sont là, il faut commencer à travailler dessus là. C'est très important pour Polt, il a les ressources, il faut juste l'envoyer. Il faut juste y penser, il faut juste cliquer. Cliquez, bande de salopes! C'est ça. Et du coup, pour l'instant, voilà, c'est envoyé à l'instant. Très bien fait. Ouais. Un tout petit peu late, mais ça va. C'est pas du tout dommageable pour Polt. Non, effectivement, là, ça devrait pouvoir être compensé hein, dans un futur proche du côté du joueur coréano-américain ici. Ça, j'adore ça. Bon, c'est ultra risqué, hein. Mais les vieux groupes d'unités comme ça qui se promènent et qui viennent te choper une queen, un gaz et qui s'en vont en steamant, c'est sexy as fuck. Maintenant. Il ira pas pour le moment. Oh, Spire, du coup, du côté de Ragnarok qui ne va pas du tout aller chercher les ultras. C'est intéressant. Spire, Batachancre et. Ah bah, il veut jouer genre. Est-ce qu'il... La question en fait, du coup, il y a une vraie question qui se pose. C'est est-ce qu'il fait pas des corrupteurs avec cette Spire? Parce que là, du coup, il pourrait se retrouver sur l'ancien style de Dark, oula, à la Zergling, Benling, Roach, Corrupteur. Oh là, attention, là, faut courir, Paul, faut pas perdre trop d'unités. C'est bien d'activer ces unités-là maintenant, faut y aller avec le Steam, avec les Medivac aussi. Go, Paul, c'est maintenant, on va lui choper des drones. Et voilà, c'est bien fait, Wall est de la part de Fulcrum. 55, et là, voilà, on lui chope des drones, on est chez soi, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, mais holy shit, il est en train de lui mettre méga tarif là. Ah bah... Il va prendre l'hatch. Attention, les esquives, Paul peut-être. Ouh, le sauvetage in extremis ici, de la hatcherie du côté de Ragnarok. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a dans la B1 pour défendre? On a vraiment pas grand chose. Les quelques Zerglings qui sont en train d'arriver à la queue leu et qui du coup vont se faire exploser les billes corrosives. Par contre, qui sont lâchés derrière, ok, ça ne touchera rien. Paul qui esquive extrêmement bien. Et derrière, bah, on a un Ragnarok un peu en souffrance hein, face au multitask de son adversaire. Faute d'anti-aérien concret. Là, il va clairement falloir sortir des unités. On va sûrement sortir des mutas pour shutdown le. Le drop play tout simplement. Il y a tellement pour Polt. Il va venir lui éclater la tronche sur sa B3. Là il y a des tanks dans des Medivacs. Attention, il va faire ça sur son 1-1. Allez, on sauve tout. Et voilà, il va venir avec tout ça sur son 1-1. Il va lui éclater la tronche. Ici ça tourne, on a saturé les gaz. On va envoyer, alors l'armurerie voilà, elle est un petit peu light, mais elle va être envoyée dans les temps quand même pour bon non, en fait je dis elle est light, mais elle est nickel. Ça se termine pile en même temps que les améliorations. Excusez-moi. Et là, attention, il y a des bending, ils ont le speed aussi, mais là il y a deux tanks positionnés derrière qui sont pas en mesure de one-shotter les bending pour le moment parce qu'ils ont pas leur plus 1 d'attaque alors que les bending ont le plus 1 de défense. Attention, beaucoup de bio bien géré de la part de Polt. Ouais. Qui gratte et qui tape et qui tue à la fin. Et du coup c'est des corrupteurs qui ont été envoyés du côté de Ragnarok hein. Donc très cool comme style je trouve les du drones, côté les du drones, joueur les drones, ah, les drones et surtout les bending hein, les cocons de bending là qui sont en cours de formation et qui pourraient se faire cancel. Non, là on a des connexions plutôt correctes. Les corrupteurs qui vont pouvoir taffer ici sur les Medivac notamment et donc réduire la mobilité du tankivac. Donc là pour l'instant j'ai l'impression que ça pourrait tenir du côté de Ragnarok. C'est tendu. On va tomber le tank, ok. Les unités de la bio qui se font finalement repousser. Et les corrupteurs qui ont fait un taf de fou sur les Medivac, ce qui force finalement Polt à backer puisque son armée est beaucoup moins tanky au final. Donc vraiment très bon choix technologique ici de la part de Ragnarok qui derrière va avoir son plus 2 de défense, a le plus 1 d'attaque au contact et donc va avoir une armée très cost effective, je trouve ce Zergling, Benling, Roach, Ravageur, Corrupteur qui devient vraiment cool. C'est une compo qui est cool, qui fait mal, qui est dur à battre, mais maintenant c'est une compo qui coûte cher et qui empêche le Zerg quasiment de passer sur le tier 3 à moins de vraiment cut et d'être en avance économiquement. Là c'est pas le cas de Ragnarok, il a un petit 125 de pop. Regardez sa banque de gaz, elle est inexistante, il est obligé de faire des unités, ça coûte cher. Du coup le T3 Zerg n'est pas vraiment envisageable dans cette composition là. Et du coup, au bout d'un moment, le Terran, quand il a posé ses libés, etc., à moins d'avoir un compte de corrupteur énorme, c'est compliqué. Attention ici, le Medivac est boosté. Il faut esquiver tout ça. Pas facile de dropper là pour Polt. C'est sacrée diversion parce que tout ça se décale ici. Voilà, on vient réannuler la base tranquillement. Tranquillement. Le multitest de Polt ici qui est clairement impressionnant. Par contre, là, on va se faire choper le drop. La hatch qui n'a pas été annulée, hein, qui a été détruite du côté du joueur Ragnarok. Donc, on a perdu les 300 de minerais. Ici, on va réussir à finalement nettoyer un petit peu. Mais les corrupteurs qui restent des
unités relativement lentes comparées aux mutas et donc qui mettent du temps à venir aider à nettoyer les medivacs. Donc certes, ça, les nettoyages de medivacs forcent Polt à en refaire, mais là il a réussi à tout sauver. Attention, l'engagement qui se reprend au sud directement ici, les Bellings qui sont arrivés pas mal au contact de la bioball. On a perdu beaucoup beaucoup de choses du côté de Polt ici. Je crois pas, mais il avait plus beaucoup d'unités de toute façon. Je crois qu'il avait deux medivacs pleins. Peut-être, peut-être. Et du coup pour l'instant, bah là, il est obligé de refaire ses Bane, il est obligé de... Il peut pas faire son upgrade de plus 2 d'attaque melee, il peut vraiment rien faire, il a pas d'argent Ragnarok, attention, ces deux Zerglings là se sont faufilés. Ouais, bah, le dépôt il le voit pas? Si si. Ok, ouais. Il va se faire défoncer gentiment. Dommage ici. Pour Ragnarok qui du coup faufile ici des Zerglings, la planétaire et forteresse qui devrait clairement aider à gérer ça. Mais bon, si on chope déjà les tourelles en soi, c'est une bonne OP, puisque les tourelles elles sont là notamment pour les corrupteurs, éviter qu'ils viennent faire pipi sur la planétaire forteresse. Attention ici au décalage de l'armée de Polt qui va arriver à la rencontre de celle de Ragnarok. Oh, il y a beaucoup là, Polt, il a beaucoup trop de trucs qui volent là. Il a beaucoup de tanks qui volent, attention. Oh, les détonations de tanks, il n'y a plus de Bane. Oh là là. Holy shit, mec, il a plus de Baneling. Il lui a tout pris. Paul qui a posé ses tanks là comme ça. Paf, ils les ont alignés, ils ont tout tué. Tel un bon chasseur dans Pokémon Go, l'obu est parti droit dans les yeux. Ah oui, très bien. Et attention ici, du coup, maintenant on va reprendre la fight. On est en train de refaire ses Baneling tant bien que mal. 129 de pop armé à 89. Oh là là, il a tellement Paul Toonet. Il a tellement, est-ce qu'il n'a pas trop ici le joueur Terran qui prend l'engagement contre son adversaire Zerg. Là le joueur Zerg qui veut vraiment nettoyer la position, mais les Bedlings qui font pas des connexions de fou, notamment parce qu'elles tombent dans des maraudeurs. Les billes corrosives cependant qui vont arriver sur des tanks et les corrupteurs qui empêchent les tanks de fuir. Reaox, 11 mois de resub. Ceci étant dit, au sol il y a trop de marines et les corrupteurs du coup qui vont finir par se faire éliminer. C'est une armée très chère en gaz qui a été perdue du côté de Ragnarok. Et donc on va avoir du mal à la reproduire là. Ouais, il a envoyé son T3, hein. Il se croyait qu'il pensait être pas mal et tout, mais là en fait il est en train de tout perdre. La compo qui n'a pas réussi à tenir pour Ragnarok, et du coup là pour l'instant on est en train de perdre sa B4. Attention, beaucoup de team côté Terran quand même. Les Marines qui vont se faire nettoyer très rapidement, ils étaient dans le rouge. Mais là, oh, il y a une compagnie créole derrière qui envoie des obus. Oh là, GG. Bolt qui conserve son titre de King of the Hill right now et qui gagne $250 supplémentaires, donc 500 boules pour ici le joueur de chez Envious. En 30 minutes en éliminant deux joueurs coréens, qu'est-ce pas la base. Très bien pour l'instant Bolt qui joue très très bien. Very nice. Very very nice. Et du coup on devrait avoir une game numéro 3 qui s'enchaîne assez rapidement. Et du coup dans les maps il reste Apotheosis, Frost et King Station. Ou Hydra next. Hydra Polt. Vous le connaissez, un classique. Ouais. Même si ce sont des Zerg et des Terran pour le coup. Un classique. Eh oui. Un classique effectivement de la rencontre, notamment sur le serveur ENA. Et un classique de StarCraft depuis longtemps, ces deux joueurs qui. D'ailleurs, voilà. Tu veux parler de Siege Gentus? Hydra était chez Siege Gentus avant. Et ça, c'était un Zerg cool chez Siege. Hydra ? Ouais. Ah bon, ok. Voilà, il était chez eux avant. Et puis il est parti pour pouvoir compétiter sur les terres étrangères, sur le nouveau continent. Mais malheureusement, c'est... Enfin, malheureusement. Non, si, ça a payé. C'était un bon move pour lui. En plus, du coup, voilà, il va se marier, c'est cool. Bon, il mène la belle vie, mais c'est un petit peu plus triste pour CJ Entus, du coup. Et du coup, ça va être effectivement notre troisième match ici. Ouais. Complètement. Pour l'instant, l'invitation a été annulée. Oh, il faudrait peut-être que je join. Ça peut être intéressant. Il faut pas déconner. Alright. On va join. Son Hydra qui est pas encore dans la game. Il y a le time. Allez, je me fais Polt. C'est parti. On m'a cassé dans mon délire. Bon, tranquillement, ça va aller sur Apotheose. Ouais. Apotheose. Apotheose. C'est tellement chum comme nom de map quand même. Ah ouais ? Apotheose. Non, moi je trouve ça bien, tu vois. C'est une apothéose de skill qu'on va voir ce. Non, mais ça ne veut rien dire. Apothéose ? C'est comme si ta maison. Ça... Non, même pas ta maison, c'est genre ton pays s'appelait apothéose. Ça n'a pas de sens, tu vois. Il y a un endroit qui s'appelle apothéose. Non, mais l'apothéose, c'est un concept, c'est un moment. Non, mais tu vois, t'as un pays qui s'appelle le Luxembourg, en quoi ça a du sens, tu vois ? Mais justement, ça n'en a aucun. Voilà, bah alors. Mais apothéose, c'est associé à un concept de réussite et de gloire et de tout ça, tu vois. Et alors ? Ça n'a aucun sens, du coup, de donner ce genre de sens à une zone. Bah si, puisque c'est un endroit où il y a eu une grande gloire, une grande victoire. Une grande apothéose, ça veut rien dire.
Non mais écoute, ça mais va. non, ça n'a rien, ça n'a pas de sens. Frost, givre, bon, voilà, tu vois, d'accord. Planète de givre, là ça a du sens, tu vois. Ouais. King Sejong Station, la base du roi Sejong, ça a du sens, tu vois. Apothéose. Mec, apothéose, voilà. Bienvenue à apothéose. Je pense que tu cherches trop loin, tu Non, mec, ça n'a pas de sens, c'est débile. Bienvenue chez moi, bienvenue à apothéose. Non, je suis désolé, Mais non. du coup, est-ce que ça serait pas plutôt bienvenue à apothéose? Parce que On arrive à bienvenue l'apothéose, apothéose, on du coup, je arrive veux à que ça s'appellerait l'apothéose de... apothéose. Non, c'est raté. Non, c'est raté. Tu arrêtes. Qu'est-ce qu'il y a comme autre map? Sinon, il y a la Dazan, tu vois, Dazan Station aussi. Tu vois. Ouais, la station d'Ozone. Ça a du sens, on est à Dazan. Bienvenue à Apothéose. Bienvenue à Jurassic Park, tu vois. Voilà, Jurassic Park, ça a un sens. C'est le parc du Jurassic, tu vois. Il y a Ouais, et tu dis pas bien. bienvenue à Apothéose. Nul. Non, nul, ok? On ne peut pas. Bon, bah, on transmettra du coup au mapmaker Coca Ça ne pour lui marche pas. dire que Ça son ne nom de map marche pas. est nul. En plus d'être une map nulle, non, la map est cool en plus. Ma map est rigolote. Ouais, avec une B3 Gold bloquable par des cailloux. Tout simplement, mais il a stage. Si vous ne mettez pas Shootcraft Kings, là tout de suite sur Gaming TV, je relâche le Starry. Il faut que Alright. tu cliques sur la photo, mon bon Alex Kish, en fait, parce que tu auras le Starry qui sera visible en dessous. C'est ça. Non, sur la photo. Non, sur la photo. Alex Kish. Et Alex si vous ne Kish. regardez pas sur le site, allez voir sur le site, ça nous fait de l'argent en plus. Eh oui. Très bien. C'est parce qu'il y a de la pub, vous Voilà. voyez. Donc cliquez, cliquez! Il y a des petites vignettes de pub à côté. Vous, bon, si vous avez Adblock, ça vous les voyez pas, mais si vous les avez pas, vous s'en foutez. De toute façon, vous êtes en full screen et ça nous fait de l'argent. Flexouflex. Pourquoi Flexouflex en bas? Pour moi, ça, c'est de la photo mytho. Mais non, c'est pas de la photo mytho, mais. En fait, c'est parce qu'il a pris la photo. Enfin, genre. Funka, please, quoi. Alors, il y a une option appareil photo dans le jeu. D'accord. Mais qui prend des photos de son écran avec l'option appareil photo du jeu? Tu fais un screenshot, clic. Bah oui, non, mais je suis d'accord Tandis que avec lui, il est toi. allé dans objet, appareil photo, clic prendre la photo, quoi. Bah écoute, Funka, le pire des peintres. C'est peut-être parce qu'il voulait pas montrer les autres choses qu'il avait, son réseau. genre la notification de Tinder alors qu'il prend une photo de sa copine. Oh! Oh. Son télécom, sinon, simplement. Mais si tu veux. On est in-game, les amis, pote contre Hydra. C'est Du ça. TVZ. Et du coup, en bas à droite, le représentant rouge de NVS, il s'agit de Polt. Et en haut à droite, gauche pour la team Root Gaming, il s'agit de Idle. Root qui a Rename, qui est maintenant OSC Root, puisqu'ils sont sponsorisés du coup par le circuit entre guillemets WCS océanien. Donc voilà, ils sont. Enfin, c'est plus. Non, c'est pas tout à fait le circuit WCS, c'est plus un système équivalent à celui d'Underdogs, mais pour l'Océanie, donc Australie, Nouvelle-Zélande, Sud-Est Asie, Japon. D'accord. Et du coup, bah, ils se font sponsoriser par eux, un petit peu comme si nous on sponsorisait Millennium, et que du coup Millennium devenait Underdogs Millennium. Tu vois? D'accord. Ok. Ce qui pourrait être le cas, ou parce que finalement, voilà, leurs joueurs finissent tous Underdogs. Underdogs? Ouais, ou Top Dogs, enfin Top Dogs. Oui, Top Dogs du coup. Ouais, J'ai Top cru Dogs. que là j'avais raté un épisode, tu vois, genre. Non, c'est qui Quoi? Les Ilbo et Marina sont sortis? Daichi aussi? Qui sont les Top Dogs maintenant? Lilbo, Marine Lord, Deishi, Drogo. Et qui est le fucking cinquième? C'est une excellente question. Est-ce que c'est pas toujours DNS? Je crois que c'est toujours DNS. Bah du coup non, c'est maintenant c'est DNS et c'est plus Firecake. Firecake est sorti, je crois. Et c'est DNS qui prend sa place. Ouais. Bah je vais aller vérifier ça, écoute. Vas-y, fais-toi kiffer. C'est une information intéressante. Je crois que DNS prend sa place ou DNS ou non pas Uzikoti. Uzikoti il a pas gagné assez de trucs je pense. Non, je pense que c'est DNS. Mais j'avoue j'ai pas trop suivi les points et tout. Moi j'étais là, bon faites vos matchs les mecs, tapez-vous, rigolons bien, hein. Mais bien sûr que pour eux, il y a plus d'enjeux que juste me faire rigoler. Attention, petit Reaper qui va traverser la carte. Premier scout de Polt, ce Reaper, il n'a pas traversé la carte avant. Maintenant, je pense pas que ce soit une map où on verra beaucoup de pull first et de gling qui passe à droite à gauche. Même si on en a vu pendant cette Dreamhack Valencia. Maintenant, bon, c'est un peu long quand même d'y aller quoi. Tu passes par des côtés un petit peu foireux. Alors le truc c'est que sur les up and down, petit Drogo a gagné, Uzikoti est arrivé deuxième, Firecake troisième et Denver quatrième. Mais du coup, DNS t'es déjà passé Top Dogs? J'en sais rien. Mec, attends, J'en sais rien. putain, c'était Non, non, je pense pas que au courant Mais du non, truc. DNS il avait forfait Top Dogs, il avait dit je crois. Bon bref. On regardera tout à l'heure.
Et en fait, on a fait deux games et pas de pause. Putain, on vous offre des temps de pause et tout. On est c'est vraiment ça, nice. Mais on est des mecs cool, hein. On est vraiment tigeants. Et puis on kiffe StarCraft en même J'étais temps. J'étais là, moi, en train de raconter ma life, alors qu'en fait, j'aurais pu aller manger un Mars. Ou capturer un Ratata à la sortie des studios, je ne sais pas. Tout est possible. C'est un spot à Ratata à la sortie des studios, du coup? Non. Non. Non, 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 il n'y a pas grand chose à la sortie même du studio. Très bien. Plus en haut dans le petit parc, là, il y a des trucs. Alright. Mais des trucs de merde, un peu quand même, disons-le. Et du coup, t'as recréé un compte pour jouer à Pokémon? Non, on gardait tout. On gardait ah, tout. Nice. Et... Oh là, j'avais peur! Ok. Non, on gardait tout et j'étais content, mine de rien, parce que j'étais niveau 20. Ah oui. Ce qui représente beaucoup de temps de jeu. D'accord. Donc je suis très content. Et la question c'est, est-ce que tu vas jouer en Chine? Bah, je sais pas si ça passe en Chine. Si ça passe, ouais, je jouerai bien sûr. En vrai, partout où tu vas, t'allumes ton téléphone. C'est... En fait, t'as juste ton téléphone allumé dans la poche au lieu de l'avoir éteint. Ça mais et t'as pas besoin du service de géolocalisation pour jouer à ça? Si. Ça va pas coûter super cher en Chine? Non, à Valencia, ça m'a pas coûté très cher. Alright. Bah, on verra. C'est quand même pas le même coin du monde, Valencia et la Chine, mais du coup, on verra. Les Arlings ici qui sont en train d'entrer, qui font un petit peu de dégâts. Une mule avec encore beaucoup de temps de vie, mine de rien. Non, mais bon, dégâts, ouais. On peut le dire. Ouais, elle était fraîche, hein. Elle était toute belle. Ouais. Sortait de l'enclos. Elle était fraîche, frère. Et du coup, ici, les petits Arlings, par contre, qui vont devoir fuir face à la menace des Marines. Voilà, parfait. Double chambre d'évolution du côté du joueur de chez OSC Root ici. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces chambres d'évolution? On n'a pas posé d'autres bâtiments de tech, il me semble, hein, donc on pourrait rester sur un style Gling Heavy. Donc Zergling et Bengling, bien sûr. Les queens qui vont aller choper le Reaper. Ok, alright, meurt. Il s'est fait défoncer en plein vol. Ça fait mal. Est-ce que tu penses que quand le Reaper se prend sa propre grenade et du coup saute, il compte comme unité volante et du coup les queens ont 8 de range? Non, je ne pense pas. Non, je pense pas non plus, mais j'aurais trouvé ça marrant. Non, moi ça m'a juste fait penser à une punchline dans Star Wars, la menace fantôme. Où à un moment, pendant la course de module, il y en a un qui se plante et t'as le commentateur qui fait « Alors ça, qu'on vienne d'un univers ou d'un autre, ça doit faire très mal !» Ça m'a, cette punchline me vend du rêve, je trouve. Voilà, parce que le mec prend une voix qui est très drôle, tu vois, genre... L'insensibilité à l'état pur. Attention, Polt avec un petit drop de 16 Marines teamé. On est sur un coca-build en fait. Hein. On est là, on raconte nos lives, mais on est sur un coca-build de ouf. C'est ça. Et là, il est pas prêt. Eh, il est pas du tout prêt. Il a rien. Il est. He is not ready. You are not prepared. Non, mais mec. Et ici, du coup, là, les Arlings qui se prennent la faille, mais les Arlings qui n'ont pas d'upgrade, y a pas de roach. Et du coup, le coca-build, quand il y a pas de roach, eh bien, ça tue. C'est ce qu'on a vu également hier dans la game. Mais holy shit, il est tout nu, mec. De Serral contre Marine Lord, voilà, c'est bah. Voilà. Oh, il casse le caillou, le disrespect. Oh bah, t'es mort, hein. Oh non, il chope les buts. Oh là 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 là. GG. Oh là là, Polt, en 40 minutes, $750. 3 Coréens tués. Bon, nous, faut qu'on envoie une pub, sinon je vais me faire gronder. Alors, on envoie une pub, on revient très très vite dans 2 petites minutes. T'es pas prêt? 2 minutes en tout cas de pub, le temps que notre IA clique sur le bouton. C'est ça. Mais voilà, faut qu'on fasse de l'argent. Merci. Voilà, tout déchiré. Mais en tout cas, putain, le mec, il fait un coca build et ça passe crème, quoi. Moi, je me suis défoncé. Non, mais bah, du coup, t'as le replay maintenant. Non, mais mec, j'arrive au même timing en faisant le même BO. Hein. C'est juste qu'en face, moi, ils ont 40 bending parce que les mecs, ils font ça, quoi. Ils savent qu'en Europe, ça arrive tout le temps. Mais alors, j'ai l'impression qu'ils sont pas prêts pour que Paul fasse ça. Mais pareil pour Ragnarok. Enfin, bref, on vous envoie une petite page de pub. On arrive avec le prochain match. Gros bisous. A tout de suite. On a repris la game sur Shoutcraft. Avec le Total Biski, mon gars. Quel azur contre Polt, bien sûr. On est parti, on est une game, on est sur Frost. Et mon gars est en gros à droite. Putain, pour la team de vieux, c'est un ouf. Il s'agit de Polt. Tandis qu'en haut à droite, il s'agit du joueur brésilien de chez OSC Root. Quel azur. Et quel azur. Dernièrement, pas mal rename par des membres de la scène NAP en tant que Kela God. Apparemment, il est. Enfin. Ça s'est déjà senti à partir du moment où il avait gagné la Copa América alors qu'il y avait Major dedans que bah, le mec step up en fait. Le mec est vraiment en train d'arriver à un très très gros niveau international en tant que joueur Terran NA. Il a fourni quoi la Trimac Valencia? Il y était mais je sais plus. Je suis quasiment sûr qu'il a pas fait les playoffs. Si, il a dû faire les playoffs quand même, non? Mais bah, du coup, éliminé en round of 16. Je pense qu'il a dû être éliminé au premier tour. Hein, si tu peux checker, c'est lourd. Allez. Je crois qu'il y était. Ouh, attends, je vois deux racks d'un côté là. Ouh, Polt, Ounet. Oh, Polt, attention, Polt. Coquin. Allez, on rajoute une racks en plus là ou pas? Est-ce qu'on en fait que deux ou on en fait trois? Là, on a le minerai pour. Je pense qu'il n'y en aura que deux de la part de Polt. Ouais, la première est finie. On a rien envoyé. On va envoyer la station orbitale. Ce sera que deux racks pour la Polt qui part scouter au SCV très tôt. Le but est de trouver où est son adversaire et de lui envoyer beaucoup de Reaper dans la tronche. Et attention, Kelazur, lui, qui nous a proposé un Reaper Expand.
un Reaper expand après, après gaz, enfin après un Rax gaz, donc vraiment bah là il a pas beaucoup de thunes, voilà, il a pas beaucoup de thunes pour envoyer beaucoup de choses. Ah non, pas du tout, excuse-moi, c'était un gas first. Je me disais aussi, il a beaucoup de gaz. C'est un gas first, et là c'est, je préfère largement ça au Reaper expand classique. Parce que là au moins il aura sa factory un petit peu envoyée. Et au moment où le compte de Reaper en face va s'accumuler, bah, lui il pourra justement produire ses lions. Alors du coup Kazur, t'as l'info? Ah ouais, il s'est fait éliminer en round of 32, 3-0. D'accord. Contre Hydra. Donc, d'accord, donc premier tour du bracket quoi. Premier tour du bracket éliminé. Donc effectivement ça c'est pas allé chercher très loin, mais bon, enfin vu comment c'était stacké la DreamHack Valencia, personnellement ça ne m'étonne pas non plus. Enfin, oh, attention, il n'y avait pas de honte à perdre dans cette compétition là. Et là le truc c'est qu'il voit un seul Reaper, donc l'information qui va être extrêmement tardive pour Kelazur. Et là il va se faire surprendre sur la droite par l'autre Reaper potentiellement. Paul qui cherche vraiment la micro. Très bien fait ici du côté de Kelazur qui va réussir à monter dans la base de son adversaire, mais qui ne va pas prendre d'info. Là c'est la merde, hein. Là c'est vraiment la merde parce que Kelazur, voilà, il a un Reaper. Alors du coup, on le disait, au moment où les Reapers de Paul vont se stacker, il enverra ses lions. Mais c'était dans la mesure où il ne perdait pas son premier Reaper. Parce qu'on est à 3 contre 1, un autre qui sort de plus. Paul qui va pouvoir vraiment, je pense qu'il va pouvoir le submerger littéralement là en fait. Parce que un lion, 2 Reapers contre 3, 4 Reapers. C'est vraiment compliqué ici. Ouh, la B2 qui se termine. La B2 qui se termine et ça c'est déjà une énorme... Ouh, le swag. C'est déjà une énorme victoire pour Kelazur. C'est ça. Attention. Attention ici, là on descend la rampe, on essaie de défendre le CC, je sais pas si c'est la meilleure idée, mais on a très envie de faire l'orbital command pour bénéficier de l'énergie, pour pouvoir commencer à accumuler l'énergie, esquive de mine, la mine qui est prise par Pot, là, il a pris sa propre mine tout simplement, très très bien joué ici de la part de Kelazur qui arrive à tenir malgré une infériorité numérique ici. Ok, on repousse le joueur terrain bleu qui va continuer à accumuler, enfin qui va attendre son cinquième Reaper et pourra éventuellement envisager de revenir à partir de ce moment là, mais je pense que là Kelazur il a fait la défense parfaite et il est vachement bien en fait. Ouais, ouais, clairement il a fait une super défense qui est l'Azur là-dessus. Pour l'instant il envoie son Libé ici, c'est très bon. J'avoue que j'aurais apprécié un Medivac en fait, avec des Reapers et des Lions. Tu peux faire de jolies choses. Attention, 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 attention. Ah là, le brouillard qui a tellement bénéficié à Polt. Et là, Kelazur qui a empalé beaucoup. Il a pris que 2 Reapers pour perdre 2 Elions. Et bah, tous ces Reapers, c'est dommage, très très dommage ici du côté du joueur brésilien qui va devoir eh bien, de nouveau défendre alors qu'il s'était bien mis. C'est un petit peu dommage, attention ici, les lions qui est sorti et qui va permettre peut-être de faire la différence, la mine qui détonne, les lions qui meurent. Ok, le nombre de Reapers qui est finalement un peu shut down. Il gagne encore son... Ça aurait pu être le MVP VCS. Non mais là le problème c'est qu'il a pas d'unités qui sont produites. Regarde, c'est ce Elion hein, qui défendra. C'est ce Elion, attention pote la micro. Oui, mais là il va choper encore 3-4 SCV hein, ce Reaper. Oh. On tente la micro, hein. Kelazur qui sait. Allez vas-y, faut insister Polt encore, faut perturber le minage. Envoyer une mine, voilà comme ça. B3 rapide qui est envoyé du côté de Kelazur. Après un Arras Libérator qui est envoyé de l'autre côté de la map. Libérator qui arrive d'ailleurs dans la ligne de minerai. Bien attendu. Banshee Cloak. Oh attention. Là les marines. C'est bon, les marines sont assez. Il y en a deux qui mourront. Oh là là, ce Reaper. Il peut en choper encore un SCV là ici. Même deux là du coup avec le premier qui a été pris. Très bonne opération de la part. Putain, de le balade encore un peu Polt. Plus. Oh, holy shit quoi, ce Reaper il est en train de gagner la game tout seul, c'est dingue. Mais il va être obligé de... Non ok, il a pas réussi à focus. J'ai cru qu'il allait être obligé d'utiliser la Banshee pour le tuer, ce qui aurait été extrêmement dommageable. Et mine de rien, les Banshees qui sortent, et je crois pas qu'il y ait de détection particulière du côté de Polt si ce n'est un scan sur la B2. Donc pas d'engineering bay, il y a moyen de moyenner quelque chose hein, du côté de Kelazur et revenir tout simplement au score en tuant une bonne portion de VCS. Le CC placé sur la B3 et Paul qui a juste aucune pitié quoi, qui traverse la map directement avec pas mal de marines et deux tanks et qui par mine contre, de rien. Il a peut-être déconné avec la Banshee quand même, pourtant il l'a vu hein. Ouais. Il a 0 units, il a 0 units. Ouais, il va compter sur ses quelques marines et ici l'engineering bay qui est en train de se terminer. Mais là ça va pas être suffisant clairement du côté de chez Paul. Est-ce qu'on a un scan à claquer? De manière, il y a qu'un seul marine donc on va pas claquer maintenant. On va tenter de finir l'engineering bay mais de finir la tourelle, pardon, mais on va prendre tarif en attendant. Et là il y a pas d'unité du côté de Kelazur. Ouais, non, il y a rien du tout. Sur la Banshee, il a pas le droit de mourir. Il a pas le droit de mourir cette Banshee, c'est elle qui est censée gagner la partie pour parce qu'il y en a une de l'autre côté qui est en train de se faire nettoyer gentiment. Ok, on fait quoi pour l'instant? Pas en train de faire grand chose, j'ai l'impression qu'il a craqué ses scans.
Il a quand même pris 9 VCS avec okay, sa manchi, s'il arrive à défendre il sera bien, mais voilà, il perd le 3ème CC, il a pas d'unité, est-ce que c'est pas un Polt qui prend la 4ème map sans la moindre forme de vraiment de résistance concrète ici. Bon, on arrive à repousser j'ai l'impression du côté de Calaisur, mais on aura perdu encore une fois 5 VCS, on a perdu le Cyclone, on a perdu la 3ème base. On n'est pas bien là pour le joueur brésilien. Enfin, c'est bien fait, hein. Il arrive, il snipe le cyclone et hop, il rembarque dans son medivac. Parce que ça aurait pu être très dommage de perdre un medivac plein de deux tanks contre un cyclone. Très bien fait, Polt. Et là, il envoie les trois racks supplémentaires. Il va dérouler ces upgrades qui sont envoyés. Polt qui est beaucoup trop bien dans cette game par rapport à son adversaire. J'avoue qu'il azure là, le bon trip, ça serait d'envoyer les banshees en masse. Il décide de pas faire, il préfère envoyer son steam. C'est vrai que là, il a pas son steam alors qu'en face, on l'a déjà et on a le shit bien avancé. Mais je pense, dans ce genre de cas, envoyer des banshees en continu, tu vois, ça peut être intéressant. Ouais, tenter le haras, le tout pour le tout. Attention, ici, on a vu les marines, du coup, on décale. Polt, lui, qui n'a pas réagi. Il a sélectionné cependant, donc je pense qu'il a vu la banshee arriver. Il devrait décaler dans sa propre base pour pouvoir défendre. Il y a certes une tourelle, mais là, on peut faire un gros haras, notamment au niveau du laboratoire technique. Hein. Si on arrive à mettre un stop au bouclier de combat, on pourrait éventuellement temporiser la prochaine agression de Polt. La banshee qui va se cloque. Attention, ici, on chope tout ce qu'on peut gratter du côté du joueur brésilien qui veut absolument gagner un maximum de temps. Le drop qui est en train de revenir du côté de Polt pour pouvoir défendre toutes ses bases simultanément. Ok, c'est Banshee qui fait le taf. Mine de rien, 6 kills hein, sur la Banshee. Du coup, elle se met quand même super bien. On en parlait, les Banshees. Ça peut être intéressant de continuer à en produire non-stop. Attention, ouais, elle va mourir. Choper presque un SCV de plus. Et c'est du coup, faut finir ses racks. Faut envoyer les add-ons pour un Polt qui est quand même. Bon, voilà, il a perdu 5 SCV là-dessus. Mais c'est pas terrible. C'est pas un désastre. Parce que ici, voilà, ici, on est là. On en est là. On a que 3 racks. On envoie son steam à l'instant. Est-ce que Polt il aurait intérêt à dropper dans tous les sens ou est-ce qu'il faudrait pas qu'il go de face et qu'il siège, tu vois. Il dit bon, tu poseras pas ta B3 poulet. Ah, je suis assez d'accord, hein. Il pourrait tenter un go de face, surtout que bah, lui il a déjà le 1 d'attaque alors que le 1-1 vient d'être lancé du côté de Calaisur. On a une population armée qui est bien supérieure, on a le bouclier de combat, on a le steam alors que le steam n'est pas fini du côté de Calaisur, donc on est vraiment très bien. Après, il pourrait juste chercher à contester la B3 et continuer à avancer son avance économique, le joueur coréen ici. Attention, Calaisur qui sort. Et c'est là, à ce moment-là, tu vois, là, t'as toute ton armée dehors et tu peux lui éclater la tête. Mais il n'a pas l'armée dehors, Polt. Il va simplement prendre de l'avance sur son économie qui est bien plus importante. Il va pouvoir ajouter ses racks supplémentaires, sa facto supplémentaire, continuer à développer sa base tranquillement, ses bâtiments de production et accumuler les troupes. Combien il a de medivac là pour l'instant? Il en a 5. Ceci étant dit, attention à ne pas laisser trop de temps à Calaisur, hein, parce que Calaisur lui est parti sur une double engineering bay et sur une armorie qui est très bien timée ici. Donc il va avoir l'option de lancer très très vite son 2-2, alors que là le plus 1 de défense est en cours du côté de Polt et que l'armurerie vient tout juste d'être lancée. Ceci étant dit, voilà, l'attaque qui est en train d'être embrayée du côté de Polt, qui est très au courant de ce qu'il doit faire pour ne pas laisser son adversaire revenir dans la game. Attention, le steaming, le boost des medivacs pour poser les tanks en avant, les tanks de Calaisur qui sont moins nombreux et qui se font one shot tout simplement. Bon, bah la Polt, il a pris la position derrière la B3. Cette B3 ne minera pas. C'est un non. Attention. You shall not mine. Les tanks qui pourraient prendre tarif ici. Le premier tank déjà qui est dans le rouge. Le deuxième qui va se faire sauter. Il le chope dans le medivac. C'est très bien fait de la part de Calaisur ici. Mais bon, il se fait soulever sa B3 ici. Polt, lui, qui continue de prod gentiment. Il va repartir. Il va peut-être aller sur le slot là-bas. Hein. Franchement, pour moi, Polt, la meilleure chose qu'il a à faire là, c'est juste interdire la B3. Il faut pas qu'il finisse la game maintenant. Il faut pas qu'il essaye du moins de finir la game maintenant. Il faut pas qu'il se presse. Il a juste à étouffer Calaisur qui envoie des upgrades qui coûtent cher. Et du coup, on n'envoie pas les deux tanks supplémentaires alors que pourtant on a rajouté une facto. C'est vraiment. Ça coûte cher à Calaisur tout ce bazar là. Effectivement. Et il va tenter un petit peu la diversion au nord avec des marines qui partent. Mais bon, au sud, on a l'armée de Polt qui décale aussi. Et du coup, Calaisur qui pourrait ne pas avoir assez pour défendre ici au niveau de sa B3. L'agression qui arrive, le steaming et le boost des medivacs. Et ouais, il va clairement le perdre. Là, il va perdre toute sa ligne de minerai. Il va en prendre. Ouais, là, ça va être le GG, hein, potentiellement. Ouais, jamais il passe là. Genre, il va se prendre un méga tarif. Genre, no way, Rose. Et du coup, c'est compliqué. Très, très compliqué là. Bah, en l'espace d'une heure. Polt qui aura sécurisé 1000 balles. Ouais, c'est bien. Ah bah ça fait un bon taf, hein, clairement. Le SMIC on connaît pas, hein, du côté Polt. Après, il a pas des compétitions comme ça tous les dimanches. Non, c'est vrai. Mais t'es quand même content quand ça arrive. Et puis si ça devient effectivement quelque chose de mensuel, comme annoncé par Tibi, tu te dis ok. Donc potentiellement, tu fais ça tous les dimanches. Tu t'amuses bien, quoi. Enfin, tous les dimanches. Tous les mois. Après, faut gagner, hein. Oui, après faut gagner, mais pour l'instant il montre quand même des choses très très convaincantes, le joueur de chez NBS.
surtout que t'as quand même des avantages à être bah déjà à rester en vie dans la compétition parce que bah, ça te permet de rejouer le mois suivant, mais en plus bah, en tant que King of the Hill ça va te permettre de choisir les maps. Attention ici, tu veux pas perdre ces medivacs, tu veux pas les perdre ces medivacs. Attention ici, bon petit run back qui est bien fait, l'armée qui est un petit peu loin pour Polt. On va perdre quelques civils mais c'est rien de très dramatique hein. Là vraiment Polt il cherche juste le dernier rank pour un clic hein. Voilà, parce que ça c'est là tu peux pas vraiment l'attaquer ça à moins de regroup toute la pop armée, ce qu'il peut faire hein, mais il y a toujours ce drop ici de la part de Kelazur ou qui va se faire ça. Oh là là, le Medivac qui va se faire focus instantanément, boum, les deux Medivac qui meurent, les Marines qui meurent aussi. Le 2-2 qui va se terminer du côté de Kelazur, mais pour une armée qui est tellement inférieure que ça ne va pas changer grand chose, je pense. Holy shit. Oh, il tente le tout pour le tout ici, Kelazur, s'il arrive à poser ses tanks avant son adversaire, ça pourrait le faire ici. Les tanks qui sont posés, mais on fuit du côté de Polt, un seul shot de tank qui est parti. Ok, ce Marines. Les Big Marines. Ah ouais, mais il aura quand même pris un VCS avant de mourir. Ce qui est bien la classe. Ouais, clairement. Vous mourrez pas vivant pa, 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 pa. Et du coup derrière, le décalage vers le nord des deux armées. Mais au sud, on a une force aussi du côté de Polt qui peut vraiment gérer son adversaire sur plusieurs fronts de par sa très large supériorité numérique. Attention les Marines ici de Kelazur qui ont pris déjà un petit coup. Ils comme ça. Ça chatouille un peu l'anus, ouais. Bon, du coup, voilà, hein, on essaye de trouver l'angle côté Kelazur. On a beaucoup moins de pop. On va à droite, il y a trop d'armées. On va à gauche, il y a trop d'armées. Comment faire dans ce genre de cas? Est-ce que rester chez soi n'est pas la meilleure solution? Eh bien pas vraiment quand on a beaucoup moins d'armées comme ça. Okay. Alors mais là la bonne solution il va perdre un autre next... Oh il va perdre c'est un autre entrée, CC. C'est entrée, taper GG, entrée, puis F10C tout simplement. Là oh. c'est quand même la meilleure option pour Kelazur. Il y a tellement de temps. Quoi. Bon bah là il se fait nettoyer ses marines, il se fait tout nettoyer mine de rien. Oh oh, Kelazur. Il a pas assez, hein. il a pas assez enflammé hein. Littéralement là. Ouais, non, Polt il a tout ça. En scénario de trade base malheureusement c'est pas possible. Même il y a enfin il y a que deux medivacs en plus du côté de Kelazur. Donc même dans un scénario de trade base en fait tu peux pas déplacer tous les tanks simultanément. Donc tu vas finir par les perdre et voilà ça va clairement être la PLS. Mais là c'est Kelazur qui tente le tout pour le tout simplement. Qui veut, qui n'a pas envie de laisser s'échapper sa vie, qui n'a pas envie de laisser s'échapper $250 malheureusement. Et bien tu n'as pas le choix ici. Allez hop, on va aller nettoyer tout ça. GG de la part de Kelazur. Polt qui s'impose pour la quatrième map d'affilée. C'est ça. Classe, très fort. Bah c'est Polt hein, Captain America qui clairement représente ici et qui du coup va l'amener à une cinquième map. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait Jean-Pierre. Une cinquième map. Et du coup la question c'est contre qui sera-t-il? Je ne sais pas si ça a déjà été annoncé. Petite pensée au streamer en attendant Meldon Stefano, bien c'est sûr. Ça. Ah, ça pourrait être Stefano du coup. Attends, oui, tu peux le deviner ou t'en as, c'est vraiment. Non, j'ai pas d'information particulière qui m'indiquerait que c'est Stefano. Ceci étant dit, là on a pris. En fait, avant ça, on a rencontré trois Coréens. Là on a rencontré un mec du serveur NA. Donc il y a des chances pour qu'en fait on rencontre deux autres mecs du serveur NA. Ou plutôt un seul vu que Polt serait le troisième. Et ensuite, 3 Européens. Il y a des chances que ça se passe comme ça. Ouais. Ça aurait du sens. Tout à fait. Aïe. Bon. Bon, on va attendre. Hein. On n'a pas d'infos. Wikipédia, on n'a pas d'infos. Non, attends. Pourquoi on a perdu Holy Moly? Ok, elle va chercher de dire, j'ai l'impression, ouais. sur le ladder. Soit dire, soit dark. D'après les informations qu'on tandis a, donc Oupi Jump qui a son pot d'agendas à droite. Ouais, on se met bien. Hein. Ah, c'est ça que je devrais racheter de la glace. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté. Il y en a à la maison en ce moment. Par contre, tu feras gaffe, t'as pas le Better TTV Dark Mode qui est quand même super sympa en extension Google qui te permet d'avoir le jeu. Enfin, l'écran. En fait, tout le blanc devient noir, hein, un espèce de noir anthracite vachement sympa. Qui fait que ça pique moins les yeux. Twitch, ça pique à mort les yeux, je trouve, la page blanche comme ça. Et y a pas un délire, genre ça consomme moins d'énergie aussi? T'es sur un ordi hein, de toute façon. Parce qu'il y avait un moment Google qui avait sorti comme ça un navigateur Google Black, je crois qu'ils avaient appelé ça, où en fait le but c'était d'avoir un explorateur qui consommait un minimum d'énergie. D'accord. Et en fait du coup t'avais quasiment tout ton écran qui était noir sauf l'absolu nécessaire. J'ai pas l'info, mais moi je trouve ça juste plus agréable pour les yeux d'avoir un truc en noir. D'accord. Quand ça pop à mon écran en blanc, parce que des fois ça baigne un petit peu. Donc finalement ce que t'es en train de dire c'est qu'aujourd'hui tu n'aurais pas dû mettre un t-shirt blanc. Non, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. On est sur Twitch. Mais ouais. Serveur ISKR. Alright.
Donc okay, on va migrer sur le serveur coréen tout simplement pour la game suivante. Puisque du coup, pour déterminer le serveur, ils font ça au coin flip. Voilà, ils prennent une petite pièce comme ça. C'est Asie ou Asie du Sud-Est? C'est Asie, hein. C'est Asie normalement. Je crois. J'espère en tous les cas. On verra bien s'ils sont dans le lobby, dans le channel. Exactement. Mais du coup, il tire au sort. Et là, du coup, bah, c'est plutôt le joueur coréen qui sera soit Dire, soit Dark qui a gagné le coin flip. Puisqu'il aura l'avantage, entre guillemets, du ping comparé à Polt. Ceci étant dit, Polt qui pourrait très largement eh bien, compenser cet avantage de ping. Et j'ai l'impression que c'est bien ça. Ou un petit GM sur le serveur. Oh, il y a Dark dans le même lobby que nous. C'est ça. Ça, c'est la hype. Et Dark qui ne sera pas dans le même lobby mais qui sera bien présent avec toi à tes côtés aux IUM Shanghai. Ouais, je pourrais checker. Il y aura la finale de la Pro League. C'est ça. J'arrive, je fais wesh. J'attends. Mais sauf qu'il n'y aura pas SKT. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, non. Ça va être KT si je dis non. Oui, je sais pas. Non, j'étais hypé par la Pro League et du coup j'ai voilà. Désolé, choqué, déçu par moi-même. Choqué, déçu. Mais du coup, Jiner et Cathy. Mm-hmm. C'est assez cool. Jiner et KT, tout à fait. Bah, je vais pouvoir checker Maru. Ah ouais, tu vas pouvoir checker moi. Et j'attends beaucoup de selfies de ta part avec les joueurs. Hein. J'essaierai, mais en même temps, les mecs ils seront là en train de jouer leur finale. Je vais pas venir faire la bitch. Non, mais après, tu vois. Après, mec, c'est chaud, hein. Tu sais, c'est des joueurs coréens, à mon avis. Non, mais tu dis hello, I'm big fan. I support you and your team. I'm a fucking big please, fan. Please, thanks your sponsor et can I take a pic, tu vois. Ouais, je vois. Et tu le dis bien avec un bon accent français, tu vois. Histoire qu'on sache. Voilà, c'est moi, Coca, français. Eh oui, les Français dominent l'e-sport. Oui, mais de toute façon, ils parlent pas anglais, donc ils seront pas capables de reconnaître mon accent. Ouais. C'est possible. Après, ça doit dépendre des mecs, quoi, de à quel point ils sont étendus niveau culture, parce que bon, tu peux ne pas parler anglais et reconnaître des accents d'autres contrées, puisque... Bon, tu reconnaîtrais un Chinois qui parle un dialecte indien. Tu saurais que c'est un Chinois. Non! Bah, je le saurais pas à la manière mais dont non, tu m'as... Mais arrête. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, notamment les Français, on est souvent caricaturés en train de parler anglais. Et c'est pour ça qu'on pourrait reconnaître le truc. Mmh. Alors que, quand est-ce que dans une série, t'as déjà vu un Chinois caricaturé en train de parler indien, tu vois? Ça pourrait arriver. Ouais, ça pourrait arriver, mais est-ce que c'est arrivé très... Est-ce que t'as le souvenir que ça ouais. te soit arrivé? Ouais. Sale mytho, va. Non, mais alors que des Français qui parlent anglais dans des séries, ça arrive quand même... très souvent, donc pour peu que les mecs ils aient regardé 2-3 séries américaines, il y a des chances que ça soit quelque chose de qu'ils aient connu, tu vois. Ok. Tu penses que Maru, 17 ans, a commencé StarCraft 2 à 12 peut-être... ans Non, mais peut-être pas Maru, tu vois. Mais ah ouais, mais moi c'est Maru, moi c'est Maru que je vais voir, moi c'est tout. Et Rogue Sexy Boy, tu vois. Rogue Sexy Boy. Je vous crois que ça serait bon. Rogue, il est un peu plus vieux, il y a déjà plus de chances qu'il ait. Mais Rogue, il parle pas un putain de mot d'anglais par contre. Ah, mais c'est pas grave, tu sais, tu regardes une série américaine sous-titrée coréen, tu vois, et tu peux reconnaître des accents, tu vois. Ouais. C'était un peu une oreille, tu vois. I got you, boy. En tout cas, on est dans la game. Ouais, nous sommes dans la game, effectivement. Polt contre Dire. Dire, oui, Dire, tout à fait. Et oui, le grand Dire. Samsung Galaxy Khan Dire en Protoss bleu ici. Sauf qu'il n'y a plus Khan. Oui, mais le Khan, c'est le swag, ok. Comme Gengis. Comme Gengis. Le bon Jean, version mongole. Je sais pas, Gengis, à mon avis, ça veut dire. C'est... Enfin, si on devait traduire. C'est un titre. C'est même pas son prénom, en fait. Ah ouais. C'était le grand Khan. Mais non, Khan c'était justement le. Khan c'est un titre, mais ouais. Gengis c'est un pseudonyme, c'est un titre, c'est un. Ah ouais, c'est... je pensais. Ouais, Khan c'est dire le chef, mais Gengis c'est pas son petit prénom, moi je croyais que c'était non, son prénom du coup. Son prénom c'est Temujin Gengis. Temujin. Voilà. Ça sonne un peu aztèque ton histoire là. Bah ouais, mais c'est mongol. Ok. Donc, du coup, des peuples très proches quoi, copains. Bah ils ont pas de pyramide en commun, donc non. Je sais pas. Mais, Bah ils faisaient des grandes tentes, tu vois. Ouais, et tu dirais que les tentes mongoles c'est un peu comme des pyramides. Ouais, bah ouais. Est-ce que tu dirais que c'est le prochain épisode de comment? Ouais, on peut dire ça. Ouais. Les tentes mongoles, très bien. Est-ce que c'est pas un truc de malade? Est-ce que c'est pas un truc des aliens? Du coup, bon, on a fait un gaz hein, côté Polt. On a enchaîné sur un Reaper, très bien. Reaperina. Pour l'instant, très classique. Polt, c'est marrant, hein, je scout après la Rax. Je critique pas, hein, je constate. C'est un truc que je fais pas parce que je comprends pas trop. Tu vois pas l'intérêt? Bah, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que regardez son Reaper, il va être envoyé, il va arriver. Au moment où il va arriver ici, admettons, il voit qu'il y a pas de B2. Mm-hmm. Son réacteur, il va déjà être envoyé. Sauf peut-être pas sur cette carte. Mais sur la carte de tout à l'heure, ça avait fait ça.
Mais est-ce que tu fais pas ça juste okay, là, pour, c'est voir nickel. Un, pour voir un truc un peu fishy, tu vois. Là genre... c'est nickel. Parce que il envoie le réacteur en voyant la B2. Mais tu vois par exemple sur Gettysburg tout à l'heure, eh ben, il avait déjà envoyé son réacteur au moment où la B2 était posée, où il checkait la B2. Du coup t'es mal, tu te retrouves à annuler ton réacteur et tout genre de trucs si jamais tu prends des trucs à la con. Bon, je sais pas, là il voit qu'il y a les deux pylônes. Enfin, ouais il a vu les deux, il a pas vu le deuxième. Il a pas vu le deuxième, faut qu'il fasse gaffe. Oh! Est-ce que là l'NJB voit pas? Ah si, c'est bon, faut voir la Stargate. Mais le SIV va tourner à droite à gauche et va suffire. Alors attends, c'est-à-dire qu'il normalement il va pas tarder à envoyer une facto chez lui. Et du coup, là, dire qui. Voilà, il envoie sa facto. Il est en train de se dire oh boy, j'ai un adepte et je dois gérer à la fois un VCS avant de construire la. Il a pas vu la Stargate, par contre. Ça, c'est cool pour dire. Donc, il a prioritisé le VCS pour éviter de se faire scouter la Stargate et qui derrière va devoir gérer le prioritiser. Prioriser, ouais, mettre la priorité sur prioriser. Le Reaper. Prioriser, merci, j'ai fait un anglicisme. Prioriser. Ouais, non, mais écoute. Sexy boy. Sexy bon, alors, boy. Du coup, là, il est baisé quand même. Il voit pas la. Bon, il sait qu'il y a un truc là. Parce qu'il a vu l'intérieur, il a vu qu'il y avait rien près des autres pylônes. Donc il sait qu'il y a un bâtiment là. Maintenant il sait pas lequel. Pas d'IB de sûreté pour le moment. Ouais, pas d'IB de sûreté, mais. Ah, ok, il est sur un cocaville en fait, j'avais pas. Non, pas vraiment. Son deuxième gaz est late. Bien trop late pour que ce soit un cocaville. Ouais, mais là on va avoir la mine pour défendre. On devait avoir suffisamment de marines pour défendre une ligne de minerai et la mine dans la deuxième. Donc on... si c'est bien géré du côté de dire, on est clairement dans une bonne position. L'adepte qui cherche le Reaper ici, tandis que l'Oracle traverse sereinement la map. La mine qui va être en place au niveau de la B1. Et là au niveau de la B2, il y a déjà 4 marines. Les 4 marines qui peuvent être prises. Hein. Les 4 marines qui peuvent être prises maintenant. Ok, ils peuvent plus. C'est plus possible. Plus une option. Non. Non. Trop de boulettes seraient envoyées si jamais ils s'approchaient de ces marines. Des boulettes. Attention, ici, oui, on vient prendre le CV comme un prince. Voilà, la micro est bonne là. La micro est bonne. Oh mec, il est en train de se promener. Wesh, arrête hein. Arrête avec ton oracle là. C'est pas possible ça. Ah ouais, là c'est cool. Vu l'opener de Polt, les dégâts qui ont été faits par cet oracle sont assez cool. Derrière, la swag transi sur les phoenix. J'aime beaucoup ça de la part de Dir. On va sûrement en faire 3, allez, voire Polt. 5. Ouais, pas beaucoup plus normalement. Ça, c'est vraiment une unité de chien. Le phoenix. Ouais. Ah, moi je kiffe. Ah oui, t'es Protoss. Ah oui. Forcément. Bon, déjà de base, tu t'es dit je vais être un chien. Chien du ladder, tac, c'est parti. 4 probes, hein, n'empêche, il a fait autant de kills que Death Civis. Enfin, autant de kills, pardon, que l'Oracle, ce Reaper. Ce qui est quand même énorme, parce que certains diront. Ouais, j'ai 5 kills. Oui, mais là, il y avait une eBay. Il y a un mec qui a tué le mec qui faisait l'eBay, tu vois. C'était pas l'Oracle. Mmh, il est d'ailleurs venu choper des unités, donc voilà, il est venu choper des marines. Des marins qui sont morts. Mort au combat ici et mine de rien l'oracle qui reste une menace hein, tant qu'il est en vie. Derrière on va même avoir les phoenix qui vont pouvoir devenir une menace de Arras assez impressionnante. Et surtout un shutdown complet des Arras du joueur Terran ici. Boum, allez meurs saleté de Reaper. Et il était temps, il était clairement temps qu'il meure ce Reaper. Maintenant on va avoir un compte de phoenix qui va pouvoir traverser la map assez sereinement. Tenter d'intercepter des medivacs. Comment il fait ça Paul là, what the fuck. Ok. On va remplir, hein, mais il y a pas. Si, il y a juste assez de marines, il y en a les 15. Est-ce qu'il y a des tourelles? Non, il y a une mine là et une tourelle ici. Ok, c'est parti. Here we go, man. Et maintenant, la question c'est est-ce qu'on se fait intercepter ou pas? Déjà, l'oracle qui est là et qui va voir le truc partir, Polt qui devrait s'en rendre compte et qui. Non, bah, là on a sélectionné, mais on se dit qu'on préfère y aller. Hein. On fonce un petit peu tête baissée. Du coup, les adeptes qui ont décalé sur la B3 pour se mettre à défendre, les phoenix qui pourraient se mettre dans la trajectoire. Je me demande vraiment ce qu'il fait avec ces phoenix en fait, parce que là je sais toujours pas où est-ce qu'ils sont. Non, il l'a mis en hold pause, c'est bien ouais. Joué ça, grand c'est prince. Bon. Pan, tu meurs! Comme et... le lapin. Du coup, là on envoie double medivac de plus, des marines. Oh là, il y a beaucoup d'adeptes quand même dans cette histoire là. Un peu trop à mon goût. Ouais, non, clairement, là c'est shut down. Shut down is real. Et on envoie la B3 sur le spot parce que on s'en bat les couilles. Ouais, et puis mine de rien, dire a déjà une telle avance sur sa B3 que je pense qu'il faut essayer de gratter cet emplacement de B3 sur le command center du côté Terran. Si on arrive à maintenir pression avec ses medivacs sans les perdre, et ben mine de rien, n'a pas trop de pression à craindre au niveau de la B3. Du coup on repart directement avec les deux medivacs suivants. Il y a moyen que ça renforce pas mal le truc, mais là il est en train de faire beaucoup de phoenix. Et je pense que je suis très fan de ce qu'il est en train de faire ici de dire, parce qu'avec autant de phoenix face à autant de medivacs aussitôt et avec autant d'adaptes au sol pour soutenir face à autant de marines, il y a moyen qu'il y ait des trucs assez stylés qui se passent. Bah un gros carnage quoi. Ouais, exactement, un gros carnage de marines. Il va se faire massacrer la tronche, Paul. C'est un peu le truc le plus stylé qui puisse se passer dans un PVT, hein, c'est que le Terran meurt. Donc voilà, attention ici, on positionne bien la mine. Là tu l'as vu là, ça. Ouais. Là tu l'as vu, si t'es un.
Si t'as l'œil du phénix, attention. Si ouais. t'as l'œil de Marine Lord. Oh. Ok. Moi je me demande c'est vraiment si les coréens ils les laissent vivre les ops. Bah y'a des chances que des fois ils se disent que c'est pas cost effectif, mais ici on a fait le choix effectivement de le pick up pour éviter de se faire engage tout simplement hein, sur les adeptes. Ils ont pas la glaive, ils ont pas le plus en attaque ces adeptes, hein, ils sont pas très forts. Oh attention. Ouais mais je pense qu'il l'a vu, il avait vu le cratère en montant la rampe. Et derrière bah on se replie hein, du côté de Bolt, on va les défendre au niveau de la B2. On va chercher la robot Bay, on va faire des colosses. Adept Phoenix Colosse, qu'est-ce que tu vas faire? Le style chinois version LOTV bien sûr du côté du joueur coréen. Tandis qu'ici on a déjà le noyau de fusion. On va faire très très vite des libérateurs avec la reine. Oh là ouais, j'ai le droit d'être steamé, on épuise un petit peu les medivacs. Ça coûte rien. Et oh. Là il a refait un simi et je me demande si en fait il a pas peur d'un switch high temp là et qu'il épuise de l'énergie volontairement. Peut-être. Et pour pas se faire feedback c'est medivac. Je pense que c'est ça. C'est quoi, c'est sinon il y a pas de raison de le faire autant. Et je pense qu'il avait vraiment pas vu le compte de Phoenix, c'est pour ça il savait pas où était tout simplement le gaz. Parce que les adeptes ça consomme quasiment rien. Et là les regrets de Polt doivent être réels d'avoir consommé autant d'énergie sur ses medivac. Après ça va là, il a délibé. A mon avis il va pas mourir là dessus Polt. Non. Mais je pense qu'il aurait préféré garder l'énergie sur ses mid-legs. Oh, attention, quitte à choisir. Des adeptes qui meurent ici, d'autres qui sont envoyés. Oh là, il y en a tellement. Et du coup, la ligne de minerai ici qui va se faire des pop de manière instantanée. Vous voyez, ça va très très vite. Déjà 17 VCS qui sont morts. On va shade. Est-ce qu'on arrive à shade dans la main? Ok, non, ça a été fermé du côté de Polt. Les shades qui mongolisent un petit peu. On prend la fight ici. Les zones de démocratie qui ne couvrent pas tout. Et du coup, les adeptes qui survivent bien pour l'instant. On va reprendre plein de VCS. Les VCS qui meurent les uns après les autres. Et ici, le joueur Captain America Polt qui est en train de prendre tarif sur l'agression de son adversaire. Sur le plus 1 d'attaque et les adeptes, et derrière on fait double colosse, thermolance, plus 2 d'attaque, B4 et le plus 1 de défense. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon bah voilà, Paul t'as perdu hein. Il a mal défendu des adeptes. C'était pas très intéressant, j'ai trouvé. Je sais pas toi, mais. Ouais, bah moi je me dis qu'il était temps qu'il perde, voilà. Il y a un moment. C'est vrai. Arrête de prendre tout l'argent de la compétition, tu vois. Genre laisse les autres jouer aussi, tu vois. Il aura mis des bons shots. Ouais, il a un peu chié sa défense, Paul, là, quand même. Mais en fait je dis pour moi il a chié sa lecture du jeu, vraiment pour moi il s'attendait à des high templars hein. Eh ben, il va mourir hein. Ah non, hyper. Ça s'est joué à un point de vie. C'est passé à un point de vie à un moment. Oh là là. Petit peu de luck là dessus. Bon du coup t'as 22 et 6 vies, qu'est-ce que tu fais? Tu fais beaucoup de libés et t'espères que la range va faire le taf. T'espères que ces hommes là ne vont pas tuer trop vite tes libés. Sauf qu'en face, on a déjà prévu le coup, on fait des void ray. C'est ça. Et pour rappel, hein, le libérateur, c'est une unité blindée. Du coup, ça tue très 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 vite les libérateurs si le focus est bon. Sachant que le libérateur ne génère pas d'aggro. Hein, donc il faut quand même que vous sélectionnez individuellement les libérateurs ennemis. Attention, si bon, les probes qui vont tout mourir sans aucun conteste. La B4 aussi. Mais ça, c'est des dégâts que Dire, il peut clairement accepter en fait. Hein, après avoir quasiment tué la B3, surtout tué autant de VCS qu'il a tué. Enfin, c'est simple. Il y a 56 probes à 11 VCS. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un génie en mathématiques. Pour savoir que c'est pas une bonne situation pour le joueur Terran. Attention des Marines qui se font intercepter. Ici on a un peu. Oulolo, le libération. Il a pas grand chose au sol, dire. Hein. Mine de rien, il y a beaucoup de libé avec la range. Pour moi, il peut gagner cette game encore, hein, Bolt. Il peut complètement gagner cette. Oh là 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 là! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Les Phoenix qui sont empalés ici du côté de Dire. Mauvais move. Bah pour du côté moi là. De Dire. Pour moi, c'est. Pour oh moi, le mauvais corps! Il va gagner cette game. Pour moi, Bolt, il va gagner cette game. What the fuck? Il peut plus remonter là. Il peut plus remonter. Bah là il faut là, que. Là, il perd sa B2 gratos. Là, il attend juste son blink. Ouais, mais et il va tenter. Il y a 3 stalkers. Attends, jamais. Ouais, il y en a warpé quelques-uns là, mais même. Hein, ça, c'est fort. Il va blink in dans une mine. Oh, ça c'est bien fait. Si la mine trigger sur le void ray, ça peut le faire. Mais non, ok, très bien. Ok, attention. Non, mais c'est dingue, hein. Ah oui, non, c'est il a chié de ouf, dire. Bah, du coup, là, c'est un très bon decision making aussi de la part de Paul. Ah, mais regarde, il perd un colosse. Mais putain, c'est ouf. Là, le Paul qui joue juste avec le trou au milieu, le positionnement de Paul qui est excellent. Et dire qui est clairement en train de souffrir. Là, c'est des dégâts qu'il va plus commencer à. Il va plus pouvoir les accepter en fait ce genre de dégâts. Et du coup là attention les stalkers qui vont tenter de décaler sur les libérateurs qui sont un peu à poil. La mine qui est là certes mais qui se fait esquiver. Du coup là on prend 3 libérateurs de manière un petit peu un peu trop gratos quand même. Ah je trouve là il perd des unités qu'il a pas le droit de perdre. En fait attention ici Polt qui se fait blink in. Il faut se retourner Polt.
C'est chaud. La zone de libération qui met sur le choke point ici derrière les colosses. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le dégât suffisant sur la bioball tandis que les stalkers sont en train de focus directement sur le libérateur. Le blink offensif sur le libérateur. Les colosses qui dominent au sol. Du Samsung Galaxy Dior qui fait tomber le roi de la colline et qui du coup prend sa couronne pleine de sang, la posant sur son crâne, préparant son armée à la prochaine bataille. Clairement. Putain, c'est dommage, Paul, il perd 2 libés gratos. À un moment, franchement, il perd pas ses 2 libés. Je pense qu'il gagne la game. Mais. Ouais, En fait, il a envoyé trop sa bio loin de ses libés, je pense. C'est dommage. En fait, je pense que l'erreur, ça a été de vouloir aller chercher la B3. Il aurait dû vraiment continuer à insister sur la B2 et prendre son positionnement sur la rampe de la B2 plus tôt, celui qu'il prend à la fin. Le problème en faisant ça, c'est que tu t'exposes à un Protoss qui sauve ses propres, qui continue à miner sur une base qui mine vraiment. Ouais, mais tu prends les moyens de production, la technologie, les 2 robots qui sont dans la B2. Ouais, mais le problème, c'est que le Protoss, là, tu veux tuer son armée, en fait. Ouais. Quand t'es Protoss, que t'as 4 colosses, des stalkers, des libés, des adeptes, tu t'en branles de perdre tes gates, en fait. Parce que tu sais que t'as un terrain en face qui a 7 de pop armée. Donc du coup, il faut prendre des positions où t'obliges littéralement le Protoss à venir s'empaler, quoi. Et en allant dans la B1, à mon avis, il s'en fout, tu vas dire, il repose son cyber, il a 16 propres qui mine, toi t'en as aucune. Donc du coup, dans cette situation de trade base là, faut pas aller dans la B1 pour moi, faut aller vraiment sur la B3. Maintenant, il a trop éloigné. Il éloignait trop sa bio de ses libés, du coup, il y avait des spots où les stalkers se faufilaient et pouvaient aller gratter, et notamment ils l'ont fait, ils ont pris 3 libérateurs, ce qui est beaucoup trop, hein, beaucoup trop quand t'en as 7-8. Tu te fais bien avoir, quoi, simplement. Alright. Du coup, Diarki l'emporte. Sur cette game, Paul qui tombera enfin après avoir pris 4 maps d'affilée du coup. C'est ça. 4 maps, donc 1000$ mine de rien, donc une bonne journée pour Polt. Et dire lui qui en empoche 250. On verra s'il arrive à empocher les 250 suivants. Kotsa 4, pronostic Nerkio next. 12 mois de resub, joyeux sub day. Donc le pronostic est cool. Nerkio serait le prochain joueur. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je sais rien. J'en sais rien du tout. De ce qui pourrait être le prochain joueur. Bien sûr, le Coca Build. Non, on va voir un petit peu ce que ça va être, ce qui va être envoyé. New Gettysburg, ce sera la map en tout cas. Je dirais que c'est Dark, hein, vu qu'il parle dans le chat. C'est ça, il y a Dark. Du coup, désolé, mon cher sub, eh bien, tu t'es trompé, ce n'est pas Nerkio qui est next, mais c'est Dark, donc un autre joueur Zerg, un très très bon joueur Zerg, mais au style très différent. Il faut le dire. Oula, la map a été créée. Tu l'as pas en ami sur le serveur. Ouais, j'ai pas Oli Melé sur dans mes copains. Bah, tu seras sûrement invité. Ah, pas m'invité. Oui. Voilà. Oh, tranquille, man. Easy. Je suis de la main, TKL. Oui. Oh, map 1, Dire qui a sa petite couronne. C'est ça. Très sympa. Et c'est joli ce qu'ils ont fait, n'empêche, graphiquement pour cette compétition. Total Biscuit, comme d'habitude, mais met les moyens. Hein, et c'est ça, voilà. Moi, j'ai envie de faire un shout-out à Total Biscuit. Parce que, mine de rien, le mec, il a une carrière extrêmement successful dans le gaming avec sa chaîne YouTube qui se passerait très bien de StarCraft 2. Mais le mec, il a fait une équipe coréenne avec une team house Axiom, certes qui a disbandé depuis, mais il l'a fait pour permettre à des joueurs de continuer leur carrière, dont Impact qui maintenant se retrouve dans une équipe Kespa. Derrière, il a organisé un nombre incalculable de Shadcraft, il avait casté plusieurs événements de gaming, alors que clairement il n'a pas besoin de cet argent pour survivre. Donc, et le mec il continue à faire tout ça malgré de gros problèmes de santé, malgré les problèmes financiers que ça apporte de gérer une équipe coréenne, etc. Donc vraiment big up à lui et big up à ce qu'il fait pour StarCraft 2. C'est des gens passionnés comme ça qui... Bah, les jours où éventuellement tu es un petit peu dans la douleur, tu dis ah et tout, StarCraft 2 c'est plus ce que c'était et tout. Et tu vois des mecs qui sont passionnés comme ça, tu dis bon bah les couilles. On est des mecs passionnés, on y va, on envoie des trucs et c'est cool quoi. On est tous là pour kiffer du bon StarCraft. Moi ça m'émeut un peu. D'accord. Voilà, j'aime bien StarCraft. Moi aussi. Ouais, non, mais clairement, j'ai pas grand chose à ajouter à ce que t'as dit de toute façon. Hein. Tu me regardes, mais tu veux que je dise quoi, tu vois? Bah, je sais pas. Je sais pas. Rien. Ce qui te passe par l'esprit? Rien. Est-ce que t'aimes la. Voilà. Très bien. Non, ça va être dire contre Dark, ça va être intéressant. PVZ, de niveau GSL, de niveau. GSL, de niveau Pro League, vous connaissez, on a ça tous les jours, toutes les semaines. Donc là, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Ils sont tous les deux sur leur cas, sur leur serveur. Dire. Contre, on est sur New Gettysburg. J'ai pas beaucoup eu cette map en PVZ encore. Ouais. Du coup, pas d'avis très prononcé sur la map.
Je crois que c'est une map extrêmement zerg, hein, mais je suis pas sûr. Moi je trouve que c'est une map qui est relativement équilibrée. J'ai effectivement vu pas mal de gens faire ce retour que... Je crois que les Terrans sont baisés là-dessus. Contre Protoss, contre Zerg. Mais que je crois que Zerg a un avantage contre Protoss. Mais je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr du tout. Bah, le truc c'est que pour moi, effectivement les bases sont relativement faciles à prendre, donc ça peut éventuellement avantager le joueur Zerg. Mais d'un autre côté, t'as pas mal de voies aériennes pour le joueur Protoss, t'as pas mal d'accès... Enfin, les bases sont pas extrêmement difficiles à défendre, notamment avec quelques Photon Overcharge et un play un petit peu Skytos, un petit peu Camping, un petit peu... voilà, chez toi. Donc moi je trouve que c'est une bonne map en PvZ. Après effectivement, à un niveau professionnel, je l'ai pas vu énormément. Du coup, ça va contribuer à ma connaissance de cette map ici, ce qui est cool. Oui. Attention. Oui. Ça va se lancer. Et du coup, c'est parti, la game numéro 6 de la journée qui se lance dans ce King of the Hill en bas à droite. Le représentant Protoss de Samsung Galaxy Can Dear. Et en bas à droite pour la team SK Telecom, il s'agit Dark. Darkounet. Oh, ça. Scout rapide déjà. Truc à noter qui est intéressant. Scout après le pylône. Pylône qui a été posé sur la B2, du coup il y aura B2. Ça me manque un petit peu les BO, une base Protoss et tout contre Zerg, etc. Ah ouais, ça se fait moins, mais bon, c'était rigolo. Bah, caster c'est plus marrant quand même. Moi je trouvais ça pas terrible. Tout simplement. C'était. Un peu nul, tu vois. Oh, Gas First ici. Gas First Pool. Oh, dis donc. Intéressant ça. Bah, Alt Gas Pool quoi. Ah non, pardon. Ah oui, d'accord, très bien. Gas Pool pour l'instant. Bah, on verra ce qui en est fait ici, hein, du côté de Dark. Sachant qu'on a ouvert sur un gate. Un gate gaz tout à fait classique du côté Protoss. Donc, certes, la gate elle est dans le wall de la B2, donc ça peut rendre la situation un petit peu corsée sur la suite. Mais normalement, ça devrait pas être trop compliqué du côté de chez Dir à défendre si on est au taquet. Là on va gêner la prise de B2, on voit le drone qui décale sur la B3, mais il faut s'assurer, hein, que cette base elle est bien posée et qu'on n'est pas juste en train de produire une queen et des zerglings comme un coréen. Mais pour le coup est-ce que tu reposes un pylône là? Bah si, oh, il a si, pas annulé celui-là. Si okay. T'es persuadé que ça va être cost effectif, oui, mais tu peux pas vraiment en être sûr en fait. Ça, j'avoue, j'ai jamais trop compris les logiques de bloc des Protoss en termes de dépenses d'argent. Parce que des fois, t'en as même, ils te foutent une gate, genre disrespect et tout. Puis y'en a, ils peinent à poser leur premier pylône et puis après ils l'annulent et ils posent pas le deuxième. Enfin, tu vois, genre vraiment, c'est d'un joueur à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Bah, c'est un peu une réflexion de qu'est-ce qui va être le plus cost effectif selon toi. Et c'est vrai que du coup, c'est très personnel en termes de goût, mais. Généralement, c'est toujours intéressant de bloquer au moins au niveau de la B2, ne serait-ce que d'avoir posé le pylône et de potentiellement l'annuler après. Et ça dépend de ce que tu vas scouter au niveau de la B1, tout simplement. Là, sur un opening comme ça, j'avoue que je suis pas ultra convaincu du fait d'avoir laissé le pylône se terminer, surtout qu'il a, il a vu l'expand être posé. Mais maintenant qu'il a commit dessus, effectivement, poser le cybercore, ça a un intérêt. Parce que du coup, ça va forcer Dark à être très très agressif, et on le voit ici avec le Roach Warren. Ça va forcer son adversaire à l'agression et donc laisser du temps ici à Dark, de rentabiliser un petit peu au niveau de la B2 et de produire des unités, notamment le Mothership Core. On a lancé la Stargate en premier lieu, donc il va falloir se rendre compte qu'on a une agression qui arrive, parce que l'Oracle ne sera pas la meilleure unité à faire. Ok, cancel ici, très bien. Et on en profite pour faire un zilote pour tenir le wall, tandis que l'adepte va scouter. Ok, je pense que c'est parfait du côté de Dark. Il faut juste qu'il prenne l'information du Roach Warren. Ok, il envoie l'adepte là, pour l'instant il traverse le bridge, attention, ok, il y va tranquillement. Voilà, c'est le speed qui vient de se terminer, cet adepte qui passera pas. Faut annuler la shade, il faut laisser tomber le skip pour l'instant, on a 8 roaches qui est en production. Et si, il faut faire des void rays, hein. Faut faire des void rays sur cette Stargate, ça va être important. Si t'envoies un oracle, t'auras l'air bien con, simplement. Là pour l'instant il peut pas aller prendre l'info, il joue bien avec ses glings Dark, fait vraiment le taf. Et dire qu'il va rentrer chez lui un petit peu penaud, sans information. La télé n'a pas fonctionné, il a pas réussi à regarder le JT. Attention. Ouais, la dead ici qui va mourir. Et les Roach qui sont en train de sortir. Donc l'oracle qui arrive, il peut aider vis-à-vis des Roach, notamment avec une stase, mais en termes de DPS ça va clairement pas être ça. Il va falloir chrono-booster assez rapidement un Void Ray, poser quelques pylônes supplémentaires également dans le wall. Je pense que c'est vraiment une bonne option. Oh, et surtout. Oh là là, oh là là. Le deuxième oracle, ça suck, hein. Il faut vraiment pas le produire, ce deuxième oracle. Attention, là on va voir les roaches maintenant. Quand dire
dire, il faut réagir, dire. Non. Holy shit, y'a beaucoup hein. Quand c'est le ton oracle, lance un voidray. Ok, ça c'est fait. Wale, Draka, Wale au gaming, merci pour vos streams, merci à toi pour tes subs, mon gars, puisque c'est le deuxième. Et là, du coup, attention, la photo de ma charge qui est claquée, mais c'est un seul pion, c'est bien faible face à autant de roches. Et là, il a posé une gate, mais du coup, le roche qui va se faire péter, du coup, ça va être ouvert. Et du coup, les unités qui se déversent dans la base, dire qui a eu un petit problème de lecture par rapport à ce qu'a fait son adversaire et qui du coup se fait bien avoir. Le roi déchu un peu rapidement là quand même hein. Ouais. Oh là là mec, il s'il désactive ses deux pylônes. Ouais, okay, il peut pas, il peut pas. Il y a les probes qui te dérangent, mais là il en perd tellement déjà de probes. Après rappelons qu'il est full all-in hein. Pour l'instant il a toujours plus de probes qu'il n'y a de drones. C'est ça, les probes qui pouvaient clairement être perdues ici. Donc c'est pas trop grave, il faut juste limiter les dégâts qui vont être faits et refermer le wall. Le wall qui a été refermé, donc ça c'est très bon, le void ray qui est sorti. Ok. Le roi n'est pas encore déchu. Non mais là le roi il est en train de stomper le mec là tranquillement hein. Pour moi, allez, Kana 87-21 mois de resub. Et là concrètement, la défense de dire elle a été bonne malgré une compréhension tardive de ce qui lui arrivait dans la tête. Maintenant il faut pas se laisser aller non plus. Dark il devrait reprendre progressivement la production de drones. Je pense que derrière il faut le sanctionner en fait sur ça. Sur sa tentative de reproduction de drone, vraiment lui dire ok non mec maintenant tu m'as attaqué, maintenant subis les conséquences de tes actes. Cette build qui touche, de nouveau des glings qui rentrent, qu'on fait un trou, attention, ok ils sont bien placés ces adeptes au milieu des probes là. Est-ce que tu veux pas, est-ce qu'il a checké cette base là? Non il y va, il l'avait pas regardé encore, il va aller voir, il va prendre ce pylône ici, des unités qui courent encore dans la ligne de mine, il reste 6 probes de plus qui tombent. Dark qui régalise au niveau du compte de drone, qui va aller poser sa B3. Sur le slot B2, du coup c'est pas mal du tout pour l'instant pour Dark, qui a réussi à bien revenir avec son agression là. Le deuxième temps, hein. Le premier vraiment c'était bien fail. Et dans un deuxième temps, en faisant des glings qui tapent le wall, plus des roads genre la B1, il a fait des bons dégâts. Oh forsuite, oh est-ce que tu pouvais pas les bloquer là? C'est une overcharge. C'était un call un peu risqué, fallait vraiment placer les deux forces parfaits pour bloquer tous les airlings. Derrière tu fais une overcharge et derrière si tu les bloques pas ils vont revenir, t'as plus d'énergie, t'as claqué une overcharge. C'est pas forcément ultra worth it. L'oracle ici qui tourne et qui va attendre les adeptes pour trouver des proies tout simplement au niveau de la B3. Attention quand même hein, la spoiler rampante qui va clairement dire non à cet oracle. Tandis que les adeptes eux peuvent rentrer tranquillement, prendre une bonne position entre la spore et la hatchery, ouais, pour bon, faire là. Le dégât. Allez faut revenir un petit peu vers l'oracle. Oh, attention l'oracle. Ok c'est bien fait. Il a pris l'aggro de la spore, mais là c'est bon, il a réussi à se positionner hors de portée de la spore et du coup dégrisser quelques glings, c'est bien fait. Pour l'instant c'est quoi? C'est des adeptes encore. Oh là il va le balader. Il va complètement le balader. Sur les Champs-Élysées, effectivement, ici les adeptes qui sont en train d'arriver directement, qui font du dégât dans la ligne de minerai. Focus les drones, c'est excellent de la part de Dire qui fait du dégât, qui continue le dégât de part et d'autre. Il va finalement se faire nettoyer. Mais derrière on a un Dire qui prend B3. Et cette B3 elle va être ultra difficile à contester pour un Dark qui a vraiment besoin de drones à l'heure actuelle. Et dire, bah, dire qu'il est juste vraiment bien dans la game. Pas mal du tout, tandis qu'Imre et Cyril reviennent tout juste de Cologne. Voilà, avec une petite statuette de drop zone. Drop zone du coup, j'ai pas du tout regardé encore le jeu à quoi il ressemble. Le jeu est pas. Moi je le trouve très ressemblant graphiquement à League of Legends. Ok. Voilà. J'ai juste vu la gueule du truc, j'ai regardé 10 secondes, je me suis dit tiens ça a l'air un peu mou. Maintenant j'ai pas du tout regardé le contenu donc ça se trouve c'est très intéressant. Et heureusement que c'est mou, mais pour l'instant j'ai pas du tout vu comment ça se joue en fait. Alors attention, là il y a un gros push qui s'enclenche hein. Là t'as un gros push parce que les seules forces armées de Dark elle est là et c'est quelques Glingdale, quelques Gling qui meurent largement sur cette compo de la part de Dire. Holy shit mec, c'est marrant de traverser la carte avec des Sentry Exam, mais même pas le Momocore quoi, y a même pas de quoi recall. Ouais, il n'y a pas de quarry call, mais on a quand même le soutien du Void Ray. Là, on va pouvoir bloquer les alignes dans le couloir. Si on a une sentry qui veille au grain, même on va pouvoir s'enfermer au niveau de la B2. Hein. Et mine de rien, il n'y a rien dans cette B2 à part des queens pour défendre. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un gros dégât ici déjà du côté de Dire? Attention, ici on voit les alignes qui arrivent. Il faut forcer le forfield. C'est un peu tardif hein, au niveau des forces field. Et là, allez. Du coup, c'est grosse en palette du côté de Dire. Ah ouais, il n'a pas activé son oracle. Oui, il a perdu 1000 de gaz en l'espace de 15 secondes. Ah ouais, voilà. Oh le fail. Il n'a pas envoyé ses force field, il n'a pas activé son oracle. Dire qui a complètement fail là pour un coup sur son agression. C'était ce qu'on disait, hein, étonnant qu'il n'y ait pas de Mothership Core quoi, tu vois, genre au moins tu recalls quand ça part en sucette. Là en l'occurrence il a tout perdu. Regardez au niveau des pertes quoi, c'est genre c'est cette sentry là. Oh, oh voilà, le coup en gaz on le voit ici. Hein. Ah, ouais. Shit quoi. Ah bah voilà. Regarde 1000 à 400. C'est ça, et c'est vraiment... Là c'est un coup dur, hein. C'est un gros coup dur pour Dire qui, bon certes a une avancée économique, il est bien technologiquement et tout, mais il est pas fantastiquement en avant technologiquement du coup, en ayant avancé toutes ses sentries et ses unités aériennes, bah du coup, là où il pourrait vraiment être en train de débloquer son plus 2, la storm, la charge, ce qu'il aurait voulu quoi, bah il se retrouve à avoir le blink qui arrive le plus 1 alors qu'en face on a fini Hydra Is Den. Donc va pas y avoir énormément d'unités du côté de Dark tout de suite parce que bah
déjà on investit sur le lurker den et en plus on a un petit peu moins de worker que l'adversaire, mais on est clairement dans un meilleur spot qu'il y a une minute quoi. Clairement. Ici cet oracle toujours vivant qui cherche un peu les drones. Là il viendra les gratter tout à l'heure quand ils transiteront. Est-ce qu'il est visible? Non, il est pas visible. Avec un over qui meurt, les glings qui se faufilent, du coup va falloir foutre en leur charge pour essayer de perdre le moins de drones possible, le moins de sondes. Bien fait de la part de dire là-dessus, très réactif. Ouais, deuxième photon overcharge qui est claqué, peut-être un peu overkill, mais bon, il aura pris quand même pas mal de Zergling et ça devrait nullifier la force offensive de cette troupe de Zergling. Maintenant, la B4 qui est envoyée du côté Protoss ainsi que le plus 2 d'attaque, la deuxième robot qui est posée, on a dû se rendre compte de la présence du Lurker Den. Et est-ce qu'on va scouter le Lurker Den? Je vais te dire ça tout de suite. Alright. Il est là, hein, c'est ça? Il me semble, ouais. Non, ah non, pas du tout, il est là. Ok, non, c'est pas du tout. Donc un petit peu de Star Sense du côté de chez Deer. Qu'est-ce qui te fait penser ça en gros, qu'il y a une deuxième robot? Ouais, quand tu fais une deuxième robot, c'est tu veux gérer des lurkers. D'accord. Genre, enfin, double immortel, c'est cool à peu près dans toutes les circonstances, mais en vrai t'as tellement d'autres trucs cool à faire pour les autres compositions. Après, y a pas tellement d'autres compositions Zerg dans le sens. Non, mais tu peux toujours te faire surprendre par un switch muta, etc. Et si tu envisages un switch muta, est-ce que tu vas vraiment investir double robot, double immortel? Tu vois, c'est... Il a peut-être vu des hydras sûrement alors avec... Ouais, peut-être, peut-être. Avec une hallucination dans ce style. Oh, attention, faut tuer tous les glings là quand même. C'est le genre de gling qui te prend deux probes et tu te sens compte. Faut pas les... Voilà. Dire qu'il s'en tira pas compte. Parce qu'il c'est un génie à ce jeu vidéo. Est-ce qu'il a perdu son oracle? Ouais, il l'a perdu, excusez-moi, je l'ai pas vu mourir. Je sais pas ce qu'il aura emporté avec lui dans sa tombe. Peut-être les stalkers, juste les hydras qui sont venus le chercher gratos. Ici du coup pour l'instant on a quoi? Deux IMO, des sentries bien chargées, bien juteuses, avec beaucoup d'énergie. Et là pour l'instant, oh là, oh, alors là jamais tu passes avec l'armée de Dira. Enfin théoriquement jamais tu passes. Ouais mais là si tu arrives à caler les bons force field, là tu pourrais concrètement kick cette B4 malgré la présence d'un lurker. Hein. Attention là les forces qui sont claquées qui vont forcément obliger les lurkers à s'enterrer ici pour tenter de contester l'armée. Et du coup l'armée qui kick, mais attention à ne pas se faire surrendre parce que encore une fois Dira qui a avancé sans son Mothership Core, ce qui veut dire que si l'armée ici se positionne bien, eh bien on a une interception, beaucoup de stalkers qui meurent, la Dark Shrine est le plus qui sont en train d'arriver, mais est-ce que ça va être suffisant pour tenir le gros go de Dark sur son adversaire? Oh là là, déjà il a hyper tous ses sondes sur la B4. Dark est en train de bien jouer le coup, attention, ici on enterre les lurkers un petit peu loin ceux-là pour l'instant, la bique qui est lancée sur les champs de force, c'est très bien fait, plus beaucoup moins d'énergie que tout à l'heure, attention il y a des sentries en première ligne qui prennent ici, et là il y a un mouvement de pince qui peut se créer, hein. Il y a des unités derrière toi, des unités qui vont popper sûrement devant des haches du joueur Zerg, faut faire très attention, Dark Shrek qui est envoyé aussi, oh les sentries, faut pas les perdre. Ouais ça aurait été mieux de pas les perdre, malheureusement c'est compliqué de les sauver dans ce genre de scénario où tu danses autour de lurkers sans avoir de détection. Tu te prends des dégâts de zone assez régulièrement. Et les sentries c'est quand même l'expression même de la fragilité dans Starcraft. Maintenant on a quand même une armée qui se reconstitue bien là du côté de Dire à la maison, avec tous ces îlots de charge, ces immortels, le plus 3 d'attaque. Et face à un Dark qui va avoir beaucoup de lurkers, c'est une composition qui fait peur. Surtout qu'on n'a pas terminé de Bendingness, donc ce qui veut dire que même si on le termine, le bending speed ne sera pas là le temps d'engagement. Donc les Iotes pourraient vraiment faire un très très gros taf ici. Ouais, clairement les Iotes ça va être une clé dans cet affrontement. Ok, pour l'instant là il n'y a qu'une pauvre sport, 4 Dark Templars vous imaginez bien, qui vont la défoncer en 2-2. Attention, on rapatrie ici. Ok, non, on bouge pas. Oh là là. Oh, le warp massif ici de Zilot Charge qui est en train de se faire. Les DT qui sont en train de prendre à partie la Spore et du coup qui vont être indétectables pendant longtemps tant qu'on n'aura pas ramené un vigilant pour défendre ici. Attention, l'agression qui arrive, les Zilot Charge et les DT qui vont faire une bouchée de ces Hydralis qu'il faut vite ramener des Zerglings en plus. Tandis que du coup, là on en profite que les lurkers sont à poil pour engager. Est-ce qu'on arrive à kick la B3? Est-ce qu'on arrive à kick les lurkers? Attention, les Zilot qui arrivent au contact directement à la détection qui est bien présente du côté de Dire qui est en train de déloger son adversaire, le forcer se replier au niveau de la B3 et ça pourrait lui permettre à lui de monter au niveau de la B4 s'il le souhaitait. Wallet Sandro, merci OG pour votre taf, je soutiens encore et toujours, merci à toi. Bon, attention ici les drones qui sont poules, les lurkers qui vont au cac, est-ce qu'ils vont pas se faire défoncer quand même? C'est lurkers, beaucoup de GG. Oh, il a pris 21 drones, il avait perdu toute sa tech B1, il y avait plus de B1, voilà pour ceux qui se posaient la question, il y avait plus de l'air, il y avait plus de poules, il y avait encore la poule mais il y avait des évos qui étaient tombés, voilà un bon carnage. Très un bien joué de la part de Dire. Le gros warp qui a fait la diff, hein, vraiment, qui a créé un décalage, qui a permis de prendre beaucoup d'unités, beaucoup de tech. Très bien joué de sa part. Du coup, nous, est-ce qu'on vous envoie pas une petite pause? Si, on vous envoie une petite pause le temps que la première map commence. Je sais pas qui ça sera, mais en tout cas, on vous tient au courant.
Restez dans le coin, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, le seigneur des marines est prêt à devenir roi dans ce Shadcraft Kings of the Hill. Mais surtout ici, nous avons Imre. Hein, Imre suintant. Ouais. Imre prêt à... Prêt à casser du StarCraft. Prêt à casser du StarCraft, prêt à s'amuser aussi, puisque voilà, ça commence bien dans le chat tranquillement. Marine Lord qui rappelle qu'il a 100% de win rate contre SKT comme T1 Innovation. Innovation qu'on pourrait retrouver plus tard, hein, puisqu'il fait partie des joueurs annoncés. Marine Lord faisait partie des surprises, une bonne surprise. Maintenant, on va jouer contre Dire. Voilà, un gros test pour Marine Lord. Premier gros test en fait depuis Nation Wars face à un top coréen. Exactement, premier gros test, et c'est finalement le. Quasiment le but de cette compétition. Alors certes le but c'est de gagner beaucoup d'argent, mais Total Biscuit l'a mis en avant. C'est une rencontre des régions, une rencontre qu'on ne voit pas si souvent que ça dernièrement. We live in a world where I can in 2016 watch live on my phone a game released in 1998 played as a sport at dinner. Et du coup voilà, tout ça pour dire qu'on peut regarder du brodoir sur son téléphone en mangeant. Effectivement, ça avait l'air de du premier match de la journée sur Brodoir, mais c'était avant la bonne action sur StarCraft 2. On va aller jouer sur Givre, du coup, M-Lord, hein, qui subit la map choisie par son adversaire, puisque voilà, c'est le privilège que t'as quand tu es roi, tout simplement. T'as 5 maps qui te tournent, et tu peux les choisir au fur et à mesure. Une fois que le pool est épuisé, on recommence un peu balle neuve au tennis, tout ça. Donc, on va pouvoir se lancer dans quelques instants, on verra, hein, mais ça promet d'envoyer du lourd à dire contre Marine Lord. Je sais pas, l'avantage pour moi numéro 1, c'est que Dire n'a pas beaucoup joué en online et n'a pas beaucoup joué avec du ping. C'est ça, il a pas eu beaucoup cette expérience, le bon Dire, et ça pourrait clairement lui coûter cher face à un Marine Lord qui est déjà beaucoup plus habitué à ce type de format. Ça. Tandis que si on sort une petite trap card genre Solar, là tout de suite, tu te rends compte en fait, non, si tu as un inverse, Solar c'est le mec qui se levait à 4h du matin pour aller farmer des GoForts sur tous les continents. Quand il y avait encore des sous à se faire online de manière régulière, de manière quotidienne tout simplement. On va pouvoir rentrer dans quelques instants dans la game. Et alors je vais faire une petite modification, je pense que ça peut être intéressant. Regarde, on va mettre du B1. Est-ce que je peux vraiment tricher comme ça? Je mets du B1 et je mets 2-0 pour dire. J'avoue, il faut... Ok, c'est parti. C'est une belle manière de faire les choses pour dire que Dire mène ici avec deux maps, le Protoss de chez Samsung Galaxy Khan qui a spawn en haut à gauche de Givre. Alors j'ai une question existentielle, est-ce que ce cake te donne envie de le manger? Non du tout, ce qui m'a donné beaucoup plus envie de le manger c'est vraiment ce que sur la photo de Wolf, du coup j'ai très envie d'un coréen là-dessus maintenant. Là tout de suite maintenant, on verra peut-être si tu es sage, peut-être que de la nourriture arrivera. Oui. En bas à droite de la carte, en terrain bleu pour la team Millennium, du coup pour la France, pour les baguettes, pour le Wallis, Marine Lord. Et si vous aimez Marine Lord, au-delà de voilà, le voir potentiellement accumuler plein de dollars dans ce Shootcraft, vous le retrouverez également demain à partir de 19h pour commenter le groupe D, la GSL. Du coup. Ce qui est quand même assez swaggy, mine de rien, d'avoir comme ça les perspectives, les opinions, le point de vue d'un joueur professionnel comme Marine Lord sur un groupe de GSL. C'est ça, quand même. Histoire qui te rappelle définitivement que tu ne sais vraiment rien à ce jeu. Ça. Et on remercie beaucoup les tournois chinois, voilà, qui forcent les joueurs à venir faire des visas à Paris, et qui le joueur ayant du temps libre entre deux rencontres à l'ambassade de Chine se dit tiens, si j'allais au loco. Ouais. Si j'allais boire des bières. Et si je m'appelle Petit Drogo, si j'allais manger tout le pain de TKL, mais... C'est bon, tu le raconteras quand on le commentera à 4h du matin, puisque voilà, les IEM vont être à des horaires assez cool en parlant de 4h du matin, tout ça. Du coup, il y avait, vous le savez, vous pouvez venir visiter la caverne chaque mois, des subs qui ressortent peuvent venir visiter. Malheureusement, par rapport à ce qui a été annoncé, on a été contraint de faire un léger changement, en effet, on n'aura pas d'émission en soirée dimanche prochain. Et du coup, on vous invite vendredi au lieu de dimanche pour le dernier groupe de AGSL dans lequel on retrouvera Dire, Piole, Patience et Speed, si je ne m'abuse. Ce qui reste un très très gros groupe, mine de rien. Donc voilà, si les invitations ont déjà été envoyées. Les mails ont été envoyés, checkez vos mails. Ouais. Donc voilà, si vous êtes sub, checkez vos mails. Vous avez peut-être été invité à visiter la caverne vendredi prochain. Enfin, ce vendredi, quoi, c'est celui qui arrive. Et c'est quand même assez cool, mine de rien. Venez partager une bière. Et n'hésitez pas à nous le dire, surtout si vous êtes indisponible. On s'arrangera bien entendu pour que vous veniez à un autre moment. Et oui. Alors, meanwhile, ne se passe pas grand chose. À part quand même le CC First. Voilà, Marine Lord qui voulait plus de cake, tout de suite. Tenter de double cake. Un cake. Ouais, c'est ça, un top cake. Marine Lord qui aime bien les cakes. Top cake Arino. Top cake Arino. Et top Terran Arino. Top Muller Arino. Comment? Regarde, top Muller Arino. Est-ce que la Muller ramasse un super cake? C'est une bonne question ça. Oh, dommage! Franchement!
Ouais, please, David Kim. C'est vrai que c'est dommage. Après, tu noteras quand même que bon, là, il n'y a pas de gold sur cette map, mais du coup, sur les gold, les cakes sont dorés. Oui, ça, j'ai été au courant. J'ai aussi été au courant que le nouveau système est magnifique. Tu peux monter en gemme en ayant joué un autre jeu à l'autre bout du monde. C'est ça. À l'autre bout du monde, en Allemagne. Oh, ouais, en Allemagne. Ah, ça va, à l'autre bout du monde, de l'autre côté du Rhin. Ouais, de l'autre, pile poil de l'autre côté du Rhin pour le coup, puisque le Rhin traverse Cologne. Ouais, effectivement. Non, mais ouais, le moment où tu te lèves le matin, tu te dis que oh, il paraît que t'es monté gemme. Oh, cool. C'est ça. C'est bien, j'ai rien fait. Bah, t'as quand même perdu contre le roi Bisou, quoi. Ouais, please. Il a trop bien joué en plus, c'est ça le pire. Ah ouais, du coup. Enfin, est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu te cherches une excuse pour avoir perdu contre un joueur de LOL? En vrai, posons les questions qui fâchent, Imre. Ouais, attends, la question qui fâche, c'est ce bâtiment. LOL. Mais non, pour le coup, il a vraiment. Genre, je l'ai toujours atomisé en practice et là, il a juste super bien joué, donc c'était un peu le. Merde. Ah merde, ça va pas être facile. Oh ouais. Putain. Et le jeu est vraiment cool, mais on aura l'occasion d'en parler ailleurs, puisque là, la game qui va commencer à s'emballer, petite drop d'été de la part de Dire qui a eu le temps de scouter le CC First de son adversaire. Je trouve le drop d'été très très intéressant, puisque tout simplement, en l'absence de technologie avancée du côté terrain, TDT ayant le blink si ton Warprism est parfaitement positionné, tu n'es pas censé les perdre. C'est ça. Ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais t'es obligé de commettre des erreurs pour perdre les DT. Quand tu t'appelles Dire, les erreurs, tu n'en commets pas beaucoup. Ouais, elles sont quand même minimisées hein, pour un joueur comme ça de ce calibre. Maintenant, Marine Land qui a lancé une Engineering Bay, donc qui pourrait avoir éventuellement au moins une tourelle de sécurité au niveau de sa B1. Ça fait partie des options généralement. Après, il va y avoir quand même deux scans qui pourraient aussi être disponibles si on les claque pas immédiatement. Le timing de la B3 qui a été scouté par le VCS pour l'instant. Parfait. Et timing de la B3 qui n'est pas plus suspect que ça. Non. Là, si tu commences à faire des déductions, t'es vraiment à un niveau de pression extrêmement énorme. Oh là là. Alors, la tourelle, c'est souvent la safety turret, j'ai envie de dire, à cet endroit-là, qui sert également à deny l'inévitable War Prism, puisque la map étant en fait relativement serrée sur le côté, la tourelle va toucher le War Prism, même si celui-ci tente de sneaking par derrière. Le problème, c'est que l'assaut va également venir dans la main et que. Oh, la tourelle est en train de se finir. Ouais, la tourelle. Génie. La tourelle est en train de se finir et c'est clairement un move de génie. Ouais, Marine Land qui s'est rendu compte ici du drop qui est en train d'arriver. Il se rend compte que c'est des DT. Il a vu le flou, les yeux bioniques de Marine Land qui rentre ici. Attention, il n'y a pas d'unité. Et là, c'est compliqué. Sans unité, tu ne vas pas défendre avec des VCS qui se font clairement one shot par les DT. Déjà 4 VCS qui sont tombés. Le stimulant qui est en train de se terminer. Et on veut le stimulant notamment pour pouvoir se positionner avec les Marines entre les DT et le War Prism pour les empêcher de blinker à l'intérieur et les attraper. Voilà, la détection qui a permis de choper quelques points. Ça fait mal, 3 dépôts mine de rien de perdu et les DT qui s'en sortent, celui-ci devrait néanmoins se faire sanctionner à terme puisque l'énergie va monter sur cette station orbitale. Allez, voilà, adieu DT de malheur. Oh, c'est dommage, petite erreur de Marine Land qui aurait pu faire un espèce de combo breaker. Tiens, un DT acheté, un obs offert. Ce qui est quand même une promo sympa, je veux dire. Ouais. On dirait presque un menu golden chez McDo. C'est ça, un menu golden avec bien sûr du coup le petit cheeseburger en plus qui fait forcément plaisir. Alors, Dire qui part tranquillement sur des Blinkstalkers derrière, des Immortels, le plus un attaque, tout va bien chez Dire. Ok, on va se débarrasser de l'op. Je crois qu'on a pris un DT de plus également, excusez-moi. Ici, très très bonne opération de Marine Lord, du coup, qui va comme un bourrin. Attention, attention. Attention de là de Marine, ça suffit pas pour défendre contre le DT. Oui, qui est révélé par la toile, qui est posé entre les bâtiments. Très bien fait ici du côté de Marine Lord, qui a quand même son troisième CC qui est délai. Hein. Du coup, délai pour l'instant. Il y a quand même beaucoup, hein. Est-ce que du coup du côté de Marine Land on n'a pas déjà son passeport pour directement passer sur le visage de son adversaire? Attention ici les Marines et les maraudeurs qui sont présents et on a quand même pas mal qui n'ont pas des masses de vie. Enfin qui n'ont pas des masses de vie, qui ont déjà Steam quoi. Ouais, il y a à la fois beaucoup et pas beaucoup hein, pour Marine Land, c'est une population qui est potentiellement précaire. Et du coup Dirk avec un bon blinking ici va se faire sanctionner néanmoins sur un stalker derrière les force field légèrement raté puisque les Marines ont pu s'échapper entre les deux. Et là il faut courir loin pour M-Lord, regrouper ses forces. Ok, nouveau blinking de Dirk qui derrière enchaîne avec les glaives résonnant très logiquement et va mettre une énorme pression sur les épaules de notre joueur terrain. C'est ça, et il va la mettre avec le plus en attaque mine de rien. Et du coup ça fait forcément une pression assez effrayante pour le joueur terrain ici qui tente un petit peu de descendre la rampe et de mettre la pression. Attention, en retour. Est-ce que Dirk va vraiment faire ça? Dirk qui va. Ceci dit, la bonne concave de Marine Lord de la rampe, les forces field descendent de la part de Dirk. Mais la moitié des unités de Dirk qui tapent pas. Il y a tellement d'unités, ceci dit. Heureusement pour Marine Lord que sa position était bonne. Dirk va contourner et mettre une nouvelle pression bien plus forte. Le War Prism qui a été reculé, mais ça n'empêche pas d'hier d'utiliser le moindre cycle de War. Et là, il y a beaucoup, beaucoup pour notre joueur Protoss. Ouais, il y a beaucoup pour le joueur Protoss. C'est les deux libérateurs qui sont tellement tardifs
par rapport au timing de cette attaque. Du coup, ils vont avoir du mal à renforcer cette attaque. On a quelques boys ici pour tanker pour l'armée. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant ici pour le joueur français qui tente de défendre tant bien que mal face à son adversaire? Le Warprism qui s'avance pour pouvoir warper les zones de démocratie qui vont pouvoir être posées. Mais est-ce qu'on va pas pouvoir blink directement sous le Libérator? Si, c'est exactement ce qui se passe. Le deuxième qui se met en place et les VCS qui sont poules pour défendre les unités qui font tant de taf qu'elles peuvent. Mais est-ce qu'elles peuvent faire suffisamment pour renverser la vapeur? Non, il y a tellement pour dire ici qui s'est débarrassé des deux Libérators. Et après la monarchie poltienne, bienvenue dans la dictature de dire tout simplement. Troisième point autoritaire, le joueur Protoss ici. Tu as cessé first, tu es puni, Marine Lord. DT dans ta gueule, into je contre-attaque au moment où voilà, tu t'avances. Et le problème du passeport de la police d'un Protoss, c'est qu'il a un cycle de warp prêt souvent. Là, les 6 stalkers supplémentaires font la différence pour dire qui enchaîne avec une. Bah voilà, une troisième victoire et à nouveau convaincante. Hein. C'est ça. Là, il n'y a pas eu photo pour le coup. Autant contre Dark, il y avait 2-3 hésitations, notamment voilà cette. Je veux dire, cette donation à ce paysan d'arc de quelques centuries devant sa rampe B2, là, Marine Lord, on lui a rien donné. Hein. Le français, non, tu retournes chez toi. C'est ça, clairement, là, Dirk qui a rappelé qui était le papa, qui était le coréen. Bon, malheureusement, c'est un format BO1, ce qui empêche Marine Lord de rejouer et qui veut dire qu'il est éliminé, du moins pour cette édition du Shadowcraft, puisque, d'après ce qu'on a pu lire dans les règles de Total Biscuit, c'est un tournoi qui est prévu mensuel. C'est ça, c'est prévu mensuel avec à chaque fois 5 000 $, ce qui explique qu'il y en avait beaucoup qui se posaient la question dans le chat. Oui, le joueur qui arrive en dernier, ce qui se fait pas léser. Bah, si tu perds, de toute façon tu perds, donc tu gagnes pas d'argent. Et si tu gagnes, tu seras le premier la fois prochaine. Donc après, tu auras juste à enchaîner à nouveau des joueurs. Faut se dire là aussi que quand on analyse un peu la liste des joueurs, on commence à avoir une montée en puissance. Je veux dire, on a commencé avec du Super, du Hydra, du Kel'Azur, du Ragnarok. On est passé à l'étape supplémentaire du Dire, du Dag, du Marine Lord. Et là, on va envoyer un nouveau gros poisson, puisque c'est Nerkio qui vient d'être annoncé, Nerkio qui vient de se connecter sur Ena. Et derrière, on garde toujours. Le Innovation, le Maru, le Stefano, le Bion, genre les gros monstres, notamment, enfin je pense notamment à Bion qui pour le coup fait partie des joueurs qui farm à fond de l'online et ça c'est quelque chose qui va faire la différence. Je dirais même pas tant les gros monstres parce que certes il y a des gros monstres mais il y a aussi Stefano dedans qui, join, le de boss 10, merci beaucoup pour ton sub, mais Stefano j'aurais du mal à le mettre dans une catégorie gros monstres, il a eu un énorme step up. À Valencia, il faut le dire, vraiment, il a très très bien joué. Il s'est certes fait éliminer 3-0 par Marine Lord, mais comme la moitié du pool à la DreamHack, donc l'un dans l'autre, ça va. Mais. Enfin, comme tout le monde sauf Nerkio. Comme tout le monde sauf Nerkio. Et le fait est que, du coup, il n'est pas encore tout à fait revenu dans la catégorie gros monstre, mais c'est surtout les monstres de fame. Maru, Innovation, Stefano, c'est des mecs, mais qui sont juste monstrueux en termes de popularité. Ils ne sont pas censés jouer un tournoi online, sauf que là, on n'est pas sur un vieux tournoi online, on est sur un Kill of the Elite organisé par Total Biscuit. Voilà, Total Biscuit, quand il fait un online, il récupère Flash. C'est ça. Bon. C'est, je veux dire, voilà, ça, ça vous fait pose un peu le seul tournoi online ever joué par Flash, bah, c'est un tournoi de Total Biscuit. Ah ouais. Et du coup, voilà, il est derrière et bah, quand il veut Innovation, il a Innovation. Quand il veut Maru, il a Maru. Et c'est des joueurs qui se déplacent pas tout le temps, y compris Stefano. Hein. Stefano farmait de l'online. Ouais. Il le faisait au tout début de sa carrière. C'est rapidement, c'est devenu juste pas efficace en termes d'entraînement. Et c'est vraiment cool ici hein, de la part de Total Biscuit, ce pouvoir un peu fédérateur qu'il a autour des joueurs qui lui permet d'organiser des compètes qui ont énormément de swag. Donc c'est cool. Ok, on va conflip le serveur, c'est magnifique. Puisque voilà, si sur Europe vous avez un seul serveur, sur ENA vous en avez 5, je crois. Tu as le choix entre du coup East Coast, donc quelque part vers New York, dans l'idée un central, West Coast et ensuite un au Brésil et un en Australie où personne ne fait jamais le moins de tournoi dessus, sauf si tu es en train de faire une LAN au Brésil, quoi. Exactement, ou une LAN en Australie et mine de rien, ça. Ça pose des problèmes parfois à des joueurs. Bah là, en fait, la question, il y a un petit débat dans le chat entre. Il y a un petit débat dans le chat entre savoir si c'est ENA ou du coup Central ou West Coast. On va pouvoir conflip tranquillement l'admin Olivia du coup Limoli qui voilà surcompétente va faire ça, c'est ça. Sereinement. Tandis que Nerkio est très attristé que ça ne soit pas Coca qui soit en train de lui répondre, hein, puisque bien sûr c'est Imre. Ouais, mais c'est pas grave, il a pas besoin de savoir. J'ai pas envie de. Non, mais on se. Le moment où jouait Nerkio, on discutait, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Mais en fait, il joue à midi et il y a juste personne à midi. Donc et du coup, tu le rencontres et du coup, il te marche dessus. C'est ça, mais je perds pas de points donc c'est pas grave. Ah non, on t'en perd un. C'est pas grave. Ouais, et t'abandonnes ton point. Et puis, t'as aussi le plaisir de dire bon, je rencontre le premier du ladder. Je peux me faire massacrer, mais c'est le premier du ladder. Tiens, donc ça va. Il a combien de MMR, Nathanias? Neterino. Sachant, je sais pas si le MMR est comparable entre les régions. Ça, c'est une grosse question à se poser.
Pour ça, il faudrait faire une série de chômage, tu prends des gens de Strange Game. 5300, okay. Et okay. Il est 5400. Oh, non, c'est pas comparable. C'est peut-être comparable entre les régions alors. Bah, ok, c'est clairement comparable entre les régions, je pense. Ouais, parce que pour comparer Nathanias avec 5300 et t'es du coup 100 par là. 160. Ouais. Ouais, j'ai 5450 je crois. Et je suis dans les 160e aussi sur EU. Là je serai 77e. 90e. D'accord, ouais. Ouais, donc il y a moins que ça soit comparable entre les régions. Ce qui serait magnifique, ça permettra définitivement de résoudre ces histoires de. De best serveur. De best serveur. Oh tiens, Hydra 15-01 ladder. Mais Hydra 0-1 en shootcraft. C'est ça, 0-1 en shootcraft et mine de rien, bah, c'est cool d'être un ladder hero, mais tu n'as pas d'argent gagné par map gagné sur le ladder. Du coup, bah, là on a un dire qui lui bah, empoche 750$ et va tenter un petit peu comme Pult de passer la barre des 1000 en battant Mercio. Et honnêtement, c'est pas donné qu'il le batte. Hein. Ah non, clairement, Nerkio, voilà, le gros monstre, bien entendu. Moi j'ai envie de voir Nerkio gagner tout simplement pour qu'ensuite on lui envoie un terrain coréen. C'est un peu l'affiche que tout le monde a envie de voir concernant Nerkio, voilà, qui semble complètement imbattable dans le. Ouais, je vais laisser ça comme ça, ça sera plus clair. En Europe, face au terrain européen, maintenant tout le monde a envie de voir Nerkio contre Innovation, contre Maru. Mais pour ça, il faudrait qu'il s'impose face à dire, on va pouvoir rentrer dans la game de savoir si ça va être le cas. Dans du combat à droite, nous avons le joueur qui a déjà pris 3 maps et qui représente Samsung Galaxy, Kandir. Et face à lui, en haut à gauche, en vert, le contender, le challenger, Arthur, Nerkio, bloc. Alright. Hop là. Attention, attention, c'est chaud. Oh non, c'est easy. Blocage. Attends, ici. Est-ce qu'il lui met un double blocage? Non, la probe est trop loin. Ouais, non, c'est toujours compliqué dans ces situations-là, donc autant rester au niveau de la B2 et. Enfin. Faut vraiment être collé au drone ennemi en fait si tu veux réussir à bloquer la B3 quoi. C'est ça. Et rien n'empêche autre en plus de te faire une fourberie où il sort un deuxième drone et porte quand même sur sa B2. On a joué la sécurité chez Dir qui est venu scouter très très vite son adversaire. Voilà, marque de respect envers Nerkio, envers la capacité de Nerkio à être quand même un joueur de. De qualité, et Nerkio, un joueur qui est très très respecté par les Coréens pour le coup. Ah oui. En ce moment, il n'y a pas de souci. Bah, de manière, les joueurs coréens, mine de rien, qui restent extrêmement respectueux des top serveurs. Bah, tu les vois quand ils respectent, quand ils font beaucoup d'éloges à propos de Nib ou de Snoop. Heureusement qu'Hydra et Polt respectent Nib, ceci dit, vu comment ils leur marchent sur la gueule. Non, mais même, je parle du coup des coréano-coréens, vraiment de Corée. Parce que Hydra et Polt, bon, c'est plus des américano-coréens maintenant. Ouais, c'est un burger avec du kimchi dedans. Mec, ça a l'air cool comme principe. Ouais, je suis pas sûr que tu sentes beaucoup le reste du burger, mais. Bah écoute, c'est pas très grave. Le kimchi, c'est cool. Attends. Ok, j'ai eu peur. Ce drone qui s'arrêtait par là, genre. Et si je faisais un Roach Warren? C'est ça. Et si j'attaquais. Bah en même temps, c'est un peu ce qui s'est passé hein, du côté de Dark tout à l'heure quand il s'est fait bloquer sa B2 à l'infini. Donc on verra quelle est la décision du côté de Nerkio qui pour l'instant va juste sortir des Zergling pour pouvoir gérer notamment cette probe malicieuse. Mais ça pourrait ne pas l'empêcher de poser un pylône, non? Ouais, mais c'est la probe qui a fait tellement de travail en fait, justement parce qu'on n'a pas eu besoin de poser ce pylône, qu'on n'a pas eu besoin de. Oh là là, l'escroc. Et en fait, déjà tu poses le pylône, tu sauves ta probe. C'est ça. Tu sauves ta probe et vu qu'il n'y a que deux Zergling, le pylône est-ce que tu fais pas demi-tour? Et est-ce que tu fais pas demi-tour et que tu poses pas un cyber? Là, je pense qu'elle va être trop loin pour le faire malheureusement. C'est qu'il y avait. Oh my god, il aurait pu. Il a tellement pu. Après, on voit dans le build de dire que très clairement, il n'y avait pas l'argent pour un cyber. On a préféré accélérer la porte spatiale, bien chrono-booster les probes. Donc, c'est pas très grave, mais il y avait potentiel de pénibilisation bien plus avancé. Dire qui se bat du coup pour égaliser Polt et atteindre les 1000$. Puisque voilà, bien entendu, il y a l'argent, mais aussi il y a celui qui sera king à la fin, chose appréciable. Et avoir eu la plus longue streak qui est juste une question d'ego, mais l'ego c'est très important quand tu joues à ça. Ah bah clairement, le e-pénis c'est probablement le plus important. Un des trucs les plus importants, notamment dans un jeu comme StarCraft qui est un jeu très difficile et du coup déjà au niveau tu développes assez fortement ton ego. L'oracle qui est en cours de route du côté des dire. La question que je me pose c'est est-ce qu'on va faire double oracle? Enfin, il avait voulu faire double oracle contre Dark, il l'avait cancel en faveur d'un Voidray pour défendre contre le gros Roach. Maintenant on pourrait complètement faire un double oracle qui pourrait être intéressant du côté de dire. Ouais, ça.
Ça, c'est tout simplement, c'est dû à la qualité de ce scouting, hein, de cet adepte, le fait de pouvoir se permettre de claquer une overcharge sur un Overlord et double oracle envoyé. J'étais très impressionné puisque j'ai pu voir dire contre Paul, pour le coup, j'étais dans le taxi, du contre l'oracle, de dire, hein, mine de rien, ces oracles, ils dansent et t'as l'impression qu'il n'y a pas de décélération quand ça tourne cette machine. Oh là là, Nerkyo à poil. Deux queens. Oh, il passe au-dessus des queens. Il passe au-dessus des queens. Ce qui, du coup, rend le Nerkyo quand même nettement moins à poil. Et quand vous n'êtes pas sur une plage nudiste du Cap d'Agde, d'ailleurs, si vous y êtes, big up, et ben ça est forcément plus problématique. L'oracle qui va, du coup, régénérer un petit peu de bouclier. Il n'y a pas de deuxième oracle qui a été envoyé. Donc, on va pas en attendre un deuxième. Ah, si, pardon, my bad. On a effectivement envoyé un deuxième oracle. Du coup, on va attendre d'avoir le bouclier, d'être rejoint par un deuxième oracle. Et là, honnêtement, il y a moyen de disrespecter les queens, même si elles sont deux. Moi, j'irai dans la. Oui, ici, attention, ici. Oh là là, ça va faire mal, et tout de suite ça fait très très mal puisque la sport n'est pas finie. Que deux oracles, comme vous venez de le voir, c'est à one shot les probes, hein, tu l'as très bien dit. T'attends tout simplement parce que deux oracles sont bien plus efficaces que deux fois un oracle. Hein, la capacité de one shot les probes qui te permet tout simplement. Enfin, les workers adverses, quels qu'ils soient, unité de légèrement puissante, ça te permet de faire des trucs cool. Nerkyo, je pense que tu t'es planté. Parce qu'il n'y a aucune raison valable de faire deux terriers dans une game de Starcraft en même temps à ce moment-là de la partie. Attention, un aura qui mord la poussière. Et les adeptes qui sont donnés. Ok, Nerkyo, tu fais deux terriers. Par contre, tu défends sacrément bien ce go. Parce que là, on a juste donné tes unités sans rien faire. Ah ouais, clairement, un oracle et trois adeptes absolument gratuits ici qui permettent à Nerkyo de se sentir nettement plus serein malgré ce doux. Ah, d'ailleurs, il en a cancel un à l'instant. Il s'est rendu compte de son erreur, donc il aura sauvé un minimum de ressources ici. C'est plutôt Noise et du coup il en profite pour lancer son Idris Den. Attention, ceci dit, un Phoenix ici qui est peiné. Est-ce qu'on arrive vraiment à générer quelque chose? Le Zélote qui est mal passé, fort entré. L'oracle qui va arriver en renfort, mais là déjà le Zélote qui se fait prendre sur le contact. Trop bien. Très bien, très bon placement des sentries, mais là il va falloir placer un deuxième pilote. Voilà, parfait. La défense qui est excellente ici du côté de Dir. Oh my god. Cette maçonnerie de qualité. Ah oui, ah bah clairement. Elle le double wall avec un double sas en fait. Tu vois, tu laisses rentrer le Zerling, tu vérifies. Non, vous transportez de la coque, monsieur. À Woods. C'est ça. Et du coup, non, mais regarde, prison, tellement de tronches de dealers mexicains. C'est ça. Ah bah le Zergling, ça c'est pas un mec qui t'inspire confiance dans les ruelles de Mexico. Ah. Hein. Mais du coup, les Zerglings qui justement sont en train de revenir avec leur gros cartel. Non, ok, on patiente pour l'instant, on va attendre les Hydras. Et potentiellement, eh bien, le plus un d'attaque. On a également la portée des Hydras qui est en cours de recherche. La question vraiment que je me pose ici, c'est est-ce que Nerkyo va partir sur du lurker? Je trouve ça assez étonnant puisque souvent on voit cette combinaison un peu Hydra, voilà, plus un de mêlée avec la portée accompagnée de petits bedlings qui sont là pour faire exploser toute la front lane du joueur Protoss et ensuite le submerger avec des Hydra. C'est pas du tout le cas, on va rajouter un terrier de cafard très très intéressant ce que fait Nerkyo. De son côté, dire voilà, enchaîner quand même. Les deux joueurs en fait qui ont enchaîné les moves brillants, genre la défense de Nerkyo, les deux défenses ont été très très belles. Ce qui fait que la game est un peu sur une espèce de statu quo. Et attention, ce genre de sortie, c'est un peu ce qui a failli coûter cher à dire contre Dark. Ouais. Quelques unités, beaucoup de sentry. Et des réflexes douteux sur Force 8 là. C'est ça, maintenant on n'est pas dans le même scénario que tout à l'heure. Donc il y a moyen de moyenner surtout avec la vision qui a été prise ici du côté du Phoenix, hein. Ça a permis de voir un petit peu le compte d'Hydra et de dire peut-être c'est pas forcément la meilleure idée. Surtout qu'une fois que la portée des Hydra sera finie, les Force 8 deviennent quand même nettement moins pertinents contre ces mitraillettes biologiques. Est-ce qu'on encercle ou est-ce qu'on run by le Zélote qui est bien placé? Est-ce qu'aussi on va aller directement là? Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Je pense que c'est un sacrifice de Zergling. On est allé voir. Et c'était pas nécessaire. Alors, ce qu'on a vu quand même, c'est double robot, ce qui indique qu'on va partir sur des disrupteurs ou soyons complètement tarés. Des colosses, le problème majeur des colosses dans le match-up étant leur portée strictement égale à celle des lurkers, ce qui fait que tu peux pas te mettre juste hors de portée et aller chatouiller le lurker à coup de gros rayons laser. Ce qui est légèrement embêtant quand même, hein, puisque le concept du colosse, ça reste de taper un peu loin. C'est ça, et quand t'as une unité qui tape peu loin de toi sur la même surface, c'est-à-dire le sol, eh bien c'est compliqué de prendre la fight. Des stalkers hallucinés qui traversent la map très bien, pas quelque chose qu'on voit tous les jours, mais qui donne pas. Qui donne éventuellement une information sur les renforts qui sont en train d'arriver. Regarde, il est en train de défendre. Ah ouais, non, il va défendre. Il a mes 4 pylônes. Arrête un peu avec ton set. Par contre, il y a beaucoup de slots et je crois pas qu'il y a la charge. Hein. Non, il n'y a pas du tout la charge et les colosses sont pas sortis. Il n'y a pas d'énergie sur le Mothership Core, donc ça va pas assez de défendre si bien que ça. Ceci dit, le truc c'est que tu sais pas qu'il n'y a pas d'énergie sur le Mothership Core. Et si t'es pas sûr, les 4 pylônes ils font peur. Ah, ils font peur. Ah non, parce que 4 pylônes, tu vas les détruire, mais tu vas donner ton armée. Lui, ça lui a coûté 400 de minerais, toi 1000 de gaz, enfin 1000 de minerais, 500 de gaz. Pas mon trade, Edir qui va accélérer. 4 zélotes, toujours pas avec la charge. Ici, on a toujours pas la charge et en train de jouer charge d'autres colosse quand même. Le bon Dir qui envoie du rêve ici. Oh là là, tellement de zélotes warpés. Et s'ils ont pas la charge, ils ont le plus un attaque. Et surtout, il y a que des zélotes.
contraint de faire demi-tour. Il gagne tellement de temps avec ce petit run by Dire. Ouais, énormément de temps pour son charge lock qui je. Enfin, oh, je me demande s'il l'a oublié ou s'il s'est dit qu'il préférait prioriser la production de Colosse le plus de l'éthermolance. Mais du coup, ça me paraît vraiment bizarre d'avoir warpé autant de zilotes, d'avoir tenté ce run-by avec des slow zilotes. Bah, on l'a peut-être oublié, ou en tout cas aussi, on est quand même en train de dépenser une certaine masse de gaz dans des Colosses. Hein. T'as deux robots qui tournent. C'est la question que je me pose. Il y a 8 lurkers. Attention, il y a alors, l'interaction entre lurker et Colosse, ça force les unités à se battre, mais on l'a pas vraiment vu. Et c'est pas impossible que t'aies un nombre de Colosses qui crame le Zerg s'il a passé de lurker. Genre, si le mec a 8 lurkers et que t'as 6 Colosses, je pense que tu l'atomises. Ouais. Bah ouais, clairement, je pense que c'est assez net et précis. Ceci étant dit, l'armée qui est un peu hors de position pour défendre, on a que des Colosses et le Mothership Corps pour défendre sur la B3. On a vu l'armée, il faut revenir vite, 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 vite. Mais attention, les Zerglings qui sont en train de tenter un run-by également. Du coup, de quel côté du défend, ok, non, bon, ouais, rentre chez toi. Ouais. Hein. Rentre chez toi, ici ça va pas marcher. Dire qui est en train de faire une game. Ouais. Genre, Nerkyo il joue bien, hein, et Nerkyo qui va tenter de transitionner avec cette fosse d'infestation, cette Spire. Mais toutes les agressions de Nerkyo, toutes ces agressions que tu vois marcher d'habitude en double SS, et bien pour l'instant. Ça fail les défenses des deux joueurs qui sont totalement impénétrables dans cette partie. C'est ça, et c'est beaucoup lié au choix de la part de dire de faire ce truc double colosse plutôt que double immortel qui était vraiment devenu le standard du match-up. Est-ce qu'il va vraiment monter là-dedans? Je suis pas méga convaincu. Ça me paraît quand même tendu. Hein, alors là... tu peux faire ça, mais là c'est pas un run by. Hein. Ah non, là c'est clairement une grosse pression qui est en train d'arriver. Par contre, il y a la charge sur les îles. Les îles qui prennent l'engagement contre les Zergling. Les photons de recharge qui sont claquées. Deux colosses qui vont arriver et qui vont aider à tenir. Mais il faut clairement rapatrier l'armée. Ok, ici, on y va. Oh my god, l'Obs qui vient de tomber. Ah, mais il y a de la révélation sur tous les lurkers. Où sortent les colosses. Les colosses qui sortent là. Ceci dit, ce colosse peut-il reculer? Oh oui, le colosse qui recule. Okay. Hey, c'est énorme d'avoir laissé les colosses en vie hein, puisqu'on est clairement dans une situation de base trade. Comment arriver à attaquer ton adversaire? Tout simplement quand son armée est chez toi, ça a plus de chances de marcher. Les Zélotes qui étaient restés en défense, qui vont tenter de se débarrasser de quelques Hydra. Bonne micro de Nerkyo qui va perdre un seul, deux Hydralis dans cette opération. Ceci dit, tu peux pas laisser dire accumuler des colosses et des archons impunément. Attention, le colosse va-t-il se débarrasser s'il perd de leur cœur? Un lurker, d'ailleurs il y a un canon encore, l'archonte qui n'a pas été formé par la High Templar ici, on devrait réussir à tomber la B3, il est obligé de revenir du coup, il faut absolument sauver la B3 ici et sauver du coup une robot, ça serait sympathique. Attends, aussi. Pourquoi il y a un colosse ici qui s'est perdu? C'est un colosse qui était mal à l'hypoint je pense à la base et qui du coup va se faire pick-up assez rapidement et du coup c'est que des colosses à poil qui sont en train de venir. Oh là là, il a tous ses zélotes, attention. Ceci dit, il n'y a plus grand chose ici non plus. Les colosses qui parviennent à gratter les lurkers juste hors de portée, les lurkers qui tombent, les propres qui vont être évacués, et là t'as une masse de zélotes qui rentre dans des hydralis, qui est un peu trop d'hydralis pour ces zélotes, du coup c'est une donation. Si on fait le bilan, Nerkyo sort loin devant, 20 workers d'avance, autant de bases mais plus d'army supply, il a vraiment réduit le nombre de colosses de son adversaire, il a toujours 24 hydralis, il clique droit cette base, c'est énorme pour Nerkyo qui arrive avec ses hydras, qui est en train de morpher des lurkers et qui passe à la vitesse supérieure tout simplement dans cette game. Attention, faut vraiment prendre la base. Oh, je suis pas sûr qu'il y arrive hein. Colosse contre Hydralis, Core Creep, c'est vraiment pas cool contre les Hydra, surtout face à un joueur avec la micro de bière. Ouais, c'est ça, là les Colosses qui sont revenus un petit peu trop vite pour qu'on puisse défendre, mais avec 4 lurkers et les corrupteurs qui commencent à être sur le terrain, on va commencer à avoir vraiment une force capable de contester les Colosses ici. Même si les Colosses auront le plus 3, ils ne pourront pas gérer les corrupteurs. Et il y a très très peu d'entières, il y a pas assez d'énergie sur ces High Templar pour faire des Storms, il n'y a pas de Stalker en plus parce qu'on dépense toute l'énergie, tout le gaz en High Templar. Donc là, les corrupteurs qui vont clairement régner en maître. C'est ça, attention ceci dit à part passer trop derrière technologiquement pour un Nerkyo qui c'est alive. C'est bien ce qu'il fait avec ses colosses. Là on voit finalement, tu vois, oui t'es à la même portée, si t'as une grosse micro tu peux faire des trucs cool. Il va également récupérer quelques Hydralis qui vont avoir bien du mal à s'échapper j'ai l'impression. Et ça c'est une petite donation qui à ce moment là de la game coûte très très cher pour Nerkyo qui peut pas se permettre de perdre la moindre unité. Ah bah là clairement les deux joueurs qui sont en train de fonctionner un peu en low echo et qui ont vraiment besoin de garder en vie les unités qui sont déjà sorties. Ceci étant dit, la prise de ce Nexus c'est excellent pour Nerkyo qui va encore plus limiter l'économie de son adversaire qui repose B3 sur la gauche, mais la B4 de Nerkyo se termine et on va du coup pouvoir bénéficier pleinement de l'avantage de Worker du côté du joueur. Attention quand même, double combo, les deux avantages de dire, j'ai envie de dire dans cette partie, le plus 3 d'attaque et la Storm. Deux éléments qui peuvent briser cette game. Est-ce que tu peux vraiment monter dans les Worker ici? Pour moi il doit faire le tour. Là on a eu un Warpin, deux Zélotes, attention, hein, deux Zélotes plus 3 également. Le War Prism, ceci dit, qui s'est fait incinérer. Pour l'instant, on prend. Oh, l'énorme Storm! Tous les corrupteurs qui meurent! Et puis les shots d'Archonte en dessous qui ont définitivement fini les corrupteurs, même s'ils avaient voulu fuir. Et attention! Par contre, là, je pense que t'as vraiment raison. Il faut contourner. En fait, c'est un peu le principe de si tu break cette position, t'as gagné.
Mais en vrai, est-ce que t'as vraiment les moyens de la break? Et là, le doute est clairement permis. Donc je pense qu'il faut, il faut se calmer un petit peu. Le run by qui va arriver ici, on n'a pas grand chose pour défendre. Il y a un seul pylône ici qui pourrait permettre. On est en train d'essayer de gratter les corrupteurs. C'est un peu désespéré pour dire effectivement le run by. On n'a pas grand chose pour défendre. Les zélotes qui étaient légèrement de position. Tu avais plus beaucoup de draw up et t'en perds quelques-unes en plus. Nerkio qui confirme définitivement dans cette game ceci, quelle que soit l'issue, qu'il est l'un des top joueurs de Legacy of the Void, quelle que soit la région dont tu parles. Parce que là, la game qu'il fait, il est devant. Il va probablement la gagner. C'est pas encore fait. Mais dans tous les cas, c'est une game où il est tête à tête avec Dir. Et où on s'envoie coup pour coup. Et clairement, il y a du répondant des deux côtés. Il y a clairement du répondant des deux côtés. Ça fait très très plaisir à voir. Ça laisse présager d'excellentes choses. Voilà. J'ai peur pour Nerkio quand même. Genre, ouais, il a 42 pop d'avance. Mais en fait, son armée, elle est moins bonne. C'est une population moins efficace, mais ça sera une problématique qui sera réglée s'il arrive à temporiser. Et là, c'est dire continuer à insister sur cette base, il va pouvoir temporiser. Parce que s'il temporise suffisamment, il va avoir les Broodlords qui vont arriver et ça va clairement inverser le ratio de qualité d'armée. Ok, délai. C'est tellement chaud ici la petite danse entre les unités. Mais pourquoi il fait pas le tour? Juste. Oh my god, la storm. Et le truc, c'est que là, les Hydra, oui, tu dis, vont régénérer. La vérité, c'est que l'Hydra va régénérer très lentement avec deux coups de colosse plus tard. Ces Hydra sont morts. Genre quand t'as accès à autant d'AO, ils trade base, hein. Ils le sentent pas. Nerkio qui le sent pas. Il le sent pas, il va peut-être tenter de garder les lurkers et quelques corrupteurs à la maison, mais. C'est pas une bonne idée. Non, ça. Bah des lurkers à poil, c'est jamais une bonne idée. Et du coup, il fait demi-tour. Il fait demi-tour. Nerkio qui fait demi-tour. L'indécision de Nerkio qui pourrait lui coûter très cher. What the fuck, cet immortel qui moonwalk au milieu de l'armée Zerg. Tu slurker, tu moi slurker, il est loin. Ok, ok, il donne sa V3. Nerkio qui donne sa V3. L'énorme concave de Nerkio, c'est parti. Encore pas mal de storm, est-ce que ça peut le faire? Les lurkers qui s'enterrent, les storms, les archons dans les lurkers. Est-ce qu'il y a assez? Les lurkers sur la droite qui sont quasiment tous morts, il en reste un qui fait un énorme DPS et il y a un observateur, voilà c'est mort enfin, mais tous les colosses qui sont tombés en échange, quasiment tous les items blancs, le dernier item blanc qui avait une somme qui l'a claqué. Non c'est pas ça... assez, c'est pas assez là. Ah il y a encore 3 lurkers, non il y a pas de 3 lurkers, pardon, il y a encore 6 lurkers pour 2 archons. Nerkio qui tient bon ici, qui échange avec Dir et désormais l'économie supérieure de Nerkio va lui permettre de se mettre très très bien dans la game parce que Dir n'a plus qu'une robot, Dir produit des zélotes, oh my god, c'est que ça s'est plié la game. Si c'était dans la fight. Ouais. Ouais clairement. Non, c'est... carrément. Maintenant, c'est là toute la qualité du jeu de Nerkio. En fait, Nerkio il a tellement menacé la contre-attaque. Dire évidemment qu'il a warpé défensivement et qu'il allait paralyser ses unités. Il a vu avec son off que la moitié de l'armée partait. Très très bien fait de la part de Nerkio ici qui vient d'outplay dire tactiquement. Attention, ceci dit, j'ai encore peur. Bah là, la game elle, de malade. Elle peut encore être pliée, il n'y a pas beaucoup d'unités avec ses lurkers, les lurkers qui sont graves à poil, mais où la détection? Il n'y a pas de détection! Il n'y a pas de détection! Qui arrive trop tard. Qui marche sur cette armée. Attends, non, c'est bon. C'est bon, oui, c'est bon, plus que 2 immortels, 62 pop d'avance, l'Obs qui est arrivé un poil trop tard, et Nerkio prend un lead désormais quasiment inarrêtable, Dir dans la tourmente, Dir qui n'est pas loin de s'incliner face à Arthur. Ouais, Arthur Bolch ici qui est clairement en train eh bien, de mettre les derniers coups de Pog, GG, le joueur polonais qui prend la couronne ensanglantée du crâne encore chaud de son adversaire. Voilà, hop là, petit punch polonais. Tu lui roules dessus avec ton cheval de foie, marche avant, marche arrière, petite parque de sabots sur le crâne de Dir. Et le hussard Nerkio peut devenir le roi de la colline tout simplement. Dir qui s'arrête du coup avec 3 wins sur Polt, Dark et Marine Lord. Il y a pire on va dire comme oui, ça avec Victime. Oui et puis tu te dis que bah finalement en 1h30 tu t'es fait 750$, ce qui reste quand même un bon ratio. Et du coup le bon Nerkio qui lui en empoche 250. Et surtout le droit de gagner des dollars supplémentaires. On va attendre notre challenger suivant. On va commencer à épuiser la liste hein, puisque si on fait le compte, on a eu 4 victoires de Polt, 3 victoires de Dir, 1 victoire de Nerkio. Ce qui veut dire qu'on a épuisé déjà 9 joueurs en tout. Premier match avait 2 joueurs, à chaque fois on en a rajouté un. Ok. Apparemment on a tout le monde sauf Stefano qui est probablement en train de se réveiller. C'est ça, il y a des chances. Hein, et du coup on sélectionne. Déjà, ils vont faire un break, mais on va attendre un peu de savoir si on a un peu plus d'infos. Il y a un break côté US de 5 minutes, du coup nous allons faire un break. Et on a le prochain joueur. On voulait voir Nerkio face à un top Terran, on va lui donner presque ça. Presque. On va lui donner... Peut-être le quatuor Terran, la cinquième roue du carrosse Terran coréen. Dans le top 5, très clairement, dans le bas du top 5, ça sera Gumiho pour Nerkio, du coup, juste après la pub. A tout de suite. A tout de suite. Eh bien, bonsoir à tous, chers viewers au gaming.
Il est 17h425 et on enchaîne sur la Shotcraft avec un Imri qui m'a passé son casque mouillé. Bah c'est ça. Non mais regarde, si tu fais normalement les cheveux, il suffit de voir. Là t'as l'impression que je sors de la douche à t'as peu un près. Un gel naturel. C'est ça, un gel naturel qui s'appelle la transpiration. On va voir si il y a un gel naturel qui permet de gagner du côté de ce joueur, par exemple, puisqu'en haut à gauche de la map pour la team MVP, pour la Corée quand même, puisqu'il s'agit aussi un peu d'un duel de serveurs, Goomigod. Goomy. Et opposé à lui en bas à droite pour la team Euronix Gaming, il s'agit de Nergio. Nergio qui était tout content de te voir rejoindre son lobby. Ouais. Ouais ouais, on a fait copain un peu à Valencia. Il m'a mis des cœurs. Il t'a pas mis des poux. Pas des poux. Ah donc c'est déjà une énorme preuve d'amour en vrai. C'est ça, de la part de Nergio. En fait non, le poux a double sens hein, chez Nergio bien sûr. C'est ça, c'est qui aime bien, chie bien. C'est ça, exactement. Alors pour le coup, ce match, tout l'enjeu de ce match pour moi, c'est depuis le début de l'année, Nergio est quasiment invincible en ZVT. Ouais. Genre clairement. Le 4-0 qu'il met à Marine Lord, les games sont serrés. Sauf qu'à la fin c'est Nergio qui gagne. C'est ça, exactement. Mais là, je t'avoue, mec, je suis ultra excité de voir Nergio contre un coréen made in Korea. C'est ça, et puis on envoie Goomio quoi, on envoie un mec qui est clairement dans le top 5 coréen. Et j'espère, en cas de victoire de Nergio, j'espère qu'on envoie directement Mao, tu vois. Ouais. Genre, bon, et le 5ème, le 4ème ou le 5ème n'a pas marché, envoyons le premier. Mais c'est ça, mec. Sachant que pour le coup, quand on parle des Terran, c'est simple, tu fais ton top 5 coréen, je sais pas trop comment tu te débrouilles, mais tu mets Bion, tu mets Maru, tu mets Innovation, tu mets Goomio et quelqu'un d'autre dedans. Tête live. Ou Cure. Cure, ouais, carrément. Bah, il y en a au moins 4 des 5 qui sont dans le tournoi. C'est ça, exactement. On oublie TY. Eh bah voilà, TY. On oublie TY. Non, voilà, tu mets TY. Et peut-être qu'on aura TY pour le coup, puisque des joueurs qui tirent le sort. On aura peut-être Zest aussi, hein, qui a déjà joué dans des events made in Total Biscuit. Clairement. Putain, mec, j'avoue, je suis trop chaud à l'idée de voir Nertio contre. Parce que moi, avec tous les airs qui sont en peine en Corée, tout ça, ils arrivent pas en TVZ. Non, et puis Nertio qui chie sur tous les terrains en Europe, je me dis, mais il y a un problème. Quoi, bah, on va voir la réponse. Est-ce que Nertio est trop bon et les airs coréens sont trop nuls, ou est-ce que les terrains coréens sont trop forts? Élément de réponse dans cette c'est partie. C'est ça, exactement. Moi, je suis parti du postulat que si Dark se faisait éclater, Nertio se faisait chier dessus, tu vois. Mais pour l'instant, on n'a pas la réponse et c'est déjà un bon début. Un BO1 après, c'est alors, pas une voilà, BO1. Non, ce qui comptera, ça sera plus la manière que le résultat, je veux ouais, dire. C'est ça. Clairement, si tu te fais voler une game sur un all-in, c'est pas forcément le truc le plus swag du monde. Faut qu'on explique à Goomio aussi qu'il y a des limites à la créativité. Le mec a fait son réacteur, a switch sa factory et ensuite refait des Reapers. S'il fait un go Hellbat, faut savoir que les Reapers, c'est ultra fort dans les go Hellbat, dû à leur capacité à tout soulever, tout simplement. C'est ça. Et les Hellbat crament pendant ce temps-là. Bon, oh lol. Ah, ça c'est. Petite victoire, mais à ce niveau de jeu là, c'est pas habituel pour Nerkyo hein, de perdre de ligne comme ça. Ouais, bah parce qu'en fait, 2 Hélion, on n'en voit pas souvent en Europe. 2 hein, Hélion comme ça, Terran. Regarde la réaction instantanée de Nerkyo. Ouais, Bataroach. Bataroach, hein. Bataroach qui est posé. Alors, du coup, on a 2 Queen en réception ici. Ou quelques Gling. Ouais, ça va pas le faire ici pour ce Reaper. Pour quoique, je veux dire. Ouais. Et du coup, énorme pression hein, mise sur cette base, puisqu'on a un deuxième Reaper qui arrive. On a plus d'Hélion, t'es obligé de refaire des lignes. Déjà, Goomio qui met la pression. J'ai vu un Tech Lab passer dans la barre de production. On ne tardera pas à voir à quoi il va servir. Ok, Banshee. Ah, mais le. Genre, le old school et surtout le brain. Attends, est-ce qu'il va vraiment se débarrasser de cette tâche? Parce que j'ai pas confiance pour deux queens. Oh, regarde, oh, on vient mines, faire mines, un câlin. Les mines. Oh là là, ça vole. Et du coup, t'es obligé de donner quelques lignes. Un ligne seulement qui tombe. Il y en a plus. Attention, ils prennent de dégâts, c'est Elion quand même. Ouais, mais. Et Goomio, c'est un joueur d'online. Hein. Goomio, il a l'habitude de micro avec du ping. Regarde, cette micro impeccable du joueur Terran qui ne perd rien, qui met une énorme pression sur la troisième base gold de Nerkyo. Est-ce que les Terran européens n'en sont-ils pas trop nuls? Oh là là, mec. Réponse dans quelques instants. Oh, il y a une queen qui tombe. Alors, même qui part Banshee. Deux queens qui vont tomber. Oh, le mec, ça a l'air tellement simple. Regarde les deux Hélions, les deux Hélions avec 3 points de vie, c'est incroyable. Il a perdu un Reaper depuis le début de la game. C'est ça. Il a perdu complètement un Reaper. Alors pour l'instant, il n'insistera pas plus, mais pour l'instant, la B3 gold. B3 sur la gold. Il a déjà plus de workers. T'as plein d'unités partout. Oh my god. Oh mec. T'as la Banshee. Ça a l'air débile comme et ça. Il vient de lui intercepter ses lignes, donc il sait où sont les lignes. Attention, faudrait peut-être faire demi-tour. Est-ce qu'on va vraiment run by? Non. Faire demi-tour pour venir récupérer ses lignes. Il hésite. Je pense qu'il voulait prendre la tumeur, petit échec et bonne victoire de Nerkyo aussi. Attention à pas se faire cancel sans CC quand même hein. Ouais, mais ça... il a des unités hein. Ah d'accord, j'ai rien dit. Ne sous-estimons pas le Goomigod. Et Goomigod qui comme à son habitude fait ce qu'il fait de mieux, à savoir faire des unités, les utiliser. Enchaîne sur double libérateur, la brochette immédiatement. La Banshee et les Lions qui vont venir mettre pression en conjonction. Oh là là, cette Queen dans la tourmente la plus complète. Cette Queen qui va pas tarder à tomber et qui tombe. Du coup la Banshee peut faire son travail, manger un petit drone. C'est horrible cette game pour Nerkyo qui juste pour l'instant est totalement surmené par un joueur Terran bien trop agressif et bien trop bon en micro.
Je suis sûr qu'Amelord il est en train de regarder les games là. Ouais. Il est en train de se demander comment on fait. Attends, Armurier, est-ce qu'il est pas en train de jouer Mecha Gumio? Ben... C'est tellement possible sur cette map. C'est tellement possible de la part de Gumio aussi, notamment. Oui, double libé déjà et beaucoup de Hélion, c'est déjà une bonne réponse. La question c'est voilà quel timing il prend ces gaz là en fait hein, pour ouais, avoir je suis quasiment sûr qu'il va jouer Mecha. Faut dire que la map s'y prête, tu vois les maps très très étroites, t'as vite atteint ouais. le nombre de tanks en fait où il n'y a pas de run by qui tiennent. C'est ça. Et pour le coup. Même si bon c'est pas forcément un amateur de l'Elbat du run by hein, Nercio. Ah non mais par contre, est-ce qu'il n'y a pas trop d'Hélion? Les Hélions qui arrivent, qui prennent la fight face au Roach, le câlin, attention, la Banshee qui se fait bien, Focus Fire, ceci dit, et la fight qui se passe pas très bien. Le libé du disrespect, là, carrément sur la sport, il en a rien à foutre, il va le perdre tout de suite, il mettra que un hit avec attention. Bon. Regarde, alors ça j'aime bien ça par contre, c'est un libé un peu plus efficace. Oh là là, Nercio donne pas ta queen, Nercio qui donne sa queen et qui du coup va donner des drones, puisque là tu peux plus utiliser ta base, pas loin de 3 drones qui vont au tapis. Et derrière, hop là, le petit shift click qui va bien, on DTR impeccable de la part de Nercio, les Lions qui n'ont pas cramé la tumeur, hein, ceci dit. Oh, il voulait donner la vision ou ouais, il va donner la vision, tu vois. Il passe pas ici le Reaper? Pas vraiment, non. Ok. Oh, petite mine. Ok, ça aura pas été extrêmement fructueux. On a toujours plus de Lions. Plus un attaque aérien. Est-ce que vraiment c'est du mecha ou on va surtout rajouter 200 000 starports? Non, c'est du mecha. Du mecha avec quand même une volonté d'aller sur l'aérien. Ouais, clairement, parce que bon, cette amélioration là elle est pas aléatoire quoi. Ce match est beaucoup trop hype. Par contre, on ne saura pas si un terrain coréen peut tuer Nercio avec de la bio. C'est ça. Mais bah, c'est beaucoup trop cool. Mais en même temps, sur cette carte là, Marine Lord est parti aussi sur, sur de l'aérien au début contre Nercio. Donc on est dans la même optique maintenant. Voilà, on n'a pas les Banshee, on n'a pas les Banshee Speed, on n'est pas exactement dans la même configuration. Ouais, non, là t'es vraiment quand même sur une volonté d'aller jouer sur des unités issues du Starport et des Factories, notamment avec ses deuxièmes armureries. Nercio qui a l'air d'avoir pas trop mal compris ce qui se passe. Oh là là, donation des lions. Et autant la micro de Gumio lui a permis de faire la différence en début de partie, que je trouve que désormais, depuis que la population a un peu augmenté, la défense de Nercio est excellente et lui permet de tenir sans aucun souci. Clairement. Alors cette petite agression ici au niveau de la B3 qui va être intéressante. Il a des libés de prêt, des ravageurs de prêt pour les libés. Ah, c'est marrant, ils vont. C'est rare qu'un changelin se fasse buter avant attention, de transformer. Attention, ceci dit, les deux libés, ok, le deuxième libé qui change de position, on a full morphé en Elbat. Et je crois qu'il a pas la speed roach, non, il l'a pas encore. Il a la speed roach. Et du coup on va pouvoir kiter, on se débarrasse de ce libérateur. On kite, c'est bien fait, de la part de Nercio qui vient, 34 de pop d'avance pour Nercio qui va à nouveau, non, pas tuer un libérateur, celui-ci s'est bien déplacé, mais ses trois ravageurs sont toujours en vie. Et Gumio qui est attrapé juste avant d'avoir les deux premiers tanks qu'il aurait mis tellement bien, obligé de se repositionner. La build qui connecte avec le libérateur, un libérateur qui survit, ça c'est pas bon pour Nercio. Ouais non, là il peut pas passer du coup, cette choc est trop compliqué à défendre, à agresser plutôt ici, on va choper à la place des supplies, des libés, c'est bien fait ici, c'est quoi, c'est une Rax. Ouais. Bon, pour l'instant, il a le bureau. C'est très très bien fait. Nercio qui passe loin devant, je trouve, sur cette opération. Ouais. Il faudra arriver à tuer un Gumio qui a désormais des tanks, des Medivac, qui va continuer de run by des lions. Et si tu n'es pas prêt à un moment, tu n'es jamais à l'abri de 40, enfin pas de 40, mais de 10, 20 drones qui sont cramés. Tu peux te faire punir. Les lions qui vont. Oh, il n'y a rien. Il y a les 3 queens. Est-ce que ça peut vraiment le faire? C'est quoi? Ok. Ok, ils iront pas. Il est en train de voler. Il est en train de voler, Nercio. Au niveau de sa B3. De sa B3, il wall. On regarde, il y a une chambre des vaux ici de wall. Ah ouais, ok. Le problème, c'est qu'on a fait le grand tour et qu'on va infliger du dégât. La question, c'est combien? Pas tant que ça, je pense. Hein. Le bon pool de drone. Oh là là, il perd un drone. Un drone sur 4 Hélions. Bon bah. Qui était dans une ligne de minerai, donc vraiment très bien fait. Et là, pour l'instant, Gumio. Mais moi ça me plaît, hein. En vrai je suis plutôt pour Nercio sur cette game juste parce que voilà, j'ai envie de voir un Maru derrière ou un je sais pas quoi. Franchement, innovation Nercio pour commencer, ensuite t'envoies Maru. De toute façon, enfin. Après je sais pas comment sont exactement sélectionnés les joueurs puisque c'est Total Biscuit et Oli Moly qui sont en charge. Mais t'as une partie de créer de la hype maximale qui compte pour ce tournoi. Je suis vraiment pas sûr de ça de la part de Nercio. T'as quand même 4 medivac avec beaucoup de tanks. Là tu casses le caillou, hein. Le truc c'est qu'il y a toujours ces tanky-vac en fait. Ouais, c'est tanky-vac, j'avoue. Attention. Et ici. Oh là. En fait, c'est tanky-vac Elbat. Du coup, on se rend, on a effectivement cassé le caillou. Est-ce que il est en train de se donner? Oh, qu'il se donne. Oh, il donne beaucoup là. Oh my god. Genre, c'est le mecha le plus swag de tous les temps en fait. Il avait le double de la pop armée de Nercio. Non mais c'est tanky-vac Elbat. Il y avait 90 de pop à 42 et là il est en train de prendre quelques SCV, mais bon vraiment, c'est pas worth pour l'instant. Il y a la gold qui tient. Oh là là. Alors, il y a toujours les 50 de pop d'avance, mais on fait du roach. Hein. Ouh, ça c'est beau. Ça c'est bon. On va choisir les deny ce plus 5 quoique si on va les deny ce plus 5 d'attaque. Compliqué quand même pour Gumio. Là, il y a beaucoup d'unités de nouveau. Oh, what the fuck! Il y a le drop, Doom Drop. Je vois que ça. Tu penses? Est-ce que vraiment tu vas aller jouer plus vite que Gumio qui est déjà un joueur extrêmement bon dans ces games un peu scrappy et qui en plus a toujours ses 4 medivac donc une mobilité non négligeable? Ok, 3 cocons. Ah, c'est bien ça d'aller choper le libé.
gratuité. Est-ce que tu vas pas chercher le tank là hein? Tu peux. Le problème en fait c'est que le tank tu peux aller le chercher, mais si t'as les CV qui rentrent dans la faille ça va être compliqué. T'as vu il a drop au-dessus. Ouais, ouais, il a toujours pas cassé ses cailloux. Alors ouais. Il va se faire dropper. Faut vraiment faire un drop. Pour moi si tu drops que genre 3 overlords, le mec te met 8 Elbat et te crame. Y'a B4 hein, pour Gomio, ouais. C'est pas vu. Je crois que c'est pas vu. Il est en train d'aller se compter. Il va aller le compter. Ah ça fait mal. Ça fait mal. Parce que Nerkio qui se pensait bien mieux dans cette game, toujours 62 supply d'avance pour un Nerkio qui va désormais doom drop un adversaire qui n'est pas prêt, qui est juste en train de rajouter. Oh mais il y a tellement de medivac ici pour moi. Ouais mais c'est des medivac avec des Elbat. Ouais. Ils sont pas. Et les tanks sont pas sièges. C'est pas les tanks dedans. Et il va perdre des facto, il va perdre beaucoup d'infrastructures. Faut dropper là. Oh, attention, les tanks en bas de la choc. Pour l'instant deux. Oh mais il va drop dessus. Attends. Oh mais les Elbat ils ont tout cramé. Non là il y a beaucoup. Ok il y a beaucoup. Sauf que le libérateur s'est mis en place, qu'on a sauvé un tank. Non il y a quand même énormément pour Nerkio. On passe en dessous des sandpop pour la première fois depuis longtemps chez Gumio ici, qui en plus se fait dépasser. Un tank en contrebas placé de manière un peu what the fuck qui fait ceci dit la div. Gumio qui parvient plus ou moins stabilisé dans sa main. GG. Oh là là Nerkio. Bon. Oh il l'a défoncé quand même. Oh bah Nerkio est trop bon, il est quand même Zerk. On verra, mais Nerkio est trop bon, c'est sûr. En tout cas, là, ouais, très bon, quoi. Je vais lui dire, hein, je vais lui dire qu'il a été bon, vous en faites pas, on va lui dire. Mais ouais, clairement, oh shit, mec. Leur league game qui, en plus, enfin, leur league game, il est dégueulasse. Ouais. Il prend trop cher, il arrive pas à droner. Sogozu. Sogozu. De la part de Gumio. Gumio qui dit Sogozu à Nerkio, voilà. Carrément. Gozu qui veut dire que voilà, t'es un très très bon joueur, ouais. En coréen et c'est, ça, c'est une vraie marque de respect, c'est de ça. La part de Gumio. J'aimerais bien que Gumio me dise ça. Mais pour l'instant, je suis... Stefano. Bon, ok. Ok. Ça va être rigolo. Stefano. Alors, la dernière fois que Stefano et Nerkio. On va sur Europe, c'est ça? Ouais. Ok. La dernière fois que Stefano et Nerkio se sont joués, c'était en Nation Wars. Oui. Ah oui, ça s'était pas bien passé. Ah, ça s'était pas bien passé. Ah, ça s'était pas bien passé du tout pour Stefano. Qui va essayer de faire mieux, du coup, Stefano qui arrive face à Nerkio, Nerkio qui en a son deuxième kill, voilà, qui a gagné un Protoss coréen, qui a gagné un Terran coréen, qui va essayer de manger un Zerg européen sur le retour, pour le coup. Ouais. Qui va essayer aussi de se faire du bien, parce que je pense qu'entre Stefano et Nerkio, il y a dû avoir un paquet de games aussi en 2011, 2012, 2013, et pas dit qu'il y en ait beaucoup de celles-là qui soient passées à l'avantage de Nerkio à l'époque. Donc on verra comment ouais, ça clairement. Va faire. On va voir comment ça se passe, en tout cas Stefano qui est là, qui est prêt. Taki au taquet, hein. Ouais, c'était le deuxième après moi dans le lobby, tu vois. La non, classe. On lui a dit Europe, tac, c'est bon, prêt Stefano. Prêt comme jamais. Alicia, c'est qui? Alicia, joueur. Du coup, c'est l'ancien joueur. D'accord. Qui est cast avec Crank en coréen. D'accord, ok. Voilà, alors des gens qui font des choses obscènes. Derrière la caméra, ça c'est habituel chez OGaming. Et Stefano contre Nerkio, du coup un ZVZ. Stefano qui est globalement confiant dans son ZVT, confiant dans son ZVZ, pas trop dans son ZVP, donc ça pourrait être pire. Ouais. Et de toute façon, quand tu vois le calibre des joueurs, très clairement pour Stefano, va falloir sortir une grosse game si on veut battre n'importe qui dans le tournoi. Oh oui, non, bien sûr. Tain, il est quand même top 16. Il a 6100 de MMR, presque. Attends, 6200. Je suis où du coup? Je me suis toujours pas vu. Je suis bas, moi. Je suis vraiment bas. J'ai cru voir un NB un peu plus haut. Non, c'est pas moi, je pense. Ah oui, t'es là. T'as vu, je suis vachement bas. 5400, putain, t'es pas si loin de moi en vrai. Hein. Je suis à 5000 là quasiment. Et pour vous dire, du c'est beaucoup 400 de côte ou pas? Oui. Genre, c'est vraiment beaucoup. Bah, moi, ça me ferait jouer si je me rajoute 400. C'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu te retrouves à jouer du 65. Du Reynor, du Fear. Ok. Des mecs que je peux battre, mais qui sont bien meilleurs que moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est... Mais pour le coup, bah. Du coup, le MMR qui montre bien la différence entre les serveurs, puisqu'en étant 178ème sur Europe, grosso modo, j'aurais été 78ème sur Reynor. Ouais, je suis allé voir ça, j'ai vu Nathanias GM avec un 5002 et j'ai fait ah ouais, bah quand même, tu vois, ça va. T'inquiète. Yogo, enfin, on va monter des comptes en GM là. Ah ouais, aller hop, c'est les compétitions sur Reynor. T'as trois gaming qui se ramènent. Avec leur compte GM. Voilà, ici en tout cas deux duels de GM bien sûr. Quand il y a des mecs à ta soirée, mais qu'un de tes potes a des cheveux longs, donc il fera la femme, d'accord. Je sais pas si j'avais envie de vraiment voir ce truc. Je suis d'accord, c'est qui tout à gauche? J'en sais rien. C'est pas. Il s'appelle pas Guillaume, un truc comme ça lui? Ah ok, d'accord. C'est un colloque de Yata du coup, atteint voilà, du syndrome de la capillosité. C'est ça. Difficile. On va jouer sur Temple Gelé entre Nerkio et Stefano. Coca qui déclare son amour. Ouais, bah ouais, si je devais aimer un Polonais, ça serait lui, je pense.
Même si j'ai pas. Il m'énerve en fait en TVZ. Bah, genre, il est trop fort. Quand je le vois défoncer Marine Lord, il me vénère. Ouais, il est trop fort. Il me vénère, mec. Mais je suis allé lui dire. Hein. Moi, il a défoncé Marine Lord. Putain, tu me casses mes couilles, tu vois. Ouais, Marine Lord qui s'est fait cloqueter par dire malheureusement. Ouais. Donc voilà, le pauvre Marine Lord sur mode, c'est à ronter. On a Stéphano, on aura peut-être d'autres Français, hein, c'est pas impossible, puisqu'il y avait 5 joueurs annoncés à la base. On a vu Polt, on a vu Super, et on attend tout. On a vu Nerkio, on a vu Stéphano. Du coup, ça fait 6 joueurs. En fait, on attend toujours 7 joueurs. On attend toujours Innovation, Maru et Bion. C'est ça. C'est ça, Maru et Bion, ouais. Et le reste, c'est votre imagination qui décide qui joue. Donc peut-être Coca. La surprise de ce soir. C'est parti. En POV. Hop, Coca qui pète Nertio. Triple Rax Marines Proxy. Voilà, j'espère que t'as un bon build order. Bah ouais, je pense que c'est le meilleur. Celui qui a le plus de chances de passer, je pense que c'est celui-là. Tu ouais, vois. Tu prends tout ici. Hein. Ah oui, non, bien sûr. Là, genre, je pull tout. Hein. Je produis mes 15 Marines. Mais tu vois, limite, je les stocke. Ouais, non, tu pas, fais le Rax chez toi. Ouais, tu mets ça. Deux Rax à l'autre bout de la map. Tu fais des Marines. Sur tu tues l'over. Je demande Frozen Temple et je fais ça, voilà. Pas de bol, tu peux pas demander ta map pour le coup puisque c'est le privilège du roi de demander la map. Maintenant, on va effectivement jouer sur Frozen Temple. J'ai l'impression qu'on est en train de lancer des deux côtés. On va donc pouvoir les tweeter quand même puisque quand même ça se tweet. Parce qu'il quand même il est fort. Hein. Voilà. Mais Meldan Stéphano aussi est un génie. Franchement, il nous a montré contre Puck qu'il avait du stock quoi. Il était ah fort. Bah il y avait du swag. Il l'a défoncé. Même contre M-Lord, il y avait une dose de swag. Le problème, c'est que M-Lord était juste imbattable si tu t'appelais pas Nerkios. En fait, c'est surtout qu'M-Lord avait préparé une carte par un BO par carte contre Stéphano, là où Stéphano est arrivé en mode juste en fait dans le lobby au moment où on arrive dans le compteur et qui a écrit 5, 4, 3 à 5. Il y a M-Lord qui lui fait je soulève ta mère, tu vois. Et à 0, il y a Stéphano qui envoie pompe mon dard. Et donc du coup je sais pas si vous l'avez vu à la cam, mais en gros Marine Lord il était plié de rire au début de la game. Il envoie GHFXD comme il a fait à chaque carte après. Mais c'est juste qu'en fait juste à la fin du lobby il lui a envoyé pompe mondard. Ok, le GHFXD je n'avais point compris à l'époque, ça troll bien. Et en fait après il l'a fait à chaque première map de chaque truc. Mais le premier vient de ce BO là où il fait pompe mondard. Et c'est assez drôle. C'était très marrant. Oh là attends Stéphano. Ok. Alors attendez. Attends, est-ce qu'il va vraiment proxy Hatch? Oui. Oui, il bloque. Non, mais il a 300 de. Bah, il a 300 de minerai, mais. Non, il a sorti, vas-y, c'est pas drôle. Par contre, il a bien fait. Parce qu'il va aller scouter le all-in. Oui. Ce qui veut dire que tu vas. Oh, bah là, il a toute l'info là. Holy shit, là, faut rentrer très vite à la maison. Oh, bah, surtout en fait, le plus gros avantage pour Stéphano, c'est que tu poses ta poule au lieu de faire deux drones, un gaz, un drone et de mourir. Ouais, c'est ça. Putain, c'est bien ça, Stéphano, il se met bien là-dessus. Hein. Et le timing de scout était parfait. Hein. En plus, c'est pas tellement le genre de Nertio de faire ça en ZVZ. Hein. Non, t'as l'impression que Nertio est pressé quoi. Ouais. Peut-être, franchement, si Stéphano est revenu top 16, ça veut dire 1 qu'il a un gros niveau, 2 qu'il a dû jouer quand même assez régulièrement avec Nerkio. Peut-être que Nerkio est pas ultra confiant dans. Dans un match contre Stéphano, en plus là vraiment il y va à fond. Hein. Nerkio là, et il a pas le temps de niaiser là, hein. Il fera pas speedling, ça va des painings. Comment Bly a volé le compte de Nerkio? Parce que clairement on a si c'était une stratégie issue. Blyesque. Voilà, Demir Grimoire du Zerg ukrainien. Stéphano qui va choisir une défense sans gaz, défense qui implique de faire des queens, de faire des spines, de faire plein de lignes. Mais si tu prends un peu de dégâts économiques, ton adversaire transitionnera sans problème là où toi tu devras reconduire petit à petit, reconquérir pardon, petit à petit ta B2. Allez, attention, spine posée, double une queen pour l'instant d'envoyer. Des glings aussi de la part de Stéphano. Va falloir défendre cette hatch ici, envoyer une queen de nouveau. Attention, les supplies, voilà. Il n'y a pas d'erreur de supply de la part de Stéphano et ça fait déjà bien plaisir. Alors ouais, pour l'instant. Dealing quand même, c'est beaucoup. Deuxième spine. On va essayer de temporiser. Elle prend tarif la hatch là. Il y a deux bendlings qui arrivent. Attention, oh, le surround de Stéphano. Incroyable le micro sur ce coup là. Ils sont où les deux bends? Ils ont été annulés ou... Non, ils sont là. Ils sont juste trop loin. Oh, allez. Oh là, je te laisse lire. Eldorado Dream Soul Gaming qui en est à son quatrième mois sur Road to Put. Oui, il y avait un souci. Attention, ce bending, si on arrive à se débarrasser de ce bend. Le bend qui va mourir pour juste deux lignes. C'est énorme ce que fait Stéphano pour l'instant. Deuxième bending à intercepter. Le bending qui meurt en prenant 3. La queen qui sort. Il va défendre ça. Stéphano qui défend. Stéphano qui n'a plus que besoin de descendre cette spine. Allez, oh my god. Annule celle-là, c'est un héros. Non, non mais en fait, okay, il la laisse. Le mec, il a pas de B2. Le mec a pas de B2, mais j'ai revu des drones passer pour Nerchio. Ouais, voilà, hero drone, il renvoie sa hatch, mais ça, il j'avoue. Il a juste pas de B2. Oh, il a même pas la speed. Ouais, j'avoue. Stéphano, il a des années-lumière devant. J'avoue. Le combo scout, défense parfaite, ok. Alors maintenant tu vas. Oh, LOL. Ça, c'est... LOL. Ça c'est le. Don't. Do this. Oh le pire. C'est même pas, il y a.
Il y a un seul qui a pété, mon gars. Darthur, il a même pas fait péter les deux, il a tellement pas respecté. Darthur, il était en mode détonation manuelle, je te manque de respect. Le piège à con qui a fonctionné parfaitement sur Stefano. Oh là là, il a été invité un jeudi soir à se promener au milieu des fougères, oh, il avait pas putain, compris. Putain, il lui a tellement manqué de respect. Oh là 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 là. Bon, ça empêche pas Stefano. C'était très drôle comme scène. Parce que, en fait, des speedlings qui meurent, c'est assez épique, tu vois. Mais des slowlings qui meurent sur un bending, ça fait vraiment genre patin, patin. Tu sais, ce move, c'est le move que tous les joueurs tentent et l'autre jamais il mord à l'hameçon. Ouais, normalement. c'est ça. Et là, en fait, normalement, ton adversaire est intelligent. Ouais, c'est ça, il sait qu'il y a une douille derrière le push, tu vois. Aïe, bon, aïe, aïe. Ce qui veut dire que bah, Stefano est moins en avance que prévu. On est toujours bien, hein. On a eu le temps de poser le Roach Warren, une Evo là où Nerkyo envoie la speed, on fait beaucoup de drones, on a un peu plus de supply. Mais si t'avais tous ces bains, t'aurais tous ces lignes, en fait, t'aurais un potentiel d'all-in carrément énorme. Ouais, c'est ça. Genre 20 speedlink, tu fais 10 rolls, tu renforces à nouveau en speedlink, tu vas, tu bourres. Ok, Nerkyo. Plus un def. Je t'avoue que je suis quand même pour Nerkyo sur cette ligne. Bah, moi je veux toujours voir Nerkyo contre mon fameux Terran coréen. Je suis désolé, mais voilà, je veux voir un Terran coréen jouer bio et taper Nerkyo ou se faire taper. Hein. Non, mais si mais c'est le seul moyen de savoir en fait avant la BlizzCon. C'est ça, puisque on nous annonce depuis le début qu'il y aura un global event. Les events globaux du coup qui sont censés regrouper pareil des coréens. Ouais. Et des foreigners en offline, maintenant toujours pas de news à ce sujet, ça arrivera peut-être, mais sinon il faudra effectivement attendre la BlizzCon. Et pour le coup, genre, Nerkyo a méga bien joué contre Gumiho, maintenant c'était du mecha, c'est pas ce scénario là qu'on a envie de voir. Ça enlève rien au mérite de la victoire de Nerkyo. On veut voir le Roach Ravageur Infestateur Ultralisque de Nerkyo se faire taper par des multifronts, des libérateurs et autres d'un joueur Terran bien trop rapide, tu vois. C'est ça. Allez, Ou le voir dire non à tout, tu vois. Non, moi je veux voir les deux s'affronter, je veux que ça soit close. Parce que je pense qu'aujourd'hui Nerkyo est très très bon à StarCraft. Ouais. En ZVT. Ah, je pense qu'il est. Ouais, je pense vraiment. Et ça me vénère, c'est facile. Bah, le truc c'est pas facile. En fait, ça donne l'impression d'être facile. En fait, si c'était facile, tout le monde serait aussi bon que lui. C'est ça, parce que moi finalement j'ai joué contre un diamant l'autre jour, je lui ai dit regarde, je vais faire la technique de Nerkyo, ça va passer tout seul. Et honnêtement, c'était pas. Genre, c'est pas easy. Ouais. Ouais, non, mais... genre voilà, c'est. Bah après, je suis nul, tu vois. Ouais, mais c'est un. Mais je veux dire, c'est pas un truc que t'improvises comme ça, tu vois. C'est vraiment une compo qui se travaille, qui se va. Et là, pour le coup, Nerkyo, on a l'occasion de le voir contre le meilleur Terran, que ce soit Maru ou TY ou Byun. On s'en branle, tu vois. Ça est-ce qu'il va pas all-in, Stefano, quand même? Parce que. Ouais, si. Si, hein. Y'a pas beaucoup de drones sur cette B3 là. 4 ravageurs, y'a pas de drone, on a refait passer le speedling. Très intéressant, plus un de défense, je trouve, qui va avoir l'avantage de profiter à toutes les unités de Nerkyo. J'aime bien, on a fait transférer quelques drones. Alors, évitez peut-être de montrer les ravageurs. Bon, ça c'est fait. On a montré un. Mais full speedling, de toute façon, là, tu accumules. Oh là là, Nerkyo qui drone. Nerkyo qui drone. Vlodafox qui en est à son 28ème mois avec un Stefano. Oh, il le supply block. De qualité, supply block. Oh, il est dead. Oh, ok. Ok, il vient de le supply block, un deuxième supply block encore. Et il y en a un troisième. Allez, l'over là. Tu sais que s'il le tue, il est encore supply block. Il y a tellement de ravageurs pour Stefano. Genre, ravageur Ling en fait, si on lit. Mais il donne tous ses over. Ça va pas toucher. Ok, celui-là touche pas. Mais il a trop de ravageurs. Mec, il a trop de ravageurs. Il y a pas assez de roach, tu veux dire. Et s'il encercle, s'il encerclement. Oh là là, la bille. Ok, la bille qui connectera pas massivement. Les Benling qui arrivent. Mais est-ce que c'est pas un peu tard pour ces Benling? Les Benling qui se font sniper. Le split de ravageurs. Les Ling et les ravageurs d'un Stefano. Non, le retour de Stefano. Stefano. Non. Oh mon dieu. Et là encore, supply block. Nerkyo qui devra défendre avec ses 6 roaches de plus. Oh mon dieu, mais il s'est fait méga défoncer. Oh lol, not even fucking close dans cette partie, Stefano. Avec voilà sa capacité à être décisif, sa capacité à être créatif aussi. Parce que, quand même, un all-in ravageur Ling, y a pas de roaches dans son armée. Plus un de défense, on voit rarement ça. Et là, les Ling qui prennent prendre la fight, dégage tes roaches, s'il te plaît. En plus, ça touche la spine. Tu vois un peu effet qui se coule ici. T'as tout ce que tu veux, les deux spines qui tombent. Toujours plus de Ling, toujours plus de ravageurs. Et tu prends un Stefano, tu prends ce que tu veux. Ah bah tu peux prendre les deux en même temps. Oui, c'est vrai que c'est fort. Et, tu sais qu'il a juste besoin de biler et Nerkyo va devoir sortir. Bah Nerkyo va être obligé de sortir. C'est pas fait encore. Hein. Non. Oh, ouais, mais lance le T2 quoi, c'est peut-être fait peut-être en fait. Moi, pour moi tu biles et tu prends les deux. Ouais, Tu builds dans l'armée. Attention, oh là là, les builds qui sont massives. Oh la ravageur. Oh, y'a tout qui est tombé. Oh là 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 là, et la Nerkyo qui est en train de s'approcher. Oh, mais non, mais on verra pas Nerkyo contre un Terran du coup. Ah bah, on a vu Nerkyo défendre brillamment le mecha de Gumiho, gagner brillamment face à dire. Mais au moment où on a sorti Stefano, et bah, y'avait plus personne côté polonais. Oh là là. Stefano qui va dans quelques instants s'imposer face aux airs de chez Euronix Gaming. Y'a juste trop d'unités, trop de renforts. Le plus un def qui fait la diff.
ici, de toute façon, il y a le T2, il y a le pulsar d'attaque, le retour de Gigi. Oh là là, Stefano. Respect. Bon, c'est un BO1, mais... 250 boules de gagner. Ouais. Une soirée de bonne fête. Une soirée, d'une fête où tu n'arroses que toi, parce que Stefano boit beaucoup, mais... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, puis surtout le skill de Stefano, quoi, qui montre qu'il est au très très haut niveau. Oh le shit. Oh, il lui a tellement chié dessus. Ah, il l'a défoncé. Genre, déjà le combo, en fait, je te scoot et ton ligne de piste, tu le remballes. C'est ça. Je suis généreux. Je te permets de faire le beau avec ton Bailing. Voilà, ça c'est ça bon. Nous a bien fait rire. Ça nous a fait rigoler. C'est pour les copains. Et derrière. Oh, Byune. Byune Stefano. Ok, Byune Stefano. c'est dommage. Ah, je suis toujours dans le regret que ça soit pas Nercio. C'est vous, mec, ça aurait pu être Nercio, mais c'est surtout genre là, Stefano. Ah bah, prépare la vaseline. Hein. Oh là là, là oh. Prépare la vaseline parce que de toute façon, ça va faire mal. Hein, donc. Bon, en théorie, de toute façon, genre si j'aurais dû faire un bet, c'est au moment où Byune arrive, il ne part pas. Ouais. Pour moi, c'est le joueur à battre. C'est ça. Parce qu'il cumule à la fois le skill complètement énorme d'un top terrain coréen et le fait d'être habitué à jouer online. Oui, bah oui, c'est il a fait que fait ça pendant 8 mois en fait. Hein, avant de. Enfin, même, il fait que ça en général. Il fait que ça. Byune, il fait limite 2 tournois par jour. Si vous voulez regarder un petit peu Byune sur son profil Liquipédia, vous verrez qu'en fait, il gagne 1000 à 2000 boules par mois. Avec des tournois à 50 boules. De tournois online. Non, mais attends, je dis par mois, mais c'est. Peut-être non, c'est mais... par mois, c'est par mois à peu près de tout. Oh, ah. Bâtard. Funky, il est où J'en sais rien, mais c'est pour cette raison que t'es venu. Que c'est moi qui suis là, c'est ça? Ah, c'est ça. Ça s'est dit, lui était là hier. Je pourrais être en train d'attraper des Pokémon. Ouais, en faisant le tour de la piscine en marchant. C'est ça. Ou en barbotant. Avec aussi. Son canard. C'est ça, avec une protection anti-eau pour le téléphone et tout. T'as fait violette et gros tout. Gros tryhard. Mais oui, clairement, ouais. Byune, il doit faire 1000. Je crois qu'il fait 2000$ à peu près, j'avais vu par ça. En fait, il fait dans les 500$ par semaine de cash price sur les tournois online. Et du coup, en fait, voilà, vous verrez, c'est très drôle et il est tout le temps gagnant et il met 3-0 à tout le monde. Genre, c'est trop marrant parce que c'est la. Comment elle s'appelle la coupe là? Oh, U-Cup. Do You Cup. Où il y a un moment, il y a 4 d'affilée, il y a 3-0 contre Live en finale. 3-0. Le pauvre Live. Il y a un 3-0 contre un Zerg et tout. Et 3-0 tout le monde, c'est incroyable. Ça. Le seul qui lui donne du fil à retordre et qu'il a 3-0 récemment, mais c'est un joueur qu'on a perdu, c'est Gumiho qui, en jouant Mecha, a juste atomisé Byune. Il y a eu un 3-0 infligé. Je l'ai pas vu. C'était très très récent et mais okay. Dû au fait à la grosse résurgence du mecha en TVT encore en ce moment. Maintenant, Gumiho contre Byune, c'est un match-up que nous ne verrons pas parce que Gumiho a perdu. He's out. Mais on a un petit Byune Stefano à se mettre sous la dent. J'espère que Stefano a un plan. Ouais. Parce que là, Byune, tu l'all-in pas. C'est le big. En fait, est-ce que tu joues macro? Je pense pas. Le problème, c'est que si tu le laisses à 10 SIV, qu'il a 3 CC et de la bio 6 mai, t'es mort. Ouais, t'es mort probablement. En fait, pour ceux qui. Parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément pas vu les clips sur Twitch, etc. Mais Byune, c'est genre t'as 6 Bailing, t'en as pas. Au milieu de 20 Zergling. Au milieu de 20 Zergling, en face, il y a 10 Marines steamés. Part du principe que tu n'as pas de Bailing. C'est vraiment, c'est aussi. En fait, con t'as que ça, gagné 2 secondes où les Marines ne tapent pas tes Zergling. C'est ça, exactement. Parce que le mec, il est là, il fait. Et les 6 Bailing, ils sont focus, ils se font instant. J'ai essayé de le faire, hein. J'ai réussi en shift click 2. Bah c'est bien, ensuite tu remontes dans ton medivac comme un terrain normal. Et après t'es en panique. Oh mon dieu, pour monter tout de suite. Mais moi en plus, ce qui me fait peur dans ce genre de cas, c'est que je me dis toujours, je vais click droit à côté, mais Marine, ils vont courir dedans, ils vont courir. Le problème surtout, c'est qu'en fait t'es dans une alternative où soit t'es un génie, soit tu fail et tu perds ton armée. C'est ça. Et perdre son armée. Ça fait mal au cul. Être un génie, c'est cool. Et Byune est un génie. Byune de manière génie. Régulière. Bien trop souvent. Il se lève le matin, il fait je suis un génie. Speak Now, c'est lui? Ouais, Speak Now, c'est son compte. Je vais lui dire bonjour. Je dis que t'es un fan quand même. Stefano nous dit Cranache. Qu'est-ce que ça fait plaisir, en tout cas, de voir Stefano. Stefano, ouais, clairement. Et genre. Que dit le chat? En plus, tu vois. Mais c'est Stefano et c'est. Non. Penway, Kristen. Pas de message. Stefano, on va dire? Ouais. Ça m'étonnerait que Kristen n'ait rien dit. Habitué des donations, Kristen. Ouais, sur la soirée de folie, tu en avais donné 70, un truc comme ça, je crois. Stefano est tellement de haut que c'est trop petit. Ok, bah Nerkio était clairement trop petit, hein, sous la chaussure de Stefano ici. Bien trop fort. Oh là là, bien sûr, les gens ils ont gueulé Stefano. On n'a pas d'émote Stefano, c'est vrai. Ça pourrait venir. Tout est possible en émote. C'est ça. Il nous faut définitivement un Yogostache. Une émote Yogostache, ouais, clairement, ouais. On verra la forme que ça prend. Yogo qui avait un repas de famille aujourd'hui, j'espère qu'on aura une photo sur Twitter. Oui,
Tu sais que moi, j'en parlais avec lui et tout en off et il me disait, mais mec, c'est horrible, ça pique. En gros, il m'a dit, dès que je bouge un peu la lèvre, ça me pique. Ah, donc c'est encore mieux que prévu. Genre, vraiment, il souffre, mec. Ah, c'est encore et à plus. La maison, il a plus de bisous de sa copine qui lui dit, tu t'en vas, tu vois. Genre. Ah, c'est pas grave. Ah, dans 3 semaines, tu vois. J'ai un bon programme pour Yogo la semaine prochaine. Oui, de toute façon, il dormira le jour et il castera la nuit. Donc, il y aura pas de problème. De toute façon, il la verra pas. Ça fait déjà une semaine de plus d'économiser. Hein. Voilà. Mais surtout que, ouais, comme il disait, il en est qu'à une semaine et 3-4 jours, tu vois. Genre là, il va arriver aux 2 semaines lundi, demain. Mais c'est bien, il pourra du coup commencer à envisager de la taille. Puisqu'apparemment, ça devient.